dream again. I'll tell you all my secrets. Wearing courage like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première Coupe RDS Jeux vidéo sur NHL 21, présentée par RDS Jeux vidéo et Vision en partenariat avec La Source. Et je serai en compagnie aujourd'hui de Luc Carbonneau, mon nom est Étienne Veilleux. On a aujourd'hui un événement bien rempli, mon cher Luc. J'ai déjà hâte de commencer ça. Moi aussi également, Étienne, j'ai vraiment hâte. Écoutez, c'est 224 équipes sur les deux plateformes de Microsoft et de Sony, donc la Xbox ainsi que la PlayStation 4, qui prennent part au tournoi.
On a 16 divisions de 8 équipes dans la catégorie PS4 et également 16 divisions à 6 équipes au niveau de la Xbox One. C'est 224 équipes, je le rappelle. C'est un tournoi à 6 contre 6. C'est un des premiers gros tournois de cette ampleur-là à 6 contre 6. On est habitué dans le passé de voir des tournois à 1 contre 1 au cours des dernières années, mais ça prend la tangente au niveau du hockey virtuel. Donc, cette fameuse formule. Mais ça va être de plus en plus populaire, Luc. Oui, c'est exactement, c'est de plus en plus populaire. On le voit au niveau, notamment de la Scandinavie, en Suède et en Finlande, le 6 contre 6 est très développé. Alors, le tournoi de la Coupe RDS Jeux vidéo, c'est des règles bien simples. Si une équipe vient à avoir 7 buts d'écart, eh bien, à ce moment-là, elle remporte automatiquement la rencontre. Les joueurs, les équipes ont l'interdiction, oui, de flâner avec le disque en zone défensive. Donc, s'ils ne vont pas provoquer le jeu au niveau de la contre-attaque offensive, ils vont avoir des avertissements. Donc, on veut vraiment favoriser la rapidité d'action. Également, interdiction de flâner, ça, je l'ai mentionné. Donc, ce qui va être très intéressant aussi au niveau de la formule des séries éliminatoires, étant donné qu'il y a beaucoup d'équipes, il va y avoir un 16e de finale au niveau des deux plateformes, autant au niveau de la PS4 que de la Xbox. Donc, on va avoir 32 équipes qui passent en ronde éliminatoire à élimination subite. Et par la suite, on va dégringoler ici l'arbre en passant en 8e, encore en demi, ainsi qu'à la finale qui aura lieu samedi dans 2 semaines. Il faut dire que ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a 96 équipes sur la Xbox One et on a 128 équipes sur la PS4. Donc, il semblerait que c'est plus populaire auprès des joueurs d'NHL, la PlayStation. Et aussi, le tournoi va offrir une bourse de 6 000 $ pour les gagnants du tournoi qui va être divisé en deux pour les équipes de Xbox One et de PlayStation. Donc, 3 000 $ vont aller à chacun des gagnants. Donc, c'est quand même 500 $ par joueur. C'est pas négligeable. Mais avec autant d'équipes, tu le mentionnais, 224 équipes, bien hâte de voir là, qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais on a d'excellents noms, là, de gros noms, d'équipes qui jouent ensemble depuis un moment déjà. Là, donc, je pense qu'on va avoir du bon calibre. Et c'est la portion qui est très intéressante, Étienne, c'est qu'on a également des équipes de l'Ontario parce que le tournoi est ouvert à l'échelle nationale. Donc, toutes les équipes ou les amis, là, vous avez des amis, par exemple, en Colombie-Britannique ou encore au Québec, vous étiez admissible pour former une équipe pour prendre part au tournoi. Donc, on sait qu'il y a une équipe qui est très redoutable dans le 6 contre 6, 6 à l'échelle internationale, qui est ontarienne, qui est inscrite dans le tournoi. On dit qu'elle est parmi là, l'une des 10 meilleures équipes à ce chapitre-là dans NHL. Donc, ça va être à surveiller également. Et je pense que ce qui va être très intéressant à voir, c'est si les joueurs qui sont excellents un contre un. Je pense à le Canadien 27, à Risk Taker, Folex également. Bon, il y avait également Mivien. J'ai hâte de voir de quelle façon ces joueurs-là vont se comporter à 6 contre 6. Parce que là, on n'a pas l'intelligence artificielle qui peut rentrer en ligne de compte. Absolument pas. Puis c'est vraiment une question de synergie. Donc, je pense qu'on va rapidement voir quelles équipes ont déjà joué ensemble et depuis un certain moment en 6 contre 6. Parce qu'on va voir vraiment là, que le positionnement des joueurs et surtout le talent du gardien de but aussi. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'improviser en une seule partie ou deux un talent de gardien de but à NHL. Il y a quand même certaines mécaniques à bien comprendre. Donc, bien hâte de voir comment ça va réagir, mais je pense qu'on peut, lorsqu'on va pousser le jeu vraiment au maximum, là, on va vraiment avoir des jeux là, intéressants qui vont pas ressembler à ce qu'on a, comme tu mentionnes, durant l'intervention d'une intelligence artificielle lorsqu'on est à un contre un. Ce qui va être bien hâte de voir ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on parle souvent des fameux glitch goals à 6 contre 6. Là, oubliez ça, là, vous pouvez pas avoir de glitch goal. Vous devez avoir un système de jeu qui est préparé comme dans la vraie vie. Donc, je pense qu'on amène véritablement là, les jeux NHL, le sport de compétition sur NHL, vraiment au niveau que ça doit être depuis les dernières années. Absolument. Et on vous invite à venir nous regarder justement là, si vous êtes déjà sur une de nos plateformes. On est sur Facebook, on est sur Twitch et sur YouTube. Donc, merci à tous ceux qui sont là. On va essayer de suivre le chat un petit peu. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce que toutes les games vont être diffusées? Eh bien, étant donné qu'il y a 224 équipes, round robin, on serait là très tard pendant plusieurs semaines si on voulait toutes les diffuser. Donc, on a fait une sélection du mieux qu'on pouvait pour vous pour pouvoir vous diffuser des bons matchs. Et lorsqu'on arrivera là encore de finale, demi-finale, là, demi-finale, on verra tous les matchs et en finale, surtout, évidemment, on verra les matchs. Donc, on va y aller là, pour un beau 3 heures ensemble ce soir de match du premier round robin. Et d'ailleurs, comme je mentionnais, le premier match va commencer sous peu, Luc. On va aller rejoindre la partie dans les prochaines secondes. Mais surtout, hâte de voir, moi, pour les premières parties, la synergie qu'il va avoir là, entre les joueurs
à voir s'ils ont déjà pratiqué ensemble. Ça va être, effectivement, ça va être très intéressant. Surveiller un joueur qui était bon à 1 contre 1, c'est au niveau de accuracy. Serge Gable était vraiment au Québec, là, quand même un joueur qui se débrouille très bien. Il va être à surveiller. Il porte le numéro 11 là, du côté de l'équipe accuracy. J'ai bien hâte de voir. Puis Étienne, si on devait diffuser tous les matchs, je pense qu'on commencerait à 8h du matin et on finirait à 1h du matin. Oui, absolument. Donc, on va se lancer dans la partie dans les prochaines secondes, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on espère que vous allez apprécier ce style de jeu là, qui est de plus en plus populaire, comme on mentionne. Et pour le premier match qu'on a à vous offrir aujourd'hui, eh bien, ce sera Accuracy contre Los Amigos. Donc, allons rejoindre tout de suite la première partie, mon Luc. Alors, c'est parti. Alors, on fait la présentation des deux formations. Alors, au niveau d'Accuracy, vous allez avoir comme gardien partant Bacon. Et au niveau de l'équipe adverse, vous allez avoir Zach Chalet qui va être devant le filet. Donc, bien entendu, vu que c'est une confrontation 6 contre 6, on ne se retrouve pas sur les patinoires des équipes de la Ligue nationale. Alors, tout est en place. C'est parti. Bon tournoi, mesdames, messieurs. Et la rondelle qui a été remportée par Amigos. On s'amène en zone offensive. On laisse derrière à la défensive. Un tir de loin. Ça a été bien bloqué par Bacon. Amigos qui est toujours en zone offensive et finalement, ce sera Accuracy qui va ressortir avec le disque en trade zone qui sera effectué par Black Label qui rejoint avec Amigos et finalement, en battant le sifflet, il y aura une mise en jeu en territoire central. Et on voit là, justement là, le genre de manque de coordination qu'on pourrait avoir. Là, un hors-jeu ici, deux joueurs qui se percutent, donc c'est là qu'on va voir là, la cohésion des joueurs. Là. La mise en jeu qui a été portée par Jay, Accuracy qui va s'amener en zone adverse. On renvoie la rondelle à la ligne bleue, au cercle gauche maintenant, dans le coin toujours. Protection de rondelle. On n'est pas fondamentalement territoire offensif. Le tir qui a été bloqué devant la cage de Zach Chalet. Et finalement, ce sera les Amigos qui vont tenter de revenir en zone offensive. On va devoir attendre quelque peu. Bonne mise en échec en territoire central. Et finalement, c'est Accuracy qui va retraiter en zone offensive. Revirement, passe transversale tentée. Ça a été bloqué en défensive par Monzi. Et finalement, les Amigos qui vont s'amener en zone offensive. Encore une fois, un tir de loin. Ça va passer à la droite du gardien Bacon. Entre les deux cercles. Passe qui a été bien coupée. En défensive, par Reaction. Contre-attaque d'Accuracy. On tente de s'amener le tir. Contact avec le gardien. La rondelle qui va aller en possession des Amigos. On va calmer le jeu. Dégagement tenté de la part de Chilos. De Provo Baseball. C'est récupéré ensuite par Accuracy. Contre-attaque avec Jay. Jay à la hauteur du cercle droit. Frappé solidement le long de la rampe. Le disque qui va s'amener en zone offensive pour les Amigos. Un tir bloqué en défensive par Capi. Et ce sera la relance effectuée par Hockey. Introduction avec Jay. Jay au cercle gauche, le long de la rampe, perd possession de la rondelle. Et revirement qui va aller en faveur des Amigos. Guigui perd le disque. On va tenter un tir, ça va être hors-cible. Ça va revenir à la hauteur de la rampe, à la ligne bleue. Un tir qui va aboutir dans le coin droit. Et contre-attaque effectuée là, par Monzi. Relance rapide du jeu. Attention, on a de l'espace pour manœuvrer. On le fait très bien dans le coin. Disque qui est refilé à la ligne bleue à Chilos. Envoie à la pointe gauche. On tente toujours de contrôler le jeu en zone périphérique dans le coin. On refait le derrière. Ça sera intercepté par les Amigos. Un virement en terre. En tente, en train de passer le but! On profite d'un virement et c'est 1-0. Et un beau but rapide. Mais vraiment, le jeu était très rapide là, du côté d'Accuracy. Donc, je suis surpris de voir ça. Donc, on avait vraiment des bonnes passes. Un bon retour là, qu'on a pris. Et ça s'en va se loger dans la partie supérieure à gauche. Donc, on commence très rapidement du côté d'Accuracy. Là, on démontre un bon travail d'équipe. Chilling là, qui vient de marquer le premier but. De la rencontre, les Amigos qui vont contre-attaquer en zone neutre. On réussit à contourner la défensive. Transversale tentée, ça a été bloqué par Monzi. Et finalement, Accuracy, là, on va renvoyer la rondelle derrière pour tenter de créer une zone tampon là, pour se donner de l'espace en sortie de territoire. Ça sera fait maintenant. On s'en va vers le cercle droit. On doit faire attention là, pour éviter de prendre une pénalité pour ralentissement de jeu. Bon contact dans le haut de la zone au niveau des Amigos. Qui vont reprendre possession du disque. Prévost Baseball là, qui est surveillé de près. On réussit à faire un chassé croisé devant le filet. Ça passe bien près de fonctionner. Et la rondelle qui va finalement être sortie par Accuracy qui va s'amener en surnombre. La feinte qui est tentée. On perd contrôle de la rondelle. Et on s'amène à la ligne médiane au niveau des Amigos. Dans le coin gauche maintenant. C'est Accuracy qui va reprendre, relancer le jeu en compagnie de Monzi. Rondelle qui s'en va maintenant. Ampeg J qui est là en renfort. Amigos qui intercepte. On s'amène au cercle gauche. La passe transversale avec un peu trop de force est lobée. La sortie de zone effectuée par Jay. Est en mesure de rejoindre un coéquipier. C'est regarde, attention, temps de tirer. Ça a été bloqué par le gardien. Rondelle qui va être remise immédiatement entre les deux lignes bleues pour les Amigos.
avec moins de 2,50 à faire en première. Accuracy qui a pris les devants par le premier but de Chilos du tournoi. Sortie de zone effectuée par Monzi, qui a évité le contact sévère à la ligne bleue des Amigos. Ces derniers s'en viennent en zone offensive avec un bon chassé croisé. Ondel qui va être repoussé plus loin par Accuracy. Attention, revirement. Est-ce qu'on est en mesure de décocher un tir? Non, beau jeu défensivement, mais on va écoper d'une pénalité. Ce sera le premier avantage numérique de la soirée. Et très intéressant. Ça va être super intéressant de voir comment on va gérer cet avantage numérique-là. Est-ce qu'on va vraiment ramener ça à la pointe, essayer de prendre des bons tirs frappés avec un petit peu de nuisance devant le filet. Mais pour l'instant, très rapide. Encore une fois, on manque tout. On passe tout près de compter. Oui, effectivement, Sergei Vecilos qui a été incapable de décocher deux bons tirs sur Zach Chally. Il a déjà encore une fois tenté sur un pivot de décocher un lancé. Ça revient vers Sergab, derrière la cage. Ensuite, Achilos refile à la ligne bleue au niveau de Reaction. Encore une fois, la transversale. Jake qui se bute à Zach Chally qui vient d'être frustré. Il t'en encore une fois un avantage numérique d'un angle restreint. Le disque qui se déplace le long de la rampe dans les dernières secondes. Et on va attendre la série maintenant sur la dernière seconde de jeu. Un bon tir frappé en haut du cercle. Et c'est sur ça qu'elle va prendre fin cette première période, Étienne. Et vraiment beaucoup d'action, on s'entend là, vraiment à l'avantage d'Accuracy ici, là, le temps de possession qui est près de 75% de leur côté. Donc vraiment, là, ça se passe très bien pour eux présentement. On a un avantage numérique en plus, on réussit à garder le contrôle de la rondelle. Donc, j'ai vu là, quelques petits problèmes de communication où on avait plusieurs joueurs là, dans le même coin de la patinoire, mais sinon, là, honnêtement, là, on a quand même une belle cohésion là, de ce côté-là. Le gardien de but, là, qui pour l'instant est assez tranquille, on a eu probablement un lancé ou deux, là, mais vraiment en ce moment, c'est une domination là, d'Accuracy. Alors, tout est en place, il va rester 56 secondes à l'avantage numérique pour Accuracy. La rondelle qui est déposée, la deuxième période qui est en marche. Les enjeux remportés par Jay Chilos qui renvoie vers Sergab qui s'occupe de l'installation d'offensive. Dans son géant entre les deux cercles, alors que Sergab a été solidement frappé, un tir en offensive qui a été bloqué par Amigos et la rondelle qui est dégagée jusqu'à l'autre bout. Il reste 15 secondes au jeu de puissance pour Accuracy. Beau chassé croisé là avec John entrée de zone. Jay renvoie derrière au défenseur. La transversale tentée, le tir, on est incapable de déjouer le gardien. On revient dangereusement devant le filet. Et ça va revenir le long de la rampe à la défensive. On est de retour à force égale à 5-5. Un tir tenté de la part de Sergei qui va tenter de revenir devant le filet en étant frappé solidement. Monzi va venir récupérer dans le coin. C'est Chilos qui est frappé à son tour. Et Sergei arrive en repli. Tente de pousser le joueur adverse le long de la rampe. Ce qui réussit à retarder la contre-attaque des Amigos. Entrée de zone maintenant de Guigui. Un tir de loin, ça va être bloqué par Bacon. Et là, c'est Reaction qui tente de refiler vers Sergab. C'est réussi, je l'amène en chassé croisé. Attention! Oh. Vachilos qui ne peut réussir son deuxième du match. Et il y aura une mise en jeu à la droite de Zach Chally. Quel beau jeu et beaucoup de vitesse en entrée de territoire. On voit vraiment que les joueurs savent à peu près où s'enligner. C'est vraiment beau de voir jouer à Accuracy présentement. Là, on tente de défendre là, du côté de l'équipe adverse, mais là, honnêtement, c'est assez difficile pour Amigos. Là, on reprend la rondelle, on tente d'y aller, mais encore une fois, beau jeu défensif ici pour reprendre la rondelle là, du côté d'Accuracy, qui va se retourner immédiatement en zone 1. Effectivement, et depuis le début de la rencontre, on peut dire que Jay là, réussit très bien à faire au point de mise en jeu. C'est Regarde qui intercepte la rondelle, tente de s'amener devant, et Zach, encore une fois, qui va devoir sortir la mitaine à la glace pour provoquer l'arrêt de jeu. Très bel arrêt là, ici, là, qu'on sauve là, un presque échappé. Mais encore une fois, beaucoup de pression du côté d'Accuracy. Est-ce que Jay va remporter encore une fois la mise en jeu? Non, cette fois-ci, ça sera remporté par Guigui. Les défenseurs des Amigos qui vont retraiter derrière la cage de Zach. Contre-attaque, là, c'est maintenant au tour de Prévost Baseball de s'amener. Prévost tente un tir, ça a été bloqué avec la mitaine par Bacon. Il n'y aura pas de retour avec 13-16 à faire en période médiane. Oui, et un petit peu, on voit, là, on tente d'arrêter le jeu d'Accuracy, de reprendre possession. On a une bonne victoire de mise en jeu et on retourne dans le territoire adverse. Donc, un bon signe de vie pour Amigos. Mise en jeu qui a été remportée par Jay. Le Sergei va être le premier à la rondelle. Dégagement qui va être toléré par les juges de ligne. C'est récupéré encore une fois par Jay au cercle gauche. Remonte entre les deux cercles, laisse derrière Achilos. Tente un tir, ça a été bloqué par le gardien. On a le qui revient à Sergei dans le coin, derrière Achilos. Achilos vers Jay qui a tenté de rendre la politesse au niveau de Chilos. Et là, c'est les Amigos qui vont sortir de la zone défensive. On tente de s'amener profondément en zone adverse. On perd possession du disque, malheureusement. Ce sera au tour, encore une fois, de Sergei s'amener. Oh, a tenté la belle feinte, mais a été entendu solidement. Presque un contact, genou au genou, à la ligne bleue des Amigos. Le long de la rampe, bonne mise en échec de la part de Reaction. Et là, Sergei tente un tir, le but! Sergab en échappé, marque et c'est 2-0 pour Accuracy.
Un très beau move. Si c'est vraiment difficile là, d'arrêter un échappé, là, autant lorsqu'on est le gardien avec l'intelligence artificielle que lorsqu'on le contrôle nous-mêmes. Là, c'était bien tenté par contre, mais vraiment très difficile d'arrêter ça ici. Donc 2-0, là, on double l'avance du côté de l'accuracy qui continue de dominer le match. Là. Et au niveau du Zach, il faut rendre quand même crédit. On a très bien suivi la rondelle malgré le beau déplacement latéral. Oui, c'était bien exécuté de sa part. Là, le mieux qu'il aurait pu faire. Les Amigos qui tentent encore une fois de rentrer en zone adverse. Là. Prévost tente de s'amener encore une fois de son côté. Rondelle qui va être refilée vers Sergab. Belle passe vers Chilos. Chilos, oh, beau pivot. Chilos devant le filet pour Mondi. Ça ne peut être complété. Mais ça sera au tour de Capi de contre-attaquer avec Hockey. Et finalement, hors jeu, il y aura une mise en jeu devant le bas des Amigos avec 6:38 à faire en deuxième période. On voit quand même plus de signes de vie. On voit que Amigos tente de reprendre le dessus là, en deuxième période. Donc ça, c'est très positif pour eux. Et on voit le chapitre des mises en échec. On est au double, donc 14 contre 7 pour les Amigos. Chilos qui a tenté un tir d'un angle restreint. Même chose pour Sergab. Rondel qui est toujours libre. J'ai un petit peu trop de générosité. Le refil vers Sergab. Oh! J'ai c'est 3-0. Tellement un beau jeu de passe. Encore une fois ici, on refile la rondelle. Dans l'enclave, on était juste à côté, mais tout juste assez pour obliger le gardien de but à se déplacer. Et on est battu, malheureusement. Là, vraiment, là, du côté d'Accuracy, ça se passe extrêmement bien. Puis déjà là, on voit là, que c'est une équipe qui ont certainement déjà joué ensemble et se sont déjà pratiqués parce que vraiment, là, la cohésion est là entre les joueurs. Et bien là, ça paraît énormément parce que vois-tu la passe qu'on avait, le disque qu'on avait refilé dans le coin droit, j'étais persuadé qu'on venait de perdre la rondelle. Et au contraire, on a très bien vu le joueur. C'était justement Jay avec Sergab. On a décidé de revenir dans le coin. On a permis justement de déjouer Zach Chally. C'est 3-0 à Curacy. Encore une fois, on s'amène en contre-offensive. Attention, le défenseur, là, c'était autour. Le Mondi tente un tir. Belle surveillance par les Amigos. Encore une fois, dans l'enclave, on a pu en profiter. Et on intercepte en haut de la zone au niveau des Accuracy. On est qui va être libre. Et finalement, ça sera encore une fois une deuxième infraction pour les Amigos. Ça fait mal. Le temps s'écoule et c'est de plus en plus difficile de voler de l'arrière. Et par contre, ce que j'aimerais voir plus un petit peu du côté de l'accuracy, c'est utiliser la pointe. Mais on exploite vraiment, là, on le sait, là, dans NHL, ce qui est très efficace, c'est de jouer un jeu très serré autour du filet. C'est ce qu'on fait du côté de l'accuracy, même lorsqu'on contrôle tous les joueurs. Pour l'instant, les défenseurs sont un petit peu moins utilisés. Donc, voyons voir ce qui se passe durant cet avantage numérique. La mise en jeu qui a été remportée par Accuracy. Rondelle qui va revenir au cercle gauche. Dans l'enclave, le tir tenté, bloqué par Zach et il n'y aura pas de retour. Il y aura mise en jeu cette fois-ci à la droite du gardien des Amigos. Bien fait là, du côté de Zach, là, vraiment, pour arrêter cette rondelle-là et retourner à la mise en jeu en espérant qu'on puisse emporter celle-là. Mais encore une fois, ça va aller en faveur de Accuracy. Dans le coin droit, transversal tenté, passe dans les patins cependant. On tente de revenir devant le filet. Les Amigos qui perdent possession de la rondelle, dégagement qui ne viendra pas. En haut du cercle gauche, droit ensuite. Entre les deux cercles maintenant, Reaction renvoie de l'autre côté, la tire hors cible. Il y avait de la puissance là-dessus. Aïe, aïe. On reprend dans le bas du cercle droit. Tire d'un angle restreint, ça a touché le poteau. Ça va maintenant à la hauteur du cercle gauche. Fin de déplacement, transversal tenté, le tir, ça a été bloqué en défensive. Et il y aura une autre pénalité, mais cette fois-ci, ça sera la première du match à Accuracy. Et le beau jeu du défenseur ici pour venir bloquer la rondelle. C'était vraiment un tir qui s'alignait pour être un beau tir sur réception directement dans le filet. Donc un beau bloc. Et puis ensuite de ça, on a la pénalité. Donc on joue à 4 contre 4 pour quelques secondes encore. La mise en jeu qui a été remportée par Accuracy. Là, ça sera au tour des Amigos de bénéficier maintenant du premier jeu de puissance de la rencontre. Encore pour 1 minute 20, dégagement tenté. Ça va aboutir sur le bâton de LP. Rondelle qui est récupérée encore une fois par Accuracy, même en désavantage numérique. Là, on a l'ascendant dans la rencontre. Dégagement tenté. Là. Bonne mise en échec, mon Étienne. Et on. Est-ce qu'on jette les gants? On va se garder une petite gêne. Entre-temps, un tir a été tenté. En fin de deuxième période, encore une fois, bon tir, un bon contact à la gauche de Zach. Et au final, le disque qui va retraiter en zone offensive pour Amigos. Là, c'est au tour de Guigui avec la rondelle, a tenté une passe et un tir ensuite. Ça ne s'est pas rendu jusqu'au gardien. Il s'est récupéré par LP avec 5 secondes à faire. Un petit passe dans la zone centrale. Un autre tir. Et avec l'arrêt de Zach, ça mettra fin à la période médiane. Accuracy qui accentue son avance là, à 3-0. Par contre, là, vraiment, il faut faire une mention honorable là, au gardien de but.
de Los Amigos. Vraiment, là, on a 15 lancés du côté de l'accuracy. Donc, Zach qui réussit à défendre le filet, là, vraiment, c'est il minimise là, le nombre de buts parce qu'il y a eu des lancers de qualité, des jeux de passe vraiment efficaces là, du côté de l'accuracy. Donc, vraiment, là, on démontre clairement là, la cohésion et le fait qu'on a déjà joué ensemble. Donc, pour ça, là, vraiment, là, c'est on voit que ça se remarque rapidement là, du côté de l'accuracy. Et pour Los Amigos, écoutez, c'est toujours pas perdu. Par contre, c'est de plus en plus difficile. Il reste qu'une seule période ici dans ce match. Et par contre, on doit faire une amélioration, comme on l'a fait en deuxième. C'est un petit peu mieux là, du côté de Los Amigos. Maintenant, on doit revenir à l'arrière. Et là, il y a une autre infraction. On a fait littéralement en entrée de zone. Mais on se retrouve en troisième fois ce soir en désavantage numérique. Ça fait mal. Ça commence mal. Et là, ici, on pourrait mettre le clou dans le cercueil là, du côté de l'accuracy. Tout à fait. Là, cependant, les Amigos là, qui ont remporté la mise en jeu. La rondelle qui est récupérée rapidement par Reaction. Passe dans le coin. On refile au cercle droit. Transversal tenté à l'intention de Mondizzi. Ça a été un petit peu trop fort. Le tir, le but! Le quatrième et le premier avantage numérique. Et Chilos qui marque son deuxième du match. C'est 4-0. Et on attendait du côté de Chilos juste devant le filet. Une belle passe. Tir sur réception. Encore une fois, une belle exécution du côté de l'accuracy qui démontre vraiment qu'ils sont là pour gagner. Et effectivement, on n'est pas là pour pavaner quelque peu. On est vraiment là parce qu'on a le talent et qu'on vient ici pour les grands honneurs. Et ça fonctionne très bien. 4-0 pour Amigos. Mais vraiment, Chili qui s'est positionné parfaitement devant le filet encore une fois. On joue vraiment en équipe là, du côté de l'accuracy. Un autre tir. On a fendu l'air quelque part. On revient dans le but! On a complètement surpris Zach dans son demi-cercle et c'est 5-0. Là, vraiment, on s'amuse là, du côté de l'accuracy. Ça fait mal. Donc, je crois que... Est-ce que c'était Sir Gab qui a compté? Oui, son deuxième du match. Son deuxième du match, effectivement. Donc, on s'amuse. Et Sir Gab qui repart encore une fois la rondelle avec Chilos plus loin. Et finalement, c'est Amigos qui va contre-attaquer Guigui avec le disque. Il laisse derrière à Prévost. On tente un tir. Ça a été bloqué encore une fois par Bacon et il n'y aura pas de retour avec 17-21 à couler. C'est 5-0 pour Accuracy. Bacon n'a pas eu à vraiment faire énormément d'arrêts dans ce match, mais il est très efficace. Encore une fois, ici, on ne donne pas de retour. On réussit à stopper là, ce 2 contre 1. Donc, bien effectué de Bacon, qui garde le blanchissage pour le moment. Rondelle qui est poussée plus loin par Mondizzi. Belle entrée zone avec Chilos. C'est regarde de l'autre côté. Rondelle qui a été bien bloquée par Amigos avec LP. On retrouve le long de la rampe. Au niveau de l'accuracy, on hésite à relancer le jeu. Belle passe hein? Entre trois joueurs des Amigos. Chassé croisant en entrée de zone. Toujours avec le 10. Beau repli défensif. Au niveau des Amigos. Gia dans l'enclave. C'est bloqué. De retour lancé également. Et Amigos là, qui va être en mesure de quitter la zone. Il va s'intégrer en zone offensive. Un tir. Un angle restreint. Ça sera le deuxième jeu de puissance pour les Amigos ce soir. Oui, on doit en profiter. Là. Par contre, on voyait vraiment devant le filet, là, il y avait les cinq joueurs des Amigos là, presque entassés là, en tapons. Donc vraiment, on voit là, qu'on manque un petit peu de synergie entre les joueurs, ce qui fait qu'en défensive, on a de la difficulté à reprendre la rondelle. Et là, du côté de l'accuracy, on a réussi à dégager la rondelle pour écouler un petit peu de seconde là, de cet avantage numérique pour les Amigos. Effectivement, le tir, le but! On brise l'égalité au niveau... on brise le blanchissage. Prévost qui marque... Le premier des Amigos, c'est 5-1, but marquant d'avantage numérique. Beau jeu de passe ici. Le Prévost qui était vraiment très bien positionné devant le filet. Donc, un premier là, jeu, une première flamme. Là. Peut-être un peu tard dans le match, mais ça va leur faire du bien pour le reste du round robin. Avec moins de 13 minutes à faire, une passe tentée dans le haut de la zone qui va forcer Amigos à retraiter en zone défensive. Mais il y a un peu de complication hein. Tout près de la ligne médiane. Entrée de zone qui sera réussite. Et on se fait... immédiatement surprendre, 2-1. Sergab tente de déplacer Zach. Et là, il y aura encore une fois une autre pénalité à Amigos. Et ça sera tir de pénalité. Oh! Le premier du tournoi qu'on va voir tir de pénalité avec un vrai gardien de but. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et là, Sergab va s'amener entre les deux cercles. Feinte, le tir. Oh, touche l'extérieur du poteau. Et on reprendra. Exactement, on reprendra donc dans le territoire d'Amigos. Quelle belle feinte, malgré tout. On avait battu Zach comme... Étienne l'a mentionné. Absolument. Là, on avait battu Zach, il s'était commis vers sa droite, mais malheureusement, on rate le filet. Et on reprend dans la zone, par contre. Jay qui a été d'un bon tir. Zach qui a sorti le bloqueur. Transversal tenté encore une fois vers Jay, qui se fait surprendre quelque part en défensive par LP.
Revirement, Jay qui rentre en zone offensive. On aura en plus un avantage numérique. On jouera 5 contre 3. Il y a une pénalité à appeler encore une fois. Sergal, transversal tenté. Aussitôt qu'on va toucher au disque au niveau d'Amigos, on entend le sifflet de l'officiel. Et on va reprendre encore une fois un territoire de Los Amigos et on va devoir s'illustrer du côté de Zach. Vraiment, c'est une grosse journée au travail pour lui. Le tir dès le départ! Zach qui vient de sortir la mitaine! Quel arrêt encore une fois! Là, on ferme la porte et vraiment, là, ce match pourrait avoir beaucoup plus de buts là, pour Accuracy si ce n'était pas de Zach. Et Jay là, qui était 15-7 se retrouve 16-7 dans le mise en jeu. Le titre touche extérieur du poteau. La rondelle qui bondit par-dessus le gardien. Et le dégagement qui va être complété jusqu'en zone défensive d'Accuracy chez les Amigos. Oh, qu'on vient d'avoir chaud. Sergab, on sacle le gauche. Et encore une fois, ça sera une autre infraction qui va s'ajouter à la liste des infractions d'Amigos. Sixième infraction ce soir. Ouais, on n'est pas discipliné et puis on fait souvent là, sauter les patins avec un petit poke check là, qui est très facile d'utiliser, mais ô combien dangereux. Et là, on est à 5 contre 3. Grosse occasion, encore une fois. Et on passe tout près de marquer du côté de la queue. Quelle chance ratée de Chelos. Encore une fois, on rate la cible. Là, c'est Monzi. Temps de rifle. Mais c'est le but! Sergab, et c'est son... Je crois que c'est son tour du chapeau. C'est 6-1. Absolument. Le tour du chapeau de concierge pour Sergab ici qui vient ramasser la rondelle qui traînait devant lui et vient mettre ça dans le fond du filet. Donc 6-1 pour Accuracy qui vraiment là, quitte présentement là, tranquillement pas vite avec le match en main. Donc ça serait Chilos là, qui a marqué là, son troisième du match. Sergab est toujours à 2 buts. Oh! Et là, Amigos qui vont tenter de faire une sortie de territoire. On s'amène en désavantage numérique. On perd possession de la rondelle. Et on va retraiter entre la ligne médiane et la ligne bleue. On se fait soutirer le disque 3 contre 1. La fin de tentée, c'est bloqué par Zach. Rondelle qui est toujours libre. À la droite du gardien, finalement, on ne prendra pas de chance. On va immobiliser le disque sur la cage avec 8 minutes à écouler en troisième période. Et encore une fois, c'est un autre arrêt. Là. Ici, on arrête le jeu là, du côté de Zach. Donc, vraiment bien fait. C'est difficile là, comme gardien de but de faire face à autant de lancers, autant de pression là, d'accuracy, autant de cohésion. Et encore une fois, on est seul là, de l'autre côté. Et bel arrêt, on vient couper la rondelle. Je voyais vraiment là, le joueur de l'autre côté de l'enclave qui était prêt à recevoir la passe. Et on a réussi à couper ça du côté de Zach. Encore une fois, quel beau jeu de sa part. Et là, le problème au niveau des Amigos, c'est qu'on rallonge, là, si tu veux, le pénible chemin de croix parce qu'on écope encore d'une autre pénalité. Donc, le cadran qui reste quand même relativement lent malgré les avantages numériques. Donc, on allonge le calvaire au niveau des Amigos. Oui, absolument. Dans le coin droit, derrière la cage maintenant. On tente de revenir devant le filet. Pivot, le tir, le but! C'est maintenant 7-1. Et on n'est plus qu'à un but, si je ne m'abuse, d'arrêter le match automatiquement, Luc. Exactement, mon cher. La mercy rule, la règle de pitié, là, si on veut franciser grossièrement. Oui. Donc, Sergab qui marque maintenant son tour, le troisième de la soirée. Donc, deux joueurs d'accuracy qui ont un tour du chapeau. Ça commence bien un tournoi. Sergab au cercle gauche qui est arrêté, harponné. Rondelle qui est toujours libre, but qui a été marqué en avantage numérique. Un tir tenté et voilà, c'est fait. La règle et va s'appliquer, voilà. Mon cher Étienne. C'est terminé. Jay qui marque son deuxième. Et on va terminer ça 3-6 en avantage numérique au niveau 3-7 au niveau des accuracy. Et là, regardez-moi ça. On le voit rapidement. Là. On parle de 10 minutes 30 à 3 minutes de temps de possession. 26 lancés du côté d'accuracy contre 7. Donc vraiment, là, c'était une domination totale d'accuracy dans ce match-là qui montre qu'ils sont là pour gagner, qui sont les favoris, un des favoris dans leur groupe. On commence ça très fort la soirée, mais vraiment, là, mention honorable au gardien de but, là, Zach, qui a arrêté là, quand même là, énormément de lancers. Là. On s'entend qu'à 18 arrêts, là, face à, on parle de des arrêts de qualité aussi. Là. Donc vraiment... bien fait du côté de sa part, mais je ne sais pas pour toi, Luc, mais je pense qu'à QSI, on va les revoir là, dans les prochaines rondes. Écoute, j'ai hâte de voir. En tout cas, ils ont vraiment une très bonne chance là, d'accéder aux rondes éliminatoires là, à la 16e de finale. De là, est-ce qu'on va les revoir encore en demi-finale ou encore de finale? Ah, trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Disons qu'il y a quand même, important de rappeler, 128 équipes dans la branche là, de PS4. Alors, à ce chapitre-là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué qu'au niveau de la Xbox. Ça, c'est certain. Alors, on verra bien, mais vraiment, là, c'était un premier match, un statement, comme on dirait en bon français. Là. Donc, on s'est imposé là, comme équipe qui a déjà joué ensemble, une bonne communication. On savait où se positionner. Là. Donc, vraiment, très bien fait.
du côté d'Accuracy pour Los Amigos. Je pense qu'on peut se retrousser les manches puis retourner. On a vu quelques petites flamèches là, dans le match là, où est-ce que les joueurs semblaient plus jouer ensemble. Par contre, défensivement, il y a du travail à faire. Mais c'est ce qu'on va voir là, tout au long là, de cette soirée et du tournoi, là, vraiment. Là. Donc, c'est je pense que ça va être très intéressant de voir comment les équipes vont réagir. Donc, Luc, pour l'instant, on va aller à une courte pause et on va revenir pour le prochain match.
Et on est de retour pour la Coupe RDS Jeux vidéo sur NHL 2021, présentée par RDS Jeux vidéo et Vision, en partenariat avec La Source. Donc, on premier match de complété, Luc, et on se lance déjà bientôt pour le deuxième match de la soirée qui opposera les Golden Knights LC Vegas contre les... Oh non, absolument pas, ce sera les Kings de Los Angeles contre Chicago, Québec-Chicago. Donc, une équipe québécoise de Chicago. On verra si on se démarque de ce côté-là. On a des noms spéciaux, des noms d'équipes spéciales durant ce tournoi. C'est un tournoi à 6 contre 6, donc Luc, on va en avoir de toutes les couleurs. Effectivement, on va avoir de toutes les couleurs. Et au niveau de Los Angeles Kings, on semble être vraiment dans la ligue de 6-6, là, de 6 contre 6. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Au niveau des joueurs, là, peut-être Garnett et Rattais, qui sont peut-être un petit peu plus connus, qui sont à surveiller au cours de cette confrontation-là. Au niveau de Los Angeles Kings, je regarde les noms rapidement et c'est pas des noms qui ressortent là, vraiment de ce qu'on a été au niveau du 1 contre 1, Étienne. Effectivement, ça se peut que les noms ne nous disent pas quoi que ce soit, mais il faut se rappeler, là, comme on se disait plus tôt, c'est du 6 contre 6, donc la dynamique est totalement différente que du 1 contre 1. Il faut vraiment avoir une bonne cohésion avec l'équipe, et on l'a vu durant le premier match, du côté d'accuracy, où est-ce que les joueurs étaient toujours bien positionnés, les défenseurs au bon endroit, on n'était jamais là, en mauvaise position, il y a eu quelques petits accrochages en première période, et ensuite de ça, c'était vraiment là, impeccable. Donc, on verra ce qui se passe pour ce match, mon Luc. Et je te passe la POC littéralement là, pour ce prochain match. Étienne, juste avant qu'on commence, un petit 2 là, sur lequel des deux clubs qui va gagner. Et moi, je vais aller pour Québec-Chicago. J'aime bien le nom. Je vais prendre pour la Royauté, je vais prendre pour les Kings. Alors, on verra dans 15 minutes si qui est de nous deux qui va ressortir gagnant. Parfait. Donc, les deux équipes qui sont en place, on va s'amener maintenant au centre de la patinoire. Ça sera parti pour 15 minutes de hockey à 6 contre 6. Et bon match, mesdames, messieurs. Le deuxième de la soirée, ça a été remporté par Québec-Chicago. On s'amène en zone offensive dans le coin gauche. Rondelle qui sera récupérée par les Kings. Faut dire que la sélection de chandail gris contre noir ne nous facilitera pas la tâche pour ce match, mon Luc, mais déjà, on voit quand même une possession qui se fait sentir du côté de Chicago. Je suis en train d'essayer de me plisser les yeux, savoir m'assurer là, quelle équipe est laquelle là, pour ne pas me tromper. Effectivement, là, donc Chicago qui est en noir foncé, les Kings. Donc, on va se lancer en zone, on va se traverser la zone neutre là, du côté des Kings. Et jusqu'à maintenant, là, on voit là, qu'on est un petit peu décousu là, en termes de coordination. On va tenter de relancer l'attaque là, du côté de Chicago. Et on se ramasse à la zone neutre, mon Luc, et on pression offensive déjà, mais je crois qu'on a un hors-jeu. Donc, première erreur là, du côté de Chicago. Effectivement, hors-jeu, on reprend en territoire central et tout près de la zone défensive de Chicago. On a tenté une passe à la hauteur de la zone défensive ou tout près de la zone défensive. On doit reprendre. D'où la passe a été effectuée. La mise en jeu qui a été remportée par Chicago. On tente de s'amener, mais finalement, rondelle qui est repoussée plus loin. Avec Mike là, qui est devant le filet pour Chicago. Bon contact, bonne mise en échec le long de la rampe. Et finalement, on tente de lancer l'invitation à la pénalité à retardement contre Chicago. Introduction en zone offensive. Toujours avec la rondelle, on tente un déplacement plus loin. On revient à la ligne bleue. Et la rondelle qui est restée collée sur la ligne bleue. Je croyais que c'était un jeu transversal tenté. Tire de loin, ça a été bloqué par Mike. Encore une fois, les Kings qui menacent de manière très, très prononcée. Un tir de loin, ça se rend jusqu'à Mike et il n'y aura pas de retour. Une mise en jeu à sa droite avec 12-0-2. Premier jeu de puissance ce soir. Et on a vraiment réussi à contrôler la rondelle longtemps là, du côté de Chicago, des Kings, pardon. La pénalité à retardement qui fait finalement sentir. Il y a vraiment Garnett qui avait baissé l'épaule et... Oh non, en fait, c'est... Ouais, absolument. Donc, j'ai encore un peu de difficulté avec les noms. C'est du 6 contre 6. On va s'habituer. Une mise en jeu qui a été remportée par Québec-Chicago. Le dégagement qui est la rondelle qui est repoussée jusqu'en zone centrale. On tente de contre-attaquer. Le tir tenté, ça a été bloqué par Mike. Et là, c'est la Garnett qui va renvoyer avec l'aide d'un coéquipier pour le disque plus loin. Et tout il sera recommencé là, pour s'installer en zone offensive au niveau des Kings.
permutation entre deux joueurs. Rondelle qui est bloquée une fois de plus. On fait sauter les patins. Oh oui. Et ça sera 4 contre 4. Et c'était un avantage numérique pour les Kings de 4 minutes. Donc, encore une fois, le fameux poke check, là, on voit là, qui est très facile. Là, c'est facile d'avoir une pénalité dans ce jeu-là. Lorsqu'on poke check, là, surtout lorsqu'on frappe les patins, c'est automatique. Donc, on va retourner à 4 contre 4 pour les prochaines 2 minutes. Exactement. Et là, les Québec-Chicago qui tentent de s'amener et repoussé par les Kings. On tente la longue bombe. Ça ne fonctionne pas. On va venir écouler le temps au niveau de Chicago. Belle entraison de la part de Raptize qui est cependant rattrapé rapidement. Et là, les Kings qui contre-attaquent. On cercle le droit, on protège bien la rondelle, on fait un pivot. Rondelle qui va revenir à la ligne bleue. Une feinte tentée dans le coin maintenant. On tente de se cacher derrière la cage de Mike, ça ne fonctionne pas. Et la rondelle qui va changer de côté. On ressort au niveau du cercle gauche. On s'amène en zone offensive. Pour Québec-Chicago, toujours à 4 contre 4, encore pour 15 secondes. Un tir frappé, ça a été repoussé plus loin par le gardien des Kings. On est de retour à 5 contre 4 pour Los Angeles, au cercle droit. On refait l'en haut du cercle. Fin de tir, ça a été bloqué en défensive au final. Et les Kings, encore une fois, la transversale tentée. Il n'y a personne pour capter le disque. Toujours au cercle droit. On va retourner derrière le gardien. Mike. Le Québec-Chicago, beau pivot tenté. Qui est bloqué cependant. Les Kings qui vont contourner Mike encore une fois. Deux tirs, coup sur coup. Le gardien est bien positionné tout près de son poteau. Au cercle droit maintenant. L'autre côté, le tir, ça touche la porte. Le coin des deux poteaux. Belle chance de marquer ici là, du côté des Kings. Là, on est toujours en supériorité numérique pour encore une dizaine de secondes. Et on contrôle définitivement le disque là, depuis plusieurs minutes même. Effectivement, on bouge très bien la rondelle. Et on est de retour à 5 contre 5, Étienne. En fin de premier tiers. Le Québec-Chicago tente de s'installer. Bonne mise en échec. Hors-jeu à retardement qui sera annulé dès qu'on force la sortie, dès qu'on ressort de la zone défense offensive. On s'amène au cercle gauche maintenant. On repousse plus loin. Rondelle qui est récupérée par Québec-Chicago au cercle droit. La longue passe diagonale qui fonctionne. On s'amène au niveau de la touche. Un tir bloqué par le gardien et la défensive des Kings. Un pivot en entrée de zone de ces derniers au cercle gauche. Toujours un tir bloqué par Mike. Un tour qui s'est avéré dangereux. Et on évite le pire au niveau de Québec-Chicago. Long jeu par la rampe qui fonctionne. Sorte entrée de zone qui va être retardée. Beau jeu en défensive, beau bloc. Et finalement, on trouve un moyen. Raptize, transversal tenté à l'intention de Dangle. Ça a été bloqué. Et dégagement jusqu'à l'autre bout. Il y aura une course pour la possession de la rondelle. Ce sera un dégagement qui sera refusé avec 2-22 aux Kings. Jusqu'à maintenant, là, on a vraiment là, le contrôle du disque en faveur des Kings. Par contre, peu de vraies chances de marquer, Luc. Là, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas été extrêmement menaçant. Par contre, Mike a dû s'illustrer à quelques reprises, mais pour l'instant, là, pas vraiment énormément d'occasions de marquer significatives. Effectivement, la rondelle qui revient dans le coin. On s'en va derrière le filet. Au cercle gauche maintenant. Longue passe entre les deux lignes bleues. Au cercle gauche, on tente de couper vers l'enclave, ça ne fonctionne pas. Là, c'est Québec-Chicago qui va récupérer. Contre-attaque, sortie de zone tentée. Belle pression en échec avant de la part des Kings. On se refoule dans le coin gauche. Dégagement tenté, ça a été bloqué. Un tir qui ne sera pas jusqu'au gardien de but. On va entendre la sirène. Ça sera la fin de cette première période. Il n'y a aucune équipe qui s'est inscrite au pointage. C'est toujours 0-0. Oui, et donc, comme tu mentionnes, 0-0 et toujours pas vraiment là, d'occasion de marquer significative, mis à part quelques arrêts de Mike et Dufour ici là, qu'on voit là, qui s'est bien illustré, là, un beau déplacement vers la droite. Donc, on n'a pas beaucoup menacé les gardiens de but jusqu'à maintenant. Par contre, on a dû faire quelques petits arrêts clés. Temps de possession en faveur des Kings, c'est certain. Et là, on revoit la mise en échec, là, la lourde mise en échec là, qui a eu lieu plus tôt dans cette première période. Donc, toujours 0-0. Deux équipes qui semblent encore là, pas à 100% du confort là, du jeu à 6 contre 6. Par contre, on a quatre tirs contre deux. Donc, on verra là, si la deuxième période est plus intense à ce niveau-là. Et bien, jusqu'à maintenant, là, à part le temps de possession à l'avantage des Kings, c'est assez égal comme partie. C'est beaucoup plus serré que la première rencontre, je te dirais. Ça, c'est certain. Et ce qui est intéressant de voir aussi également, c'est qu'au niveau des Kings, au niveau de Québec-Chicago,
on est beaucoup plus efficace là, pour bien bloquer l'espace entre les deux cercles. On force les Kings, oui, à rester en zone offensive, mais on n'est pas capable de façon convaincante à venir s'intégrer dans la zone payante. Exactement. On reste vraiment là, à l'extérieur. Là. On pousse les joueurs des Kings au périmètre. Et c'est exactement pour ça, comme tu mentionnes, Luc, qu'on n'a pas d'occasion de marquer significative jusqu'à maintenant. La deuxième qui est en marche, les Kings là, qui vont tenter de réorganiser l'offensive et de reprendre le jeu de plus belle. C'est fait. Attention, belle feinte. Mike qui vient bloquer une fois la rondelle qui est toujours libre. Un autre tir tenté. Ça a été bloqué en défensive. Et la rondelle qui va glisser jusqu'à la ligne bleue des Kings qui vont s'échanger la rondelle entre les deux défenseurs. Rondelle qui est interceptée par Québec-Chicago. On passe bien près de décoper d'une pénalité pour avoir fait sauter les patins. Au niveau des Kings, on joue très serré. On a le gravier à la ligne bleue. Ça a été bloqué en défensive. Et là, attention, est-ce qu'on va avoir une échappée? Beau replan défensif au niveau des Kings. On fait trébucher un joueur. Et il y aura une pénalité à retardement contre les Kings. Entre-temps, Québec-Chicago continue le jeu. C'est frappé. C'est bloqué par Dufour. On a le qui revient dans le coin. Et on va entendre le sifflet. Avantage numérique pour 2 minutes au niveau de Chicago. Première fois ce soir. Oui, et là, ça pourrait être une occasion pour Chicago là, de reprendre le dessus, là, de garder possession de la rondelle, de montrer qu'on sait contrôler et jouer à 6. Et on a une mise en jeu en plus en territoire ennemi, donc c'est l'occasion parfaite là, pour Québec-Chicago. Mise en jeu qui a été remportée par Carbs, dégagement qui va être réussi jusqu'à la ligne bleue de Québec-Chicago. On revient au niveau de Raptize, tente un tir, ça a été bloqué par Dufour, avec sa jambe gauche qui va permettre là, le dégagement en provenance de Carbs. Québec-Chicago qui s'installe à la hauteur du cercle droit. Attendez rentrer entre les deux oreilles. Transversal tenté le tir et Dufour qui vient de sortir la jambière une fois de plus. Bonne mise en échec. Le Raptize là, qui était surveillé par deux joueurs des Kings. Rondelle qui va remonter au défenseur. Et on va entendre le sifflet. Il y aura infraction contre Québec-Chicago pour avoir retenu. Oh, et encore là, ça fait mal parce qu'on avait une belle occasion ici. Par contre, Dufour s'est bien illustré là, à deux reprises durant cet avantage numérique jusqu'à maintenant. On va voir un 4 contre 4. J'ai bien hâte de voir comment on va réagir là, du côté des Kings. Mise en jeu qui a été remportée par les Kings, par Cobbs. Alors, c'est Raptors qui a été chassé. Un tir tenté encore une fois par Carbs et c'est Mike qui n'accordera pas de retour avec 14-14 à écouler en période médiane et 18 secondes au 4 contre 4. Et bel arrêt encore une fois de Mike. Là, c'est ça qui est important. Là, en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup de tirs. On n'a pas des gros jeux menaçants. Par contre, c'est important de fermer la porte lorsqu'il faut. Et là, on manque le filet de peu. Là. Oui, effectivement. Mike s'était littéralement déplacé trop à sa droite. Et là, on est en avantage numérique pour la troisième fois ce soir au niveau des Kings. Entrée de zone qui est bien réussie. On écoule de précieuses secondes en désavantage numérique au niveau de Québec-Chicago. On revient dans le coin. Bon contact en bas du cercle droit. Et les Kings qui seront en mesure de relancer le jeu. Entrée de zone qui est bien effectuée. Et Chicago qui intercepte la rondelle. Ça sera une sortie de territoire. La rondelle qui va être repoussée plus loin par la touche. Et les Kings vont relancer une fois de plus. Bien, entrée de zone. On remonte quelque peu vers la ligne bleue en haut des deux cercles. La rondelle qui est bloquée, ça sera un 2 contre 1 des avantages numériques, une belle feinte. On refile au coéquipier. Le tir, ça a été bloqué encore une fois par Dufour qui joue un excellent match jusqu'à présent. Absolument. Encore une fois, là, Dufour qui s'illustre et tu as toujours 0-0. Arrêt important ici. Là. Alors qu'on avait un 2 contre 1, j'aurais aimé voir une autre passe supplémentaire, le mieux se positionner. Mais encore une fois, c'est du 6 contre 6. On a de la difficulté à vraiment là, se synchroniser comme il faut. Et là, il y aurait eu un hors-jeu ici aussi. Effectivement, on est de retour à 5 contre 5. Un tir de loin tenté. En fait, du cercle gauche, ça a été bloqué par Mike. Rondelle qui va être récupérée par Québec-Chicago. Raptize entre les deux cercles. Donne la rondelle aux Kings en plein milieu de la patinoire. Le long de la rampe, ça remonte à la ligne médiane. Bonne mise en échec là, de la part de la touche. Les Kings continuent d'être menaçants malgré tout en offensive. Rondelle qui va échapper aux Kings. On évite le contact qui aurait pu être sévère au niveau de Québec-Chicago. La fin des tirs, le but! C'est 1-0 pour les Kings. Enfin, on marque. Et quel beau jeu individuel ici. Quelle belle feinte. Là. On a vraiment battu le gardien là-dessus. Après avoir repris la rondelle en zone neutre là, sur une mise en échec qui aurait pu être beaucoup plus sévère. Mais bien récupéré ici. Là. Et on va chercher le premier but là, qui est vraiment important parce que les deux gardiens présentement, autant Mike que Dufour, là, s'illustrent. Donc, ça va faire du bien là, du côté des Kings. Les enjeux qui a été remporté par les Kings. Donc on va relancer le jeu depuis la zone défensive. On s'amène au cercle gauche. Mike qui défile le tir. Et il n'y aura pas de retour. Ça sera mis en jeu à sa gauche et on n'ira pas plus loin.
Encore une fois, un bel arrêt ici là, pour limiter ça à 1-0, donner une chance à son équipe, la Québec Chicago, de retourner de l'autre côté de la patinoire et d'aller marquer. Match très serré. Encore une fois, Mike qui va venir fermer la porte. N'accordera pas de retour. Là. On sait que des fois, on tente d'allonger le jeu là, à 1 contre 1, mais là, à 6 contre 6 comme ça, là, on ne peut pas se le permettre. Bien fait là, de son côté. Et là, on voit au niveau de Chicago qu'on tente de développer quelque chose. Ça fait deux fois là, qu'on tente de jeter des gains. On dépend d'un joueur des Kings. Québec-Chicago à la reprise d'action tente une contre-attaque, une poussée offensée. Ça a été bloqué par Dufour. Entrée zone qui est bien réussie par Cobbs. Cobbs une feinte. La passe qui a été bloquée par la défensive de Québec-Chicago. Mike, un tir restreint. Et Mike là, qui va être en mesure de provoquer l'arrêt de jeu. On arrête encore une fois là, la rondelle. On a bien coupé une passe du côté de Mike, mais ça fait une mise en jeu supplémentaire encore une fois dans le territoire de Québec-Chicago. Carbs qui remporte encore une fois le duel pour la rondelle. Disque qui remonte à la ligne bleue. On va renvoyer derrière la cage de Mike pour refiler dans le coin droit. Et heureusement pour Québec-Chicago, il n'y avait personne pour cueillir le disque chez les Kings. Bon contact en entrée de zone. Et c'est Carbs qui va relancer le jeu pour Los Angeles avec moins de 3 minutes à faire. Une belle feinte au cercle gauche. On renvoie à Carbs de l'autre côté. Le tir, ça a été bloqué en défensive. Et là, on voit qu'on commence à paniquer quelque peu au niveau de Québec-Chicago. Carbs qui a tenté de refiler entre les deux oreilles. Et au final, c'est Québec-Chicago. Il va s'amener. Attention à ce qu'on déborde la défensive. Le tir, c'est bloqué par Dufour. Et finalement, on vient immobiliser le disque avec un peu plus d'une minute à écouler dans cette période médiane. Un bon jeu du défenseur aussi là, pour venir couper la passe et permettre à Dufour de récupérer la rondelle facilement. Et on limite les dégâts. Il reste une minute ici en deuxième période. On veut aller prendre un souffle là, du côté des Kings. Donc, on va tenter d'écouler avec un bon contrôle de la rondelle là, ces dernières secondes. Et là, on va mettre ça dans son offensive. Au cercle droit, la passe dans l'enclave. Il y avait trois joueurs de Québec-Chicago. Et finalement, on va s'incruster en zone offensive dans les 10 dernières secondes de ce deuxième 20. Spyro pour toucher au disque. On entend la sirène. C'est 1-0 pour les Kings après 40 minutes de jeu. Et vraiment, là, les deux gardiens présentement qui s'illustrent, qui tiennent bien le fort, là, malgré qu'il n'y a pas énormément là, de lancers. Il y en a quand même certains jeux qui sont très importants. Donc, des beaux jeux, là, autant Dufour que Mike. Et toujours 1-0 pour les Kings ici. Là, je pense que le temps de possession, là, en faveur toujours, évidemment, des Kings. Par contre, on montre de plus en plus des signes de vie là, pour du côté de Québec-Chicago. Donc, on va voir comment la troisième période va se dérouler. Là, l'écart est extrêmement faible, là, comme tu mentionnais plus tôt. On n'est pas du tout comme au premier match là, qu'on a regardé que c'est terminé par la Mercy Rule, la règle de pitié. Donc, je pense que ça va continuer un match très serré. Là, on parle d'un temps de possession là, qui est de 6 minutes 30 du côté des Kings, 2 minutes 40 du côté de Québec-Chicago. On a le double des tirs aussi, donc on s'illustre là, du côté de Dufour. Et il va falloir avoir un petit peu plus la rondelle puis s'essayer de bombarder du filet, de bombarder Dufour dans la troisième période du côté des Kings, du côté de Chicago, pardon, si on veut aller chercher la victoire de leur premier match. Et ce qui donne la chance aussi au niveau des Kings, c'est que Dufour est tout le temps bien placé. Et on a vu à quelques reprises également Mike là, qui était souvent pris à contre-pied, qui poussait trop rapidement sur son déplacement latéral. Et ça peut être très pénalisant là, pour sa propre formation. Absolument. Et Dufour, vraiment, là, comme tu mentionnes, là, qui contrôle extrêmement bien son gardien. Donc, on va en voir là, des bons gardiens durant ce tournoi-là là, qui font vraiment qui manipulent le joystick, la manette là, pour vraiment optimiser là, le gardien de but. Il n'y aura pas de but par erreur, de but par glitch, comme tu mentionnais. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir comment chaque joueur joue son gardien de but. Et là, on voit que les Kings, là, pouce par pouce, on va gagner l'espace sur le terrain. On se rapproche du gardien. Un tir de loin de Carbs qui force la mise en jeu à la droite de Mike. Les Kings qui ont les devants 10-5 au chapitre des mises en jeu. C'est maintenant 10-6. Québec-Chicago qui s'amène au cercle droit, dans le coin. Raptize tente d'un tir, ça va être hors cible. On a le qui revient à la ligne bleue, en haut du cercle gauche. Un pivot, un tir de loin, ça va être bloqué. Il n'y avait pas beaucoup de puissance sur le lancer. Et c'est Carbs qui va s'amener. Un beau chassé croisé. Il y aura infraction à Chicago. On a fait sauter les patins de Carbs. Au cercle droit, dans le coin. Carbs encore une fois. Refait de l'autre côté. Le tir, ça a touché l'extérieur du poteau. Et on entend le sifflet. Quatrième avantage numérique là, pour les Kings. Ouais, on est indiscipliné ici du côté de Québec-Chicago et ça va faire mal. Là. On a la chance encore une fois là, de marquer un but supplémentaire, là, de contrôler la rondelle et de bombarder le filet de Mike. Du côté des Kings. On voit, là, lorsqu'on est à l'offensive, là, le manque de cohésion un peu là, de communication du côté de Québec-Chicago. Là, on a vu là, le tir faible de la ligne bleue. On a de la difficulté là, en zone ennemie. Donc, on va voir si du côté des Kings, on peut faire mieux. La Spyro. Et ensuite, un tir tenté. Ça a touché Carbs. Rondelle qui est toujours libre derrière la cage de Mike de Québec-Chicago.
On récupère la rondelle. On tarde le dégagement. On garde possession de la rondelle. Et attention, on vient de se faire prendre un revirement en faveur des Kings. En haut des deux cercles. Au cercle gauche, maintenant, transversal tenté. Le bloqueur qui vient faire son apparition pour Mike. Et Québec-Chicago peut respirer encore pour quelques secondes. Au cercle droit. Derrière Québec, Mike encore une fois. Carbs refile au cercle gauche, transversal dans l'enclave. Le tir. Oh, on vient de rater le filet. Quelle chance ratée au niveau des Kings. Et Québec-Chicago va être en mesure de respirer. Fin du désavantage numérique. On est de retour à 5 contre 5. Et là, on va souffler un peu là, parce que ça passait extrêmement près là, de voir la rondelle glisser dans le filet de Mike là, du côté de Québec-Chicago. Et heureusement, là, on peut retourner à 5 contre 5 ici. Bon pivot, Carls, encore une fois, un tir de loin. Ça sera une autre mise en jeu qui va être effectuée à la droite de Mike. Bel arrêt de la jambière ici, sans accorder de retour trop long. Et on réussit même à récupérer la rondelle et forcer un arrêt de jeu. Bien joué du côté de Mike. Et je n'en reviens pas, quelle chance. On a une cage complètement béante au niveau des Kings. On a complètement raté ça en avantage numérique. Les Kings on retourne déjà là, à l'offensive du côté des Kings. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Là. On a vraiment de l'énergie en cette troisième période et on veut marquer ce deuxième but qui va plus nous rapprocher d'une véritable victoire là, avec un plus grand confort du côté des Kings. Permutation au niveau des défenseurs des Kings, justement. Entrée de zone qui sera effectuée maintenant. On se retrouve dans le coin gauche. Ondelle qui va être refilée jusqu'à Carbs. On revient dangereusement devant le filet. Et Québec-Chicago contre-attaque à 2-2. On se défait d'un premier joueur. Harponnage qui fonctionne très bien pour la formation de Los Angeles. Le Québec-Chicago qui va reprendre en zone médiane. Le long de la rampe. Tire frappé de loin. Oh, ça a été dévié devant le filet. Ça a passé bien près de tromper la vigilance de Dufour. Bonne mise en échec le long de la rampe. Et là, Carbs va être en mesure de profiter. Encore une fois, ce sera la cinquième infraction pour Québec-Chicago. Carbs qui était capable de compléter. Finalement, c'est Mike qui va toucher à la rondelle, ça sera une mise en jeu à sa gauche. Et encore une fois, là, un autre avantage numérique pour les Kings, comme tu mentionnes. Et Mike qui s'illustre à nouveau là, pour arrêter cette rondelle. Donc, ça fait mal là, du côté de Québec-Chicago. Oh, et encore une fois, là, la cage qui était ouverte, le Mike qui s'était commis à sa droite. Et on retourne tenter d'écouter le plus de secondes possible du côté de Québec-Chicago. Par contre, ce sera rapidement repris par les Kings qui se portent à l'attaque. Effectivement. Au sac, le gauche le tire dans la mitaine, dans la gobeuse, la fameuse gobeuse de Mike. Et on reprendra sa gauche avec une 18 à l'avantage numérique et 7-27 au troisième 20. En tout cas, chose est sûre, chose certaine, on va avoir vu énormément de mises en jeu dans le territoire de Québec-Chicago ce soir. Luc, c'est assez fascinant. Et on réussit à gagner. Par contre, on remet la rondelle directement sur la palette d'un joueur de Québec-Chicago, mais on ressort ici du côté des Kings. Les Kings qui tendent de belles pressions, par exemple, sur le porteur de la part de Québec-Chicago. Les Kings qui s'installent un tir. L'angle qui a été très bien bloqué par Mike. Et un dégagement d'une frappe lourde jusque derrière la cage de Dufour. Sortie de territoire, là, on relance le jeu. Avec la fin de l'avantage numérique maintenant. Carbs avec la rondelle devant le filet. Le défenseur qui est venu sauver Mike. Au dernier instant. Sparrow qui était attendu à la ligne bleue. Le Québec-Chicago a encore 5 minutes dans le jeu pour tenter de créer l'égalité. Il a une passe tentée, ça sera un dégagement. Non, on tolère au niveau des juges de ligne. Québec-Chicago qui a réussi à prendre possession de la rondelle. Rattice dans une transversale. Ça a été bloqué en défensive par les Kings. On s'amène en zone centrale, passe derrière à Sparrow. Sparrow qui a réussi à rejoindre le coéquipier au cercle gauche, dans le coin. On tente de remonter dans l'enclave, passe en haut des oreilles, qui est bloqué en défensive par Québec-Chicago. Et on s'amène à 3 contre 3, dans le coin. Pas d'ouverture. Transversale tentée entre les patins, ça ne fonctionne pas. Et c'est les 15 qui contre-attaquent. En bas du cercle gauche, le tir. Oh, Mike, il s'était déplacé un petit peu trop à sa droite, a failli te faire surprendre à contre-pied. Québec-Chicago dans zone médiane. Là, c'est Sparrow qui va reprendre au cercle droit. Une fin tentée. On réussit à relancer le jeu en zone offensive pour la formation de Los Angeles. C'est toujours 1-0 et on est dans la dernière minute de jeu en troisième. Va falloir se dépêcher au niveau de Québec-Chicago. Sparrow refait la Carbs. Carbs qui perd possession de la rondelle. Québec-Chicago va s'amener. Ça sera intéressant de voir si Mike va sortir de son demi-cercle. Un tir tenté, ça a été bloqué en défensive par les Kings. On a toujours le but! Oh! Avec 30 secondes à faire, on crée l'égalité, c'est un partout! Et enfin, on réussit à trouver le jeu de passe qu'on cherchait du côté de Québec-Chicago. Enfin, on réussit à s'installer en territoire adverse, jouer la rondelle là, derrière le filet. Quel tir du revers ici!
tout vraiment là dans la partie supérieure. C'est la première fois qu'on réussit à battre Dufour qui s'était commis là, sur les genoux. Et vraiment, là, ça, dans les toutes dernières secondes du match. Et là, on va réussir à souffler un peu là, du côté de Québec-Chicago. Ça, ça va faire du bien au moral. Effectivement. Alors, Dangle qui a marqué son premier de la soirée et du tournoi par le fait même. Et c'est dommage là, pour les Kings. On a tellement bien joué pareil en troisième période, mais les trois chances qu'on a ratées avec une cage béante en lors des avantages numériques viennent de faire la différence. Et là, il y a hors-jeu au niveau de Québec-Chicago. Absolument, et c'est ce qui a fait la différence. Donc, Mike s'est bien illustré aussi là, quelques fois durant la troisième période, mais comme tu dis, des fois où est-ce qu'il s'était commis, il était battu, la cage était complètement ouverte et on a raté le filet du côté des Kings. Et là, on va s'en vouloir parce qu'on va on a maintenant la pression sur les épaules. Et là, le momentum est là du côté de Québec-Chicago. On continue à garder le disque, la position du disque en territoire ennemi. Effectivement, là, c'est Carbs cependant qui vont intercepter. On entend la sirène. Devinez quoi? On ira en prolongation entre Québec-Chicago et les Kings de Los Angeles. Et disons que Mike a fait quelques arrêts spectaculaires comme qu'on va le voir au cours des prochains instants. Absolument. Mike qui a vraiment coupé plusieurs passes, qui a réussi à s'illustrer là, plusieurs fois durant ce match-là. Il y avait énormément de pression des Kings. Mais en fin de match, là, on a fini par voir ce fameux jeu d'équipe là, du côté de Québec-Chicago où on s'échangeait le disque, on savait où aller se positionner, on se démarquait. À plusieurs fois, là, j'ai vu durant le match là, des mauvaises tentatives de passe qui étaient impossibles, des lancers avec un angle impossible ou un lancer qui était garanti d'être arrêté par le gardien adverse. Donc, malheureusement, pour Québec-Chicago, ça ne fonctionnait pas. On réussit à venir marquer avec quelques secondes restantes à la partie. Mais vraiment, il faut souligner là, la qualité du jeu de Mike dans ce match-là. 22 tirs contre 6 en faveur des Kings. Et sur les 22 tirs, on en a seulement alloué un. Et ce n'étaient pas tous des tirs bidons. Là. C'était vraiment très souvent là, des belles arrêts là, du côté de Mike. Donc, bien fait. Il a gardé son équipe dans le match qui sont réussis là, à revenir là, de l'arrière avec ce but là, en toute fin de partie. Et là, ils ont le momentum. Ils dominaient là, en fin de période. Donc, voyons voir comment ça se passe en prolongation, mon Luc. La question, c'est est-ce que l'odeur de la rondelle va avoir le dessus sur les opportunités concrétisées? Les Kings qui s'installent, Carlos encore une fois dans l'enclave, passe qui va nulle part. Et c'est une passe gratuite que les Chicago obtiennent. Spyro qui va relancer le jeu au cercle droit entre les deux lignes bleues. C'est récupéré une fois de plus par Dangle. Dangle, la ligne rouge, tente un dégagement. Ça sera saisi une fois de plus par Spyro, qui refile à son partenaire de défense. Et on force vraiment Québec-Chicago à tenter de provoquer une erreur sans succès. C'est autour de Rock qui est entendu ensuite là, avec un coéquipier. Spyro va reprendre au cercle gauche. Spyro, long jeu vers Corbs. Corbs au cercle. Va descendre derrière la ligne des buts. Va revenir. Bien surveillé. Beau jeu en défensive de la part de Québec-Chicago. Passe entre les patins. Un peu de fantaisie. Ça semble fonctionner. Contact entre deux joueurs des Kings. L'ouverture qui se referme malheureusement. Le dégagement jusqu'à l'autre bout qui sera vraisemblablement refusé pour les Kings. Oui, et là, ça se passe bien du côté de Québec-Chicago. Et là, on a une mise en jeu cruciale en territoire adverse. Donc, on semble avoir retrouvé nos moyens là, du côté de Québec-Chicago qui joue bien là, durant les 9 minutes et un tir ici qui aurait pu être menaçant. Dangle qui a tenté de refiler à son tour à Rock. Ça n'a pas fonctionné. Attention, Corbs qui est incapable de compléter le jeu qui avait été orchestré. Corbs dans le coin. Renvoie à Sparrow à la ligne bleue. Bel harponnage. Et les Kings là, vont s'en tirer sans trop de dommages. Contre-attaque en haut de la zone vers Corbs. Corbs qui se fait soutirer la rondelle. C'est Raptize qui va tenter de relancer le jeu. On va refiler au défenseur. Revirement en faveur des Kings. Au cercle droit, vers Corbs, ça ne fonctionne pas. Ondel qui est toujours libre. Dangle qui est dans le coin. Ça va aller vers Corbs. Ça remonte à la pointe droite. Au cercle. Encore une fois vers Corbs. Corbs, toujours derrière la cage de Mike. Va refiler à son défenseur. Corbs, encore une fois, tente de percer l'enclave, n'y parvient pas. Là, c'est Québec-Chicago là, qui va quitter la zone défensive et s'amener petit à petit vers la ligne médiane et même jusqu'en zone offensive. Belle protection de rondelle de la part de la touche. Et rondelle qui va glisser jusqu'à l'autre bout. Il y a hors-jeu à retardement qui sera annulé maintenant. Donc, Québec-Chicago contre-attaque une fois de plus. On est dans la deuxième portion de la prolongation. Un tir de loin qui était hors cible. Ça se transforme en dégagement. Et les Kings auront l'opportunité de relancer le jeu une fois de plus. Passe par la rampe. Transversale tentée. Ça a été bloqué par Québec-Chicago.
On freine à la hauteur du cercle gauche. On est arrêté. Dungold va reprendre. Refile de l'autre côté à la touche. Un tir. Ça va revenir devant du fond. Le but! Baptiste qui marque en prolongation et contre toute attente. Québec-Chicago revient de l'arrière et l'emporte 2-1. Wow! Et là, là on a vraiment là, le momentum de la fin de la troisième période qui s'est transporté jusqu'en prolongation pour Québec-Chicago qui réussissent à venir marquer en prolongation. Et vraiment, on voyait le jeu d'équipe là, qui se développait sous nos yeux. Une très, très, très belle passe là, à la pointe en direction opposée. Et ensuite, on remet rapidement devant le filet. Vraiment, là, quel match là, ici. Quelle fin de match, surtout, là, Luc, là, du côté de Québec-Chicago. Là. C'est démoralisant là, pour les Kings qui ont eu près de 30 tirs. Mais vraiment, là, encore une fois, on lève notre chapeau à Mike qui a réussi à tenir le fort tout le long de cette partie face à la trentaine de tirs. Et vraiment, là, on a réussi à trouver cette cohésion-là durant les dernières secondes là, pour marquer le dernier but de la victoire et filer avec celle-ci, avec la victoire là, du côté de Québec-Chicago. Et au niveau de Québec-Chicago, là, la surprise, là, je pense que on l'a vu lors des deux premières périodes, Mike était pas. Si on comparait le travail de Dufour, Mike semblait un petit peu plus souvent hors position dans son demi-cercle, mais tout de même être en mesure de réaliser, comme tu le mentionnais, là, près de 30 arrêts, faut le faire. Et non seulement ça, on provoquait souvent une mise en jeu en territoire défensif, ce qui faisait en sorte qu'on venait littéralement casser les rythmes que les Kings tentaient d'instaurer en zone offensive. Alors, au niveau de Québec-Chicago, on a peut-être bien fait là, de provoquer souvent beaucoup de mises en jeu, même si on n'était pas souvent en mesure d'avoir le dessus là, par rapport aux Kings. Je pense que c'est à peu près 65-35 au niveau des mises en jeu en faveur des Kings. Alors, malheureusement, pour les Kings, on a cogné à la porte très tôt. On a décoché énormément de tirs. Et comme je te le disais, Étienne, et comme on se le disait également, et deux filets complètement ouverts, ratés lors des deux avantages numériques en milieu de troisième période. Malheureusement, on fait mal au Los Angeles. Oui, ça l'a fait très mal, mais vraiment, là, comme tu mentionnes, on a vu Mike des fois se commettre, là, se lancer d'un côté ou de l'autre du filet. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a fait face à près de 30 tirs de son côté. Du côté de Dufour, on a fait d'excellents arrêts aussi. Par contre, on a fait face probablement à autour de 8 ou 9 lancés, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu à vraiment le voir, là, à se faire bombarder de tous les côtés, de voir vraiment comment est-ce qu'il réagit sous cette pression. Il a bien réagi face à la majorité des tirs. On a vraiment eu des beaux jeux d'équipe là, pour les deux buts de Québec-Chicago et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à avoir cette victoire. Donc vraiment, là, on est revenu de l'arrière, on a réussi à garder notre calme et lorsqu'il restait 30 secondes à la troisième période, à trouver le fond du filet, et ça s'est transporté là, en prolongation et j'en doute pas là, que ça va se transporter dans les prochains matchs pour Québec-Chicago qui vont réussir à garder là, ce momentum puis à améliorer le petit jeu d'équipe, à peaufiner là, les passes qui étaient moins bonnes en début de match. Il faut dire que c'est pas nécessairement d'habitude pour tout le monde de jouer à 6 contre 6 à NHL, mais là, vraiment, c'était un succès là, en fin de match. Par contre, du côté des Kings, je pense pas qu'il faut non plus désespérer. On a eu un très bon match, on a bombardé. On s'est fait tenir un peu en périphérie, comme on discutait plus tôt durant le match, là, un petit peu, là, on s'est fait tenir en périphérie de la zone adverse. Mm-hmm. Par contre, on a quand même bombardé le filet. On s'est buté à un Mike qui était en pleine forme aujourd'hui. Effectivement, juste à dire comme ça, tu as remporté le pari entre les deux, et Québec-Chicago qui l'ont emporté. Donc, voilà. Prochaine rencontre qu'ils vont poser, ça sera la dernière ce soir sur la plateforme PS4, qu'ils vont poser Québec NHL Ottawa contre les Crazy Acadiens. Est-ce qu'on a le droit à une confrontation ontarienne néo-brunswickoise? Possiblement. Et c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Alors, on sera effectivement... Oh, on semble être en direct de Moncton au niveau de la patinoire des Crazy Acadiens. On sait qu'au niveau de Moncton, on a les formations là, des Aigles Bleus au niveau de hockey universitaire et bien entendu les Wildcats de Moncton dans la LHGMQ. Alors, les deux gardiens partants, Shaker pour les Crazy Acadiens et comme vous le voyez, c'est Newsy, le galette au niveau de Québec NHL Ottawa. Étienne, je pense qu'on va avoir le droit à un bon match. Absolument, je pense que ça va être un excellent match et on voit là, qu'il y a certains joueurs qui ne portent même pas de casque là, durant ces matchs, c'est hilarant. On voyait même les cheveux calés un peu là, sur le joueur du centre. Magnifique! Et on se lance, mon Luc, pour ce troisième match de la soirée. La troisième période qui est lancée, petite point à anecdote, on a vu également lors du premier match, il y avait une perruque, il y avait complètement une mascotte sur la patinoire aussi également. On va rajouter un peu à la fantaisie du NHL 6 contre 6. Alors, les Crazy Acadiens qui tentent de rentrer en zone offensive n'ont d'autre choix que de retraiter vers leur ligne bleue. On s'amène en zone médiane. Un tir de loin qui est tenté. Et ça sera un hors-jeu qui sera provoqué en début de rencontre.
Donc, on verra encore une fois ici, là, pour ces deux équipes-là, la cohésion entre les différents joueurs, à voir est-ce qu'ils jouent ensemble depuis un moment. Moi, c'est vraiment ce que j'aime voir là, dans ce tournoi. On voit qu'à jusqu'à maintenant, c'est vraiment Accuracy qu'on a vu sur nos ondes, qui avait la plus grande aisance à jouer ensemble. Ils savaient exactement les joueurs étaient où et où se positionner. Il y avait des bonnes rotations. Et là, ici, on passe tout près de marquer du côté des Acadiens. Ouais, belle passe à la pause jusqu'à Toutou. Et finalement, la rondelle qui revient. Le tir! Oh! Un angle restreint! Toutou qui marque et c'est 1-0 pour la formation d'Ottawa. Et ça, là, ici, Toutou qui profite là, justement avec une escouade personne de casse. J'adore. Mais on profite. Vraiment, là, c'est là qu'on va voir là, les petites faiblesses des fois là, des gardiens de but en déplacement, qu'on n'aurait peut-être pas le même mouvement là, lorsqu'on a un gardien avec une intelligence artificielle. Là, on profite de ces petites faiblesses-là, ces moments-là d'opportunité et on va chercher le premier but de la rencontre très rapidement à ce côté d'Ottawa. René qui a tenté de refiler ensuite vers Blanchet. Blanchet ensuite à la ligne bleue pour Apple Wall. Toutou dans l'enclave encore. Il fallait tirer le but! Non! On va signaler obstruction sur le gardien de but. Alors, ça sera pas concédé, donc ça sera toujours 1-0. Et j'ai de la difficulté à voir que c'est une obstruction sur le gardien de but, mais et bon, ça sera 1-0. Mais on avait un partant dans la zone. Par contre, là, du côté de Tangles, on s'était vraiment commis. Là, on s'était complètement lancé vers le côté opposé du filet. Donc, je pense pas qu'il y avait nécessairement une obstruction, ouais. Mais bon, on va reprendre à l'extérieur. Je vais te contredire là-dessus. On a très bien vu Blanchet passer littéralement dans le gardien Shaker là, sur le passage. Donc, il y avait clairement C'était avant de se lancer. Donc, l'obstruction était là, effectivement, comme tu mentionnes. Et donc, c'est toujours 1-0 pour Ottawa. Ben, c'est Blanchet, justement, qui va s'amener au sac. Gros, je tire, ça passe tout juste à la droite de Shaker. On va qui revient à Paul Wall, un tir tenté. Et ça a été bloqué. L'attention, les Crazy Acadiens qui ont une chance de s'amener en zone offensive. Et le disque qui va quitter la zone offensive. Toutou de l'autre côté à René. René au cercle droit. Tente de refiler vers Toutou. Blanchette ensuite. Et Shaker qui ferme la porte. Ça revient à Toutou. Entre les deux cercles. C'est bloqué par le gardien acadien. Et finalement, la rondelle qui va revenir au cercle droit à la défensive. Un tir tenté par Apple Walt. C'est bloqué par Crazy Acadien. On s'amène un tir. Et également bloqué une fois de plus par la défensive d'Ottawa. Au cercle gauche maintenant, Blanchet cherche une option. Diagonale, passe tout juste à la droite de Shaker. Et le dégagement qui va être réussi. Apple va venir récupérer à sa ligne bleue. On a un jeu très dynamique là, jusqu'à maintenant, Luc. Là, par contre, c'est clairement jusqu'à maintenant à l'avantage d'Ottawa. Le temps de possession surtout. Et là, ici, on tente une passe qui sera un dégagement refusé. Et là, belle occasion ici là, pour les Acadiens de se reprendre un peu et donner un souffle un peu là, à Tangle qui se fait complètement bombarder jusqu'à maintenant. Et justement, un bon tir dès le départ en provenance de Slipknot. Chance qui a été ratée. On passe derrière au niveau d'Ottawa qui passe tout près de Shaker. Et on va se coordonner entre Martin et Noël pour effectuer la contre-attaque. La sortie de territoire qui est effectuée. Ce sera au tour de Hippie de s'amener. Qui est attendu? Blanchet va venir rejoindre Sim. Et au final, les Crazy Acadiens qui s'introduisent très bien. Cependant, sont arrêtés entre les deux cercles. Et relance rapide au niveau de Ottawa. Ce sera au tour de René de s'amener. Dégagement qui sera effectué. Les Crazy Acadiens qui vont toucher la rondelle en premier. Ça sera cependant hors jaune d'avancer la rondelle. Jusqu'à maintenant, là, mis à part là, le premier but là, qui s'est fait très rapidement, là, on a quand même pas de facilité à s'installer d'un côté ou de l'autre. Là. On semble s'acclimater au style de jeu de l'équipe adverse. Toujours avantage Ottawa en temps de possession, mais on reprend rapidement la possession du côté des Acadiens. Un hors-jeu ici, là, et on va devoir reprendre à l'extérieur en zone neutre encore une fois. Et on a pris des racines de Jordan Toutou. Bonne mise en échec, justement, de la part de Toutou au niveau d'Ottawa, là, en zone, dans le haut de la zone défensive. Et c'est lui qui va remporter la mise en jeu. Il va refiler à Sim. Sim, cependant, qui bloque la rondelle. Tente de rejoindre Toutou, mais il était hors jeu. Là, c'est Blanchet qui va reprendre. 2-1 avec Sim. Sim, Blanchet, le but! Le tir sur réception, et c'est 2-0 pour la formation ottavienne. Sérieusement, j'ai de la difficulté à garder mon sérieux, Luc, avec ses coupes de cheveux. mais vraiment, là, on voit là, que ces joueurs-là ont déjà joué ensemble. Vraiment, le jeu de passe est impeccable. Et le tir sur réception, là, on attendait d'avoir la rondelle au centre de la glace là, pour juste avoir un petit déplacement du gardien de but. Et Tangles qui doit se commettre et un tir frappé là, sur réception.
et ça va se loger dans le bas du filet. Donc, Ottawa qui mène maintenant 2-0. Mais clairement, on voit qu'on a déjà une bonne cohésion là, entre ces joueurs-là. Tout à fait, Étienne. Mais disons que les Crazy Acadiens ont quand même quelques chances de cogner à la porte. Mise en jeu qui va être remportée par Toutou. Blanchet vers Toutou. Toutou, ça mène devant Shaker. Toutou, encore une fois, touche extérieure du poteau de la cage du gardien acadien. C'est Sim qui va reprendre entre les deux cercles. Une passe vers Toutou, ça a été bloqué par la défensive de la formation Crazy Acadians. Et un tir de loin qui va être directement sur la palette de René. Là, c'est Sim maintenant, en haut de la zone, tenter de rejoindre Toutou. Ça n'a pas fonctionné, reprend son propre retour. Attention, Shaker qui jongle avec la rondelle et a pratiquement poussé le disque dans son propre filet. Bon contact à l'intention de Apple. Blanchet vient d'aider son coéquipier. Là, les Crazy Acadians qui se donnent de l'espace là, pour pousser le disque à l'extérieur de la zone, et ça sera la fin de cette première période. La formation tavienne qui a pris les devants 2-0. Apple Sauce avec la coupe de cheveux légendaire. Je m'attendais pas à voir ça ce soir. Là. Vraiment, là, c'est fascinant de voir les coiffes là, des joueurs d'Ottawa. Mais jusqu'à maintenant, on semble littéralement s'amuser comme qu'on s'est amusé avec notre customization, notre personnalisation de joueurs, là, parce qu'on connaît là, on sait où est-ce que les joueurs vont être. On connaît le jeu, le style de jeu de nos coéquipiers, clairement, du côté d'Ottawa. Donc, on va devoir revenir en force du côté des Acadiens, donner un petit peu de pause là, à Tangles présentement, parce qu'on le bombarde. Il y avait peu de chances de faire les arrêts sur les buts qu'il a cédés jusqu'à maintenant. Vraiment, Ottawa, jusqu'à maintenant, qui impressionne avec 8 tirs contre 3 et un temps de possession de 26 secondes pour les Acadiens contre 3 minutes 12 pour Ottawa. Donc, vraiment, là, on n'a pas été capable du tout de contrôler la rondelle du côté des Acadiens. Donc, on doit revenir en force, trouver une façon de couper les jeux de passe dans notre zone et de reprendre possession de cette rondelle, parce que ce n'est pas avec 26 secondes de temps de jeu qu'on va réussir à compter au moins 2 buts pour rattraper le retard qu'on a. Et quand vous avez un pourcentage de passe qui est inférieur à 70%, c'est très difficile de quand même de compléter les jeux, surtout de décocher des tirs là, près du gardien adverse. Absolument. Alors, tout est en place avec des belles coupes de cheveux, mon Étienne. Et on se reprend. La deuxième qui est en marche et ça a été remporté par Toutou. Blanchet laisse à Sim. Sim qui va faire glisser la rondelle plus loin. Blanchet va récupérer derrière Shaker. Sim tente la transversale. Bel arrêt de la part du bloqueur. Sim encore une fois vers Toutou. Là, c'est Apple Wall qui va reprendre. Apple derrière Shaker. Tente de revenir devant le filet. Ça a été bien bloqué en défensive par les Crazy Acadians. Ils vont s'amener en grand nombre. Au cercle gauche, on a tout simplement perdu la rondelle. Et là, on a tenté un long jeu qu'on a vu souvent. Et finalement, ça sera un dégagement refusé. On a été un petit peu trop gourmand. Là, on savait qu'on était derrière les défenseurs et ça n'a pas fonctionné. Absolument. Donc, on va reprendre en territoire d'Ottawa. Mais encore une fois, là, puis au chapitre des mises au jeu, c'est la même chose aussi. Là, on est maintenant 8-3 au chapitre des mises au jeu. Donc, tout jusqu'à maintenant là, qui réussit vraiment à dominer à ce chapitre. Les Acadiens qui vont relancer. Ils seront autour de Noël. La passe dans l'enclave. Il n'y avait personne et c'est un cadeau pour Apple. 2-1. Blanchet avec Sim. Rondelle en patin. Oh, belle lecture de jeu de la part de Shaker. Effectivement, Étienne, quel arrêt! Sim, transversal vers Blanchet qui va aller cueillir dans le coin gauche. Ça revient à Paul Wall. Un tir tenté en provenance de René. Rondelle toujours libre. Et au final, le dégagement à l'entrée zone qui sera fait, mais ça sera hors jeu pour la formation acadienne. J'en profite aussi pour voir que sur ma liste de joueurs, là, c'est la première fois que j'avais mal lu le choix de Tangles dans les buts, mais c'est effectivement Shaker là, qui garde les buts, qui s'est bombardé depuis le début. Donc, mes excuses et on va donner le crédit là, à Shaker qui réussit à tenir le fort là, quand même, là, qui a seulement accordé 2 buts sur tout ce temps de possession et tous ces lancers là, d'Ottawa. Par contre, on tente de reprendre ça là, du côté des Acadiens, de faire mieux que durant la première période. Pour l'instant, on se retrouve en territoire ennemi pour Ottawa et c'est un autre arrêt de Shaker qui n'accordera pas de retour. Effectivement, donc on a très bien. On a vu le Slipknot avec Noël s'introduire dans la zone offensive, dans la zone d'Ottawa. Cependant, on a rapidement été bloqué au niveau de la formation ottavienne. On est très, très efficace sur les comptes très rapides. Et la reprise d'action là, qui va en faveur de Crazy Acadian, un tir de loin encore une fois qui ne donne pas de difficulté à Newsy. Et là, c'est Sim qui cueille la rondelle. 2-2, même 3-3 maintenant. Sim au cercle droit. Rondelle qui est en intention de René. On aura d'autres choix
que de retraités là, en zone défensive. Le jeu va se poursuivre. On a quelque peu là, joué de cafouillage au niveau des, de la formation. Québec-Ottawa, on s'en tire. Sim à Toutou. Un tir. Retour de Toutou qui ne peut pousser derrière la ligne des buts. Ça sera une mise en jeu à la droite de Sheikha avec 9,26 à écouler dans le deuxième 20. C'était vraiment tout près de la ligne rouge, le Sheikha qui réussit à reprendre la rondelle à la dernière seconde. Et c'est la première fois là, qu'on voit vraiment ce soir là, des défenseurs se faire à la pointe, se faire autant exploiter là, et intégrer au jeu là, qu'on fait du côté d'Ottawa. On ramène la rondelle vraiment là, aux défenseurs pour ouvrir le jeu. J'adore ça, voir ça. C'est très rare qu'on le voit là, dans des équipes là, sur NHL. On joue beaucoup autour du filet. Et donc, je pense que ça, c'est une marque là, de synergie du côté d'Ottawa. Attention que les Acadiens dans l'enclave à deux. On est incapable de concrétiser la chance de marquer. Et c'est Sim qui va s'amener en contre-offensive. Oh! Revirement un contre un, le dégagement qui va être effectué. On n'a pas traversé la ligne centrale, ça sera dégagement refusé avec 6,58 à écouler en période médiane, mes enjeux qui aura lieu à la gauche du gardien Sheikha. Il est bien avantageux ici là, pour Toutou qui gagne la grande majorité des mises au jeu. Toutou qui remporte encore une fois le duel, c'est un tir sur réception et Sheikha va provoquer une mise en jeu cette fois-ci à sa droite. Extrêmement alors, rapide là, comme jeu. Luc, ici, on le voit, ouais. Là, les joueurs savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Là. C'est vraiment, on voit qu'on est bien rodé du côté d'Ottawa. Et puis encore une fois qu'il perd au dépend de Toutou, un tir complètement cible de la part de Blanchet. René va venir se compromettre là, pour prolonger la séquence offensive des siens. Crazy Acadine qui va retraiter derrière Sheikha. Relance vers Noël. Noël, cependant, qui est arrêté. Et il n'aura d'autre choix que de revenir en zone défensive, mais ça sera un dégagement qui sera refusé contre Québec-Ottawa. Je souligne aussi la discipline des deux équipes. On ne voit pas beaucoup de poke check et on n'a toujours pas de pénalité là, en cette fin de deuxième période. Donc, ça contraste énormément avec les deux premiers matchs qu'on a eu, Luc. Là, on avait beaucoup, beaucoup de pénalités des deux côtés. Là. C'est vrai. Je voulais t'amener sur ce point-là également avec la NHL 21, alors que contre-attaque avec Blanchet et il y aura une pénalité pour avoir accroché. Allez, on fait trébucher. Et oui, il fallait bien que j'en parle pour qu'il y ait la première pénalité. Et la bénédiction du commentateur, mon cher. Oui, exactement. Donc, ce sera à l'avantage d'Ottawa ici. Donc, on se tire dans le pied là, du côté des Acadiens. Ça va être difficile ici. On a déjà un bon contrôle de rondelle. Mais on réussit quand même à sortir du territoire. Donc, de précieuses secondes qui s'écoulent. On s'amène en désavantage numérique. Un tir tenté de loin. D'un angle restreint surtout. Et Niouzi n'a pas eu de difficulté à arrêter. Toutou tente de contourner un joueur, n'y parvient pas. Contre-attaque rapide, on tente de souffler entre les deux défenseurs et ça sera au tour des Crazy d'Ottawa de se faire surprendre. On a fait sauter les patins, là. Donc on a fait trébucher et on va reprendre dans la zone d'Ottawa à 4 contre 4. Mise en jeu remportée par Toutou. Et René qui va donc passe vers Blanchet. Blanchet, attention, Toutou est libre. Blanchet a tenté une passe qui a été trop tardive. Et finalement, un dégagement qui sera effectué par les Crazy Acadiens et ça sera un dégagement qui sera toléré par les juges de ligne. J'étais persuadé que ça allait être refusé. Là, c'est Blanchet, solidement frappé en entrée de zone. Crazy Acadiens qui redonne le disque à René. Là, c'est Sim qui va venir récupérer son cercle droit. On sera en désavantage numérique maintenant. Et l'avantage numérique pour les Crazy Acadiens. Il y aura une autre pénalité pour Ottawa. On évoluera 5 contre 3. Aussitôt qu'on va toucher au disque. Et ça sera fait maintenant. Et là, j'ai pas. Alors qu'on voit une autre tignasse dans notre écran, une autre belle coupe, mais j'ai pas vu la pénalité. Je crois que c'était en dehors de l'écran. OK, c'est encore une fois le petit fameux poke check là, qui nous fait sauter les patins. Donc ça, c'est vraiment là. C'est ce qu'on voit en grande majorité comme pénalité depuis le début de la soirée. Et là, le point qui va être très important à surveiller. On est privé des deux défenseurs au niveau de Ottawa. C'est Apple et René qui sont tous les deux au cachot. Alors on est encore pour. On avait pour 15 secondes et finalement, il y a Apple qui est le retour sur la glace. Donc, ça peut être dangereux là, si on est privé d'un défenseur. Là, tout ça mène, c'est le but! Quel cadeau qu'on donne en avantage numérique au niveau de Crazy Acadiens. Toutou qui est agenouillé, donc a poussé la rondelle dans la case vide. Oh non, ça, c'est une erreur qui fait mal. C'est le genre d'erreur qu'on peut voir là, lorsqu'on est à 6 contre 6. Donc, autant le gardien, là, autant Sheikha, c'est commis pour une raison là, inconnue là, d'un côté. A dû faire un saut là, de voir que personne n'a récupéré le disque lorsqu'il a rebondi sur la bande au fond. Donc, malheureusement, là, ça, c'est un but qui fait extrêmement mal là, aux Acadiens. Attention, il tente tout de même de contre-attaquer. Un bel arrêt de la part de Newsy qui va refiler le disque.
à Apple. Il reste 15 secondes au désavantage numérique. L'auto de Noël de tenter d'effectuer une sortie de territoire. Et on va entendre la sirène. C'est comme ça que va prendre fin cette période médiane. Ottawa qui a accentué son avance et qui mène présentement 3-0. Oui, et on voit vraiment là, la synergie là, qui se fait de façon naturelle là, du côté d'Ottawa, qui jusqu'à maintenant opère très bien en zone ennemie. On a eu quelques moments importants du côté des Acadiens. Par contre, on n'a pas réussi à ramasser la rondelle lorsqu'elle a rebondi sur la bande au fond. Et c'est ce qui a coûté le troisième but là, durant cette troisième période. Mention honorable aussi à Newsy, là, qui est toujours parfait devant le filet. Il n'est pas particulièrement bombardé dans ce match. Par contre, il a dû faire des arrêts clés, comme on a vu un petit peu là, plutôt dans ce petit highlight de la période, ces petits jeux importants. Et donc, on se retrouve avec 14 tirs contre 6 pour Ottawa et un temps de possession là, de 6 minutes contre 1 minute 10, ce qui veut dire qu'en première période, on était à 26 secondes et en deuxième, on est à un petit peu plus de 30 secondes. Donc, ça, de ce côté-là, on a vraiment de la difficulté là, du côté des Acadiens à s'installer lorsqu'on a la rondelle dans le territoire ennemi. Souvent, on ne sait pas trop où envoyer la rondelle. On va la lancer tout de suite au filet, on l'envoie dans le fond du territoire. Donc, c'est cette petite cohésion-là là, qui manque là, du côté des Acadiens. On doit revenir chercher ça là, en troisième période. On le sait que des buts, ça peut se compter rapidement à NHL. Par contre, on remarque depuis le début de la soirée, surtout, qu'à 6 contre 6, c'est pas aussi simple que lorsqu'on est à 1 contre 1 de vraiment faire des filets extrêmement rapidement parce que ça prend cette synergie-là. Et il faut vraiment avoir un jeu presque parfait là, pour aller compter, à moins de ramasser une rondelle devant le filet là, comme on a fait pour le troisième but des d'Ottawa. Et là, finalement, Toto va créer leur jeu alors que Sim et Blanchet est en zone offensive. L'avantage numérique est déjà terminé pour les Crazy Acadiens. On va reprendre en période médiane. Et je pense qu'au niveau de Toto, on aimerait ça un autre petit cadeau parce que ça serait le tour du chapeau dans la rencontre. Toto à Blanchet, on cercle à gauche. Blanchet, surveillé, refile à Apple. Apple à Blanchet. Blanchet ensuite vers Sim, le tir qui est bloqué par Shaker. Sim encore une fois, le but! Aller placer le gardien et c'est 4-1. Et là, on n'a vraiment pas de chance du côté de Shaker là-dessus. Là, on a fait un arrêt extrêmement important, la première arrêt. Par contre, du côté des défenseurs, on se devait de dégager la rondelle là, du côté des deux défenseurs, donc Power et Noël. Malheureusement, on n'est pas capable de défaire, de retirer le disque de l'enclave et là, on capitalise là-dessus. C'est Toto, le tir bloqué par Shaker. Retour devant encore une fois. Toto transversal. Il n'y a personne au cercle gauche pour acquérir la rondelle. Il y a deux joueurs d'Ottawa qui s'est compromis. Une attention, Toto va s'amener en échappée. Toto, la fin de tir, le but! Tour du chapeau et un petit coup de rame. Et le voilà avec sa coupe légendaire. On va chercher le tour du chapeau. Bien mérité du côté de Toto, le joueur de centre qui a réussi là, jusqu'à maintenant à vraiment créer un gros impact dans cette partie, non seulement par ses trois buts, mais par sa présence et surtout le nombre de mises en jeu qu'il a remportées. Donc, ça fait mal, ça. C'est un peu dans le cercueil, je dirais, là, supplémentaire, là, 5-0. Là, c'est très difficile de voir un retour en arrière, surtout si on ne réussit pas à s'installer mieux là, du côté des Acadiens. On est toujours probablement autour d'une minute 15 de possession. Revirement, on a passé bien près d'avoir une belle chance de marquer. Beau repli en défensif. En défensive, pardon, au niveau des Crazy Acadians. C'est Apple qui rejoint Blanchet. Blanchet à Sim, à Toutou qui les rate, qui a fendu là sur son tir sur réception. Vers Sim, le but! Son deuxième de la rencontre et c'est 6-0. Il en manque un seul et ça sera la règle automatique qui va s'appliquer. Oui, mais encore une fois, le Sim qui était parfaitement positionné, la passe directement sur la palette de Toutou. Créer le jeu encore une fois après avoir attiré deux joueurs sur lui et le lancer sur réception. Donc vraiment, on voit là, la synergie est là. Ça me fait penser un peu à Accuracy durant la première partie de la soirée qui était même une petite coche de plus, je dirais. Mais en même temps, j'aime beaucoup là, ce qu'on voit du côté d'Ottawa. On utilise vraiment les défenseurs aussi. Donc, on crée des beaux jeux. Vraiment, là, deux équipes jusqu'à maintenant là, qui ressortent du lot. Là. Effectivement, ça là-dessus, je vais être totalement d'accord avec toi. Les deux équipes là, qui définitivement trouve une façon de donner une correction là, à l'équipe adverse. Et finalement, il y aura hors-jeu le Blanchet qui a réintégré la zone offensive trop. Donc, comme je mentionnais, là, Ottawa qui se démarque. Du côté des Acadiens, on laisse pas vraiment de chance à Shaker, là, qui a fait vraiment des belles arrêts là, durant le match. Par contre, des fois, là, lorsqu'on a un troisième retour là, avec une passe là, qui traverse de l'autre côté de l'enclave, on n'a pas vraiment de chance là, de répondre à ça là, comme gardien de but. Mais on a fait des arrêts importants du côté
de Shaker. Et on va reprendre justement à la gauche du gardien des Crazy Acadians avec tout. On est tout près à mi-chemin dans le troisième 20. La mise en jeu qui va aller en faveur de Crazy Acadians. On panique. On tente un jeu quelconque. Ça sera un dégagement qui sera refusé. Alors que ça sera un défenseur d'Ottawa qui va franchir en premier point de mise en jeu. Et encore une fois, Toutou, qui devrait, en fait, j'allais juste dire Toutou, là, ici, qui devrait encore une fois, là, faire le contrôle du disque. Et voilà, on remet. Et toujours, là, l'ailier droit, là, qui est toujours prêt, là, dans le cercle à droite, aux oreilles, à prendre un tir sur réception. On a raté un entrée de zone. Ouais, oui. Et ça fait mal. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit. C'est les petits détails. Je pense qu'on a encore vraiment du temps, là, pour se reprendre du côté des Acadiens, s'ajuster, là, et peaufiner le travail d'équipe, là, la cohésion. Mais c'est vraiment ça qu'on va voir. Et là, échappé! Et l'attention, Sim s'amène. Chose Shaker qui se couche à la Martin Brodeur et qui vient frustrer l'attaquant de Québec-Ottawa. Bonne mise en échec de la part de Blanchard, zone centrale. Et coup sur coup, il y a de l'action de part et d'autre. Vraiment, là, ici, quelle mise en échec de la part de René. Agoy! Et là, on a l'impression de retourner dans du bon vieux hockey, là, des vieilles années, là, avec toutes ces mises en échec et pas de casse sur la tête. C'est beau à voir et on aura une pénalité, là, je crois, ici, du côté d'Ottawa. Non, c'est un hors-jeu. Ah, oh, c'est un hors-jeu, et... même pas de pénalité. Oui, non, c'est même pas de pénalité, c'est un hors-jeu. Scott Stevens serait effectivement très content, là, des bonnes mises en échec qui sont déployées en zone centrale. Dégagement qui va être effectué de la part de René. Ça va aller à la droite de Shaker. Encore moins de 8 minutes à écouler dans ce troisième tiers. Et là, Noël qui est attendu. Ça l'ouvre la porte en blanchette. Deux contre un. Est-ce qu'on sait l'issue du match ici? Non, la passe qui a été bloquée en défensive par les Crazy Acadians. Et on va s'amener en zone offensive. Tir de loin. Belle surveillance de la part de Sim. René qui est arrêté. Sim va s'amener. Harponner. Blanchet ne peut saisir la rondelle. Il va réussir cette fois-ci. Trois contre un. Blanchet vers Toutou qui ne peut concrétiser son quatrième. Et qu'on est sorti de zone avec 5 minutes à faire dans la rencontre. Et Crazy Acadians a un tir, ça part tout juste à la gauche de Newsy. Et il n'y aura pas de retour. Ça sera une mise en jeu à sa gauche avec 4-32 à écouler dans cette rencontre. Et là, on voit une petite lumière là, du côté, une petite flamèche du côté des Acadiens. C'est ce qu'on va devoir développer là, pour les prochains matchs dans le round robin si on veut pouvoir accéder aux prochaines rondes. On a des équipes de bon calibre, on le voit ici. Là. Et là, on aura encore une fois là, une possession d'Ottawa qui pourrait être menaçante à 3 contre 2. Et là, c'est Apple qui tente de s'amener en zone offensive. Hein, les défenseurs qui... s'en permettre un petit peu avec une avance de 6 buts. Blanchet qui provoque le hors-jeu parce que Toutou n'avait pas réintégré la zone médiane. Absolument. Donc, on cherche à aller mettre un 7e but dans le fond du filet du côté d'Ottawa. Mais là, on voit ici là, au chapitre des mises au jeu, 24 contre 8. Donc, ça, c'est extrêmement important là, pour la possession, le temps de possession qu'on a là, qui est vraiment favorable à Ottawa aussi. Là, alors qu'on a une pénalité, par contre, à retardement. Alors, ça sera 2 minutes pour assaut. Donc, ça sera avantage numérique pour une deuxième fois, je crois, ce soir. La troisième fois, pardon, pour Chris Acadians. Apple a sorti le coude, vraiment là, au visage là, de l'adversaire. Et alors, on va reprendre avec la mise en jeu derrière l'espèce de mascotte curieuse à chapeau jaune acadienne. Et on va tenter d'aller mettre un but pour la forme, côté des Acadiens quand même. Il y a un dégagement qu'on réussit jusqu'à l'autre bout. Le Sim au cercle droit, Toutou. Sim va reprendre. Sim de l'autre côté, Toutou qui est bloqué par Shaker. Course à 3 joueurs. Crazy Acadians qui arrive en premier à la rondelle. On s'amène dans le territoire d'Ottawa. Toutou qui reprend. Refait la Sim. Évite le contact. Refait la Blanchet. Le Sim derrière à Toutou. Toutou quand on fait sauter les patins, ça sera 4 contre 4. Un tir de Blanchet qui rate la Sim. Et on entend siffler, ça sera 4 contre 4 pendant 30 secondes. Eh bien là, on va aller écouler les dernières secondes de cette partie plus lentement avec un 4 contre 4. Par contre, encore une fois, on passe très près de marquer, là, mais on rate le filet là, sur un lancer sur réception. Et Mike a aussi fait... ça, c'était le match de Shaker. Et voilà, c'est terminé. René qui, à la dernière minute... exactement. Hein? On ne blague pas sur la précision dans la dernière minute de jeu qui va s'inscrire à son tour au pointage. Donc, c'est terminé. Victoire de Québec-Ottawa 7-0. Alors, important de préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu NHL, la dernière minute de la troisième période s'effectue à temps régulier. Les 10 dernières secondes de la première et la deuxième période également à temps régulier. Alors que durant les deux premiers 20,
les 50 dans la dernière minute. Là, donc, comme je mentionnais, il y a seulement les 10 dernières secondes qui sont à temps réel. Alors, on va écouler le temps pour la forme. Un match qui n'a plus vraiment d'importance rendu là. René, là, qui va patienter. Là, bien entendu, vous comprendrez que les joueurs n'auront pas de pénalité. Là, si on décide de garder la rondelle et de ne pas être menaçant. Donc, il y aura hors-jeu également. Et je pense qu'on va avoir, on va quitter rapidement au niveau de la formation tavienne. Wow! Et là, vraiment, là, ce qui me saute aux yeux là, durant, en fait, là, avec cette fin de partie-là, c'est qu'on a 1 minute 15 de possession durant toute la partie du côté des Acadiens, ce qui veut dire que depuis la... En fait, en troisième période, on a eu à peu près 10 secondes de temps de possession. Je te confirme Ottawa, que c'est vraiment... 7 secondes. C'est 7 secondes. Donc, 7 secondes de temps de possession en troisième période. On a vraiment une domination totale. Le Sim avec 2 buts, 2 passes. Toutou avec 3 buts, 2 passes. Et vraiment, c'était une domination totale d'Ottawa. Donc, évidemment, il y a des équipes qui vont déjà avoir joué plusieurs fois ensemble. Il y a des équipes qui vont avoir vraiment joué de façon sporadique ensemble. Ils sont peut-être improvisé une équipe. Mais là, ici, on voit qu'il y a vraiment, de façon individuelle, les joueurs étaient très talentueux du côté d'Ottawa. On parle de 26 mises au jeu gagnées contre 10 pour Toutou. On a eu des excellents jeux de passe. Donc, équipe à surveiller aussi. On a parlé d'accuracy un peu plus tôt. Et là, on a de ce côté-là Ottawa. Et vraiment, je pense que, Luc, il va y avoir des équipes comme ça qui vont se révéler être des équipes plus potentielles pour des équipes qui potentiellement pourraient se sortir et se diriger en 16e de finale. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce match-là, mais je pense qu'on peut quand même lever notre chapeau à Shaker qui s'est fait bombarder. Mais vraiment, là, très bien joué du côté de l'Ottawa. C'était un bombardement en règle. Une autre fois, un autre gardien qui sort de la patinoire avec une centaine de rondelles brûlées avec ses jambières. Ouais. Honnêtement, Ottawa était littéralement dominant, comme tu le mentionnes. Belle circulation de rondelles en zone offensive. On était en mesure aussi également d'éviter les contacts sévères à de multiples occasions. Autant lorsqu'on s'amenait en zone offensive que lorsqu'on contre-attaquait. Donc, le jeu de transition qui fonctionnait très bien au niveau d'Ottawa. Au niveau, par contre, il va falloir peut-être se méfier un petit peu des pénalités. On a souvent été agressifs, surtout avec l'harponnage, là, malgré le changement de modélisation qui a été effectué avec eSports avec pour tenter de changer, d'améliorer le tout, quoi qu'il en soit. Donc, Ottawa qui s'en va avec les favoris. Et nous, on ne s'en va pas comme favoris, mais on s'en va en pause et on sera de retour d'ici 5 minutes là, pour la version Xbox du tournoi. We are the ones who will never lose.
Et on est de retour pour cette première coupe RDS Jeux vidéo sur NHL 2021, présentée par RDS Jeux vidéo et Vision, en partenariat avec La Source. Et donc, Luc, on a complété nos matchs sur la PlayStation 4 et on se dirige maintenant sur les matchs Xbox One. On rappelle qu'on a énormément d'équipes, 224 équipes en tout. Et on commençait avec PlayStation 4, Xbox One. Les deux premiers, en fait, les premiers dans chaque console vont repartir avec 3 000 $ par équipe en cadeau. Donc, c'est pas rien. On va aller chercher ça. Et jusqu'à maintenant, on a vu certaines équipes là, ressortir du lot sur la PS4. Voyons voir ce qui se passe sur la Xbox One. Disons qu'en Xbox One, on a 96 équipes dans le tournoi. Que 96 équipes, ça paraît drôle à dire. Mais ouais. C'est ça, sur PlayStation 4, on a 128, donc Xbox 96. On a 16 divisions tout de même, comme en PlayStation 4. Cependant, ce sont des divisions de 6 équipes par pool, par groupe. Donc, oui. On a peut-être un petit peu plus de chances de faire la ronde éliminatoire. Mais je peux vous garantir une chose, il y a d'excellents joueurs 1 contre 1. Sur le jeu NHL au Québec. Et je peux vous garantir une chose, il y a d'excellentes formations aussi à 6 contre 6 dans la province et partout au pays. Donc, ça serait très intéressant de voir qui va ressortir du lot. Pour la prochaine confrontation, on a Alliance Hockey Esports qui va affronter les Cavs dans le premier match de la Xbox. Je regarde les alignements rapidement des deux formations. J'ai pas de grand nom qui ressort. Je te dirais, Étienne, il y a peut-être Diablo que j'ai eu la chance de voir dans certains tournois 1 contre 1 et peut-être même lors du tournoi du Canadien, si ma mémoire est bonne. Ça fait déjà un an, donc des fois, la mémoire est une faculté qui oublie. Oui, absolument. Disons, mais tu sais, on s'entend, là, il y a certaines équipes qu'on a vues là, passer, il y avait certains noms qui étaient moins connus, mais la synergie entre les équipes font en sorte que ça les démarque là, de façon significative. Donc, on voit là, ici là, Alliance Hockey Sports contre les Cavs. Par après, on a Resilience contre Twins Club. Et on sait que c'est une Resilience qui est une des équipes favorites pour tout le tournoi. Ça va être du gros calibre. C'est des noms qui c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour regarder Twins. Donc, je pense que ça va être un excellent match aussi. On termine avec Nabokov contre Viper Esports. Et donc, encore une fois, des noms, comme tu mentionnes, qu'on n'a peut-être jamais vu. Mais ça a peu d'importance lorsqu'on rentre à 6 contre 6. On doit avoir un bon jeu de passe, bien s'échanger la rondelle dans la zone ennemie. Lorsqu'on a un temps de possession comme ce qu'on vient de voir avec Ottawa, on s'entend qu'on ne peut pas gagner là, avec 1 minute 10 de possession. Là. Fait que, c'est certain là, que le contrôle de la rondelle, savoir là, avoir une bonne rotation là, des joueurs là, pour aller remplacer les défenseurs lorsqu'on se porte à l'attaque, bien contrôler la rondelle en zone neutre, nos entrées de zone, sorties de zone, c'est ça qui démarque, qui fait en sorte qu'une équipe de 6 contre 6 va se démarquer. Mais je te dirais une chose. Par expérience, comme joueur de jeux vidéo, lorsque tu vois dans le nom d'équipe que le nom eSports, souvent ça insinue quelque chose. Ouais, je dis absolument. Souvent. Est-ce que ça va être le cas avec la formation Alliance? J'ai bien hâte de voir, mais depuis le début du tournoi, là, on a seulement 3 matchs de fait. Je dois avouer que moi, je suis très impressionné par la coordination, comme tu mentionnais, qu'on retrouve au sein de certaines formations. Ouais. Et surtout de voir. Et ça va être très intéressant. Lorsque les équipes vont être pénalisées, par exemple, des défenseurs qui ne seront pas là, qui vont être, par exemple, au cachot, je pense qu'on l'a vu avec, justement, Québec-Ottawa, qui a été privé des défenseurs en désavantage numérique. Qu'on le veuille ou non, si les joueurs sont plus habitués de jouer à l'attaque, ça peut venir faire une différence dans des moments clés si on est trop indiscipliné. Alors, tout au long du tournoi, ça va être quelque chose qui va être vraiment à prendre en considération, cet aspect d'indiscipline-là. Là. Surtout à quelle position et quels sont les joueurs qui sont vraiment indiscipliné le plus dans chacune des formations. Oui, absolument. Là, ça peut coûter cher, les pénalités. Puis, c'est de voir aussi, là, comme on a vu un peu avec Ottawa, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'on avait vraiment un système de jeu en place. Lorsqu'on avait une mise en jeu dans le territoire ennemi, si on remportait la mise au jeu, on envoyait le plus rapidement possible la rondelle à l'ailier du côté opposé qui prenait un tir sur réception sur le filet. On pouvait soit avoir un but de cette façon-là, un retour, ou forcer un autre arrêt, mais au moins, on avait une occasion de marquer supplémentaire. On savait exactement qu'est-ce qu'on devait faire à quel moment. Donc, c'est vraiment ça là, qui nous étonne, je dirais, là, aujourd'hui, Luc.
Et ça sera de voir si on retrouve ça dans les équipes d'Xbox One. Donc, présentement, on est en attente là, des joueurs qui doivent inviter l'autre équipe là, dans le lobby, donc dans la préparation là, de la partie. Donc, dès que c'est fait, on va lancer le jeu. Mais sinon, on a déjà deux matchs qui se sont terminés, deux matchs sur trois qui sont terminés par la Mercy Rule, Luc. Ouais, donc, on voit là, qu'il y a quand même une grosse différence parfois là, entre la coordination d'une équipe et l'autre. La disparité entre les formations est très présente. Et donc, le dernier match, si vous étiez avec nous, le Québec-Ottawa qui l'a emporté 7-0. Et également, là, c'est Accuracy qui l'avait emporté 8-1 contre les Amigos en levée de rideau. Alors, disons qu'on peut voir là, que parmi les divisions, il y a certains joueurs qui ont décidé de s'inscrire dans les derniers jours qui étaient permis pour vraiment rentrer dans le tournoi. Ça peut-être malheureusement jouer en défaveur. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je prends en considération également, et je ne l'ai pas vu encore, il y a eu des nouvelles fins qui ont été rajoutées dans le jeu cette année par EA Sports. On ne les a pas vues encore. Je parle notamment de la feinte lorsqu'on est derrière le filet, de revenir à contre-courant lorsqu'on attire le joueur derrière le filet et partir à contre-courant pour surprendre l'adversaire. Et la fameuse feinte de but à la Crosby là, qu'il avait si bien réussi avec l'Océanique de Rimouski. Là, c'est les deux feintes qu'on a rajoutées dans le jeu cette année. Effectivement, on va voir si on exploite ça. Par contre, jusqu'à maintenant, on dirait que les joueurs restent avec leurs feintes, leurs manipulations qui sont confortable. Donc, on connaît des NHL de 2020. Et donc, on verra si on a du nouveau ici. Donc, comme tu mentionnes, Alliance Hockey Esports contre les Kebs. Donc, on va voir s'il y a des équipes qui jouent ensemble depuis longtemps. Et si le mot Esports dans le titre, si ça veut dire quelque chose, Luc. Souvent, là, je le mentionnais parce qu'au niveau du sim racing, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Vous avez beaucoup de noms d'équipes qui portent le nom de eSports et lorsque vous les voyez arriver sur la piste, c'est parce que souvent, ce sont des personnes qui pratiquent énormément d'heures en arrière de l'écran et ça doit être probablement le cas au niveau de l'Alliance Hockey eSports. C'est ce qu'on va voir dans les prochains instants. On est sur le bord, on est bientôt prêt à arriver dans l'aréna. Voilà, c'est fait. Et on sera à Montréal pour l'Alliance Hockey eSports. Donc, les Cavs qui ont les noms de... Oh, finalement, c'est les Young Guns qui vont jouer. Young Guns. Donc, il y a eu changement de dernière minute. Absolument. Donc, on va voir Young Guns contre Alliance Hockey Esports. Et ce sera ici encore une fois là, quelques joueurs qui, sporadiquement, qui n'auront pas de casque. On adore. Donc, c'est parti pour ce quatrième match de la soirée, mon Luc. Bon match. Et c'est parti. La mise en jeu qui a été remportée par Alliance. On se retrouve au niveau des Young Guns en zone défensive, maintenant en zone médiane, un dégagement qui sera tenté. On l'aide qui va glisser jusque dans le coin gauche. C'est Kéké qui va reprendre, qui va refiler à Potier. Ensuite, à Donus. On l'aide qui va être récupéré par les Young Guns. On va revenir à la hauteur de la ligne bleue. On tente de trouver une ouverture. On est bien stationnaire en défensive au niveau de Alliance. Un tir tenté, ça a été bloqué par Miles. Rondelle qui est toujours libre. Un tir tenté par les Young Guns. Retour devant. Et heureusement, on s'en tire pour l'équipe Aliens. Et Kéké là, qui va contre-attaquer. Surveiller de très près. Les arrières à Braz. Kéké refile à Onoa. Devant le filet. Kéké là, qui tente de cogner à la porte. N'y parvient pas. Ça sera une sortie de territoire de la part des Young Guns. On va s'amener en surnombre. On tente de déborder la défensive. On revient sur ses pas. La passe qui manquait de précision. Et c'est une passe gratuite. Que vont obtenir Alliance Hockey Esports? Young Guns en territoire neutre. En haut du cercle gauche, tente un tir. Oh, ça a failli surprendre le gardien. Oh! Bazut. Revirement encore une fois. On s'en tire. L'attention, on part en course au niveau de Braz. Braz, la feinte. Oh, on ne décoche pas de lancer. On vient de déjouer le gardien, littéralement. On peut compléter. On avait battu le gardien de Young Guns en plus. Malheureusement, on n'est pas capable de lancer la rondelle. Et donc, on a un arrêt de jeu ici. Est-ce qu'on a une pénalité ou un hors-jeu? C'est un hors-jeu, mon cher. Alors, vraiment très malheureux, là, ici. On avait vraiment battu le gardien de Young Guns, mais c'est toujours 0-0. Mise en jeu qui est remporté par la flamme. Young Guns là, qui vont réintroduire la zone adverse. Voilà, c'est fait un tir qui va être redirigé plus loin par Belzébuth. Disque qui est par Myers. Ensuite, à Potier. Potier qui tente d'éviter le contact. Myers n'aura d'autre choix de reprendre devant le banc des siens. Miles au cercle droit, il y a pénalité à retardement contre les Young Guns. Là, c'est Onoa qui va renvoyer à Kéké. Et non, ce n'est pas Yastéri Kotkaniemi, je vous rassure tout de suite.
Rastard de revenir d'avant, contact, Kéké, un tir au cercle droit, finalement, ça va toucher un joueur de Young Guns et ça sera premier avantage numérique de 2020. Et là, je dois dire, là, Luc, je suis très étonné du calibre là, des deux équipes. Ici, là, ça joue extrêmement rapidement. Les passes sont vives, sont rapides. Il n'y a pas vraiment de problème de cohésion jusqu'à maintenant, là, de manque de communication. C'est vraiment là, du bon calibre. On se croirait presque à un contre un. Donc là, on tente ici d'aller chercher le lancer derrière. Oh! Quel réflexe de la part du gardien! Les Young Guns vont venir immobiliser la rondelle derrière ses jambières. Effectivement, très bien fait. Et là, comme on voit, là, très rapide comme jeu. Là, toujours 1:37 à l'avantage numérique pour Alliance Esports. Les enjeux qui ont été remportés encore une fois par Alliance. Là, c'est Mize qui va permettre le jeu de poursuivre. On envoie de l'autre côté à la défensive à Onoa. Onoa au cercle droit. Il n'y a pas d'option. La diagonale à but! Oh! Qui marque et c'est 1-0 pour Alliance. Quelle passe sur la palette de Potier, vraiment à travers là, 2-3 joueurs de l'autre côté de la glace. Ça, là, c'est vraiment le genre de jeu qui va montrer là, une démarcation entre des équipes qui commencent à jouer ensemble, une équipe qui a un système de jeu bien établi. Potier était bien positionné dans l'enclave et quelle passe! Vraiment, là, il faut le souligner. Et le gardien de but Young Guns n'avait aucune chance. On va reprendre. Au centre de la glace, mise en jeu remportée encore une fois par Alliance hors jeu. Ça sera une autre fois une dispute pour la rondelle en territoire central devant le banc. The Young Guns, la flamme contre Braz. Ça va être remporté par Braz. Là, c'est Onoa qui a été un petit peu trop de générosité. On va être encore une fois indiscipliné de ne pas avoir fait trébucher. Ça va faire mal. On vient de compter un avantage numérique, donc on reprend en plus dans le territoire ennemi du côté d'Alliance. Et par contre, on rapporte la mise en jeu importante du côté de la flamme. Et ensuite, ça sera devant le banc d'Alliance. Young Guns qui perd possession de la rondelle. Relance du jeu. Là, c'est Kéké au cercle droit. Kéké est incapable de couper entre les oreilles. Ça va revenir à Mize. Mize a plaqué solidement. Un tir dans l'angle restreint. Rondelle qui revient dangereusement sur Alex. Il n'y aura pas de retour. Bien fait ici là, du côté du gardien. Les Young Guns pour stopper cette rondelle là, qui se faufilait là, vers lui. Donc Alex a été vif, toujours 1-0. Encore un supériorité numérique et on perd une fois de plus la mise au jeu. C'est la flamme qui en ressort gagnant, mais on peut reprendre possession en zone neutre et on tente de s'installer encore une fois. Mize dans le coin gauche. Tente de refiler de l'autre côté. Il y aura une autre infraction pour avoir fait trébucher. On jouera à 5 contre 3 pendant 27 secondes au niveau des Alliance. Ça fait mal. Là, on voit l'indiscipline. Déjà, en première partie, 3 pénalités rapidement comme ça. Là. Et oh, quel arrêt d'Alex ici! Là. 2 fois, coup sur coup, vient frustrer l'attaque massive de la rondelle qui va rester sur le dessus de la cage. Et on devra donc reprendre dans le territoire des Young Guns. Et là vraiment, c'est ça qui... On voit le Alliance, leur confort à jouer là, en avantage numérique et à contrôler la rondelle. On ramène ça à la pointe et on roule bien les joueurs. Par contre, encore une fois, la flamme qui s'illustre avec une victoire à la mise en jeu. Effectivement, là, la rondelle qui est repoussée jusque dans le territoire, profondément dans le territoire défensif. On est maintenant 5 contre 4 pendant 1 minute 10. Braz renvoie de l'autre côté, renvoie derrière à Kéké. Kéké tente de couper devant, il ne parvient pas. Mize renvoie Kéké devant le filet à Potier. Et beau jeu en défensif de la part des Young Guns. Et ça sera récupéré de nouveau. Et là, il n'y a pas hors-jeu. Braz, beau pivot. Et encore une fois, on sort le bâton trop rapidement au niveau des Young Guns. Et ça sera de nouveau 5 contre 3. Et là, vraiment, là, on est vraiment indiscipliné. Le poke check là, qui, à chaque fois, là, trouve les patins d'un joueur de Lions. Et on va pouvoir encore une fois garder le contrôle du disque. Ce qui sauve présentement Young Guns, c'est les victoires constantes de la flamme à la mise en jeu. Effectivement, là, c'est KK, Pony, frappé jusqu'à l'autre bout, dégagement qui sera réussi. Ça va permettre aux Young Guns de respirer quelque peu. Braz laisse à Potier. Potier au cercle gauche. Attends, tu renforts. Potier renvoie Kéké derrière la cage. Alex, c'est le but! Kéké 2-0! Et un beau wraparound du revers en plus. 2-0 pour Alliance Esports. Et on retourne à 5 contre 5. On doit vraiment être plus discipliné que ça là, du côté de Young Guns pour ne pas se retrouver dans des situations semblables. Je pense qu'on est capable de rivaliser avec Alliance, mais il faut vraiment arrêter l'indiscipline. Attention, Braz encore une fois. Le tir dans la mitaine d'Alex. Il relance le jeu rapidement. Mais son défenseur va contourner le gardien.
Honnête qui va glisser jusqu'en territoire de The Alliance Esports. Bon, belle entrée zone avec Kéké. Protège bien la rondelle. Kéké est surveillé par deux joueurs des Young Guns. On revient devant le filet. Alex s'agenouille au sol et immobilise la rondelle. Mise en jeu à sa gauche. Bel arrêt là, du côté d'Alex ici qui stoppe l'avancée d'Alliance. Et on va reprendre. Et on est quand même confiant là, de plus en plus là, avec la flamme qui remporte presque toutes ses visions. Alors, bel arrêt là, encore une fois d'Alex. Et on se renverse le but! Et finalement, là, c'est Kéké qui marque. Pas mis de Kéké, donc Braz et Kéké qui va en fait toute la ligne offensive a déjà son premier but de la rencontre. Donc Braz qui marque son premier de la rencontre. C'est 3-0 et ça, en fin de première période, ça pourrait faire mal. Oh. Contre-attaque rapide de la part des Young Guns. On tente vraiment d'éviter de retourner au vestiaire avec un retard de 3B. Finalement, ça sera un arrêt provoqué par Belzébuth. Mais Belzébuth qui est solide là-dessus. Là, deux jeux coup sur coup là, qui auraient pu être très dangereux. Et on voit Alliance, encore une fois, là, je reviens au but, au troisième but, là, à quel point le jeu était rapide pour la passe qui s'est effectuée là, tout de suite devant le filet. Et encore une fois, Kéké qui marque son deuxième et en l'espace d'une minute, et ça va faire mal aux Young Guns. Ça fait mal. Et effectivement, là, Luc, là, 4 secondes de la fin de la première période. Vraiment une période qui a été ponctuée par trop de pénalités. Oh, et là, est-ce que c'était... Je crois que la période était finie. Oui, quelques centièmes de seconde après la sirène se soit fait entendre. Et vraiment, là, on est à 9 tirs contre 2 présentement là, pour Alliance face à Young Guns. Et temps de possession d'une minute, le reste va en faveur d'Alliance. On voit vraiment le contrôle du disque et à quel point on est à l'aise avec la rondelle et avec le style de jeu à 6 contre 6. C'est là qu'on voit là, que la différence se fait lorsqu'on est en zone offensive. Il y a toujours quelqu'un devant le but. Et lorsqu'on est en défensive, on a souvent coupé les passes. On avait quelqu'un devant le filet toujours qui jouait l'homme, qui empêchait là, un tir de qualité de s'effectuer pour Young Guns. Alors que c'est vraiment là, ce qui démontre une aisance pour chacune des positions là, côté de Lions qui s'illustre présentement dans ce match. Malgré qu'on n'a pas vu beaucoup de 5 contre 5, on a tellement eu de pénalités là, du côté de Young Guns. Effectivement, donc en espérant que ce soit un petit peu plus convaincant. Attention, Kéké, le tir hors cible juste au-dessus de la cage d'Alex. Et là, on laisse en va chez les spectateurs. Bien effectué là, de son côté, là, malgré qu'il a raté le filet. On voit le jeu encore là, qui s'était créé sous nos yeux. C'était bien tenté. Et encore une fois, la flamme qui remporte la mise au jeu. C'est le défenseur Onoa qui est incapable de prendre possession de la rondelle. On tente de revenir devant. Là, tu sais, quel déplacement latéral de la part de Belzébuth qui vient frustrer l'attaque des Young Guns. Et je croyais qu'on avait remis le 10 sur la glace. Là. Je trouvais ça un petit peu... C'était un peu dangereux du côté de Belzébuth, mais c'était bel arrêt. Là. Quel déplacement, comme tu mentionnes, là, qui réussit à garder son blanchissage. Et encore une fois, il s'illustre devant un tir et son retour. Va conserver la rondelle. Et Belzébuth qui se tient bien droit devant le filet jusqu'à maintenant, toujours 4-0. La reprise de l'action, on a été très, très agressif chez les Young Guns. Encore une fois, on cogne à la porte et c'est le but! La flamme qui va venir marquer le premier pour sa formation et on s'inscrit au tableau, c'est 4-1. Et voilà, c'est fait. On réussit à trouver le fond du filet. Enfin, c'est la flamme qui s'illustre au poste de centre, là, aux mises au jeu depuis le début, qui réussit à marquer. Ça va faire du bien. Et si on reste comme ça, discipliné, durant toute la deuxième période, je pense qu'on peut aller en marquer là, du côté de Young Guns. Là. On tente de percer l'enclave, on n'y parvient pas. On est surveillé de près de la part de Braz. Et là, Kéké va relancer avec Potty. Kéké en accélération. On cercle le droit. Un pivot, le tir! Quel arrêt d'Alex au dépens de Braz. Donc, bien effectué ici du côté d'Alex qui réussit encore une fois à stopper le disque. Et on va reprendre là, à sa droite. Et c'est remporté cette fois-ci par Kéké. Potier. Rafil. Abraz. Dans l'autre de l'enclave, le tir! Et ça vient toucher le poteau. Ça a touché le bâton d'Alex. Mais encore une fois, le jeu est tellement rapide. Et on utilise la pointe. Ça, j'adore ça, voir ça. En un contre un, on le voit très rarement. Les joueurs jouent beaucoup autour du filet. Puis dans les équipes qui sont moins expérimentées, moins synchronisées ensemble, moins en symbiose,
On ne le voit pas, mais ici, on le voit là, à quel point on utilise les défenseurs là, pour Alliance et ça l'ouvre le jeu complètement. Et encore une fois, on vient s'installer en zone ennemie. Et oui, encore Kéké fait d'excellent travail, Braz. Kéké là, qui va refiler au défenseur. Le tir est tenté deux fois alors que Braz se relève péniblement entre-temps. Et Alex là, qui provoque une autre mise en jeu à sa gauche. Encore une fois, on va reprendre à sa gauche. Et ce qui les aide, c'est définitivement la flamme là, qui remporte ses mises au jeu face à Kéké. Il a un tir dès le départ de la part de Poitiers. Ça a été bloqué par la jambe droite d'Alex. Ok, cherche une option, on est très bien. Le tir de but sur le pivot! Braz, son deuxième, c'est 5-1. Magnifique. Encore une fois, extrêmement rapide. On réussit vraiment à créer les jeux, à créer le jeu qu'on veut là, du côté de Lions. Et là, on retrouve une avance de 4 buts en cette deuxième période. Mise en jeu qui va être remportée par la flamme, refile à son défenseur, Dumais. On y va d'un dégagement qui va être. Qui va se poursuivre et finalement ça sera refusé. Et on reprendra en zone des Young Guns avec 11 minutes à écouler en deuxième période. Alors, ici encore une fois, on reste en territoire ennemi là, pour Alliance. On ressort tout de suite avec encore une fois une victoire de mise en jeu de la flamme. Oui, beau jeu de Sandin. Là, ça sera un surnombre. Poitiers va s'amener en compagnie de Noix. Un tir de ce dernier et Alex ne prendra pas de chance, va jouer de prudence. Et il va provoquer un duel pour la rondelle à sa droite. Je suis surpris de voir un lancer ici. Là. Je pensais qu'on allait avoir une passe de plus. C'était un tir assez faible là, qui était vraiment directement devant Alex. Donc on arrête ça et ça se stoppe rapidement. Kéké qui a remporté son duel. Là, les Young Guns qui se tendent de sa main. Tir bloqué par Ronois. Un retour tant un tir décoché d'un angle très restreint. Et Belzébuth ne prendra pas de chance. Va immobiliser le disque auprès de son corps. Donc, Belzébuth n'a pas à s'illustrer énormément durant ce match-là, mais fait les arrêts nécessaires. Et encore une fois, elle vient stopper la rondelle. On reprend à sa gauche. Kéké qui commence à bien repousser la flamme à la mise en jeu. Là, c'est Poitiers. Au cercle gauche, Poitiers étend le bâton. Le tir, l'arrêt d'Alex au dépens de Braz. Et là, Onoy qui n'a pas empêché la sortie de territoire. Là, c'est Miles qui renvoie Poitiers solidement frappé en entrée de zone. Un disque qui va être renvoyé plus loin, là, c'est Dumais qui renvoie un de ses attaquants. Bon contact de la part de Honoy. Incursion dans la face. Le tige! Belzébuth qui sort la jambière. Il n'y aura pas de retour. 7-25 à écouler en période médiane. C'est 5-1. Quel arrêt de Belzébuth ici qui vraiment là, garde son équipe là, avec. J'allais dire dans le match, mais c'est une. En fait, il garde une confortable avance de 4 buts. Mais vraiment, là, lorsqu'il doit s'illustrer, il le fait. Et là, on s'amène à 2 contre 1. Attention, Kéké a tenté de rejoindre Braz, la rondelle qui passe tout juste à la gauche d'Alex et ça n'ira pas plus loin. Beau jeu du défenseur ici qui a plongé pour couper la passe. On laisse le tir au joueur, mais vraiment, ça ne laissait pas grand choix du côté d'Alliance. Et on va reprendre une fois de plus à la gauche d'Alex. La flamme contre Kéké. Kéké qui commence à repousser de plus multiples occasions. La flamme, là, la mise en jeu, ça ne rapporte. Pendant les Young Guns, ça mène en zone offensive. On renvoie la ligne bleue. Un tir tenté de la part de Dumais. Belzébuth n'a d'autre choix que de sortir la rondelle. C'était vraiment une belle arrêt de la mitaine ici du côté de Belzébuth. C'était pas un tir qui était extrêmement vif, mais ça aurait clairement pu être un but. Et on voit ici là, la statistique de mise en jeu remportée. Donc on est à 18 contre 12. Donc un des matchs les plus serrés qu'on a vu, là, je dirais quand même, là, jusqu'à maintenant, on avait vraiment quand même souvent là, des grosses disparités. Entre les mises en jeu remportées d'un côté ou de l'autre. Belle incursion en zone offensive d'en parler. Un gazin tire dans le placement de Belzébuth. Et il va immobiliser la rondelle sur la glace avec 4-0-6 à écouler dans le deuxième tiers. Une période qui a paru quand même longue. Il y avait énormément d'arrêts de jeu durant cette période. Peu de pénalités. Donc, ça, c'est un très bon point là, du côté de Young Guns qui était beaucoup plus discipliné que durant la première période. Et ça leur a rapporté un but quand même. Mais on n'a pas réussi à creuser un écart de plus de 4. À réduire l'écart de 4 buts. Oh, Poitiers a tenté d'y aller de fantaisie avec la passe entre les patins. La rondelle qui est toujours libre. Attention, c'est Braz qui va s'amener. On est en repli défensif. Braz a beaucoup de vitesse. La fin de tir de but! Braz! Son tour du chapeau, c'est 6-1. Et quelle feinte ici! On a complètement déculotté le gardien Alex qui a dû se commettre. En échappé, on n'a pas grand chance, mais là, on a dû se commettre à sa droite. Et finalement, on a ramené ça. Ah, la droite, en fait, là. C'est Poitiers qui a marqué? C'est Braz qui a marqué son troisième. Désolé. Donc, à la droite de Braz. Et encore une fois, on menace. Et c'est arrêté cette fois-ci du côté d'Alex, qui se fait quand même bombarder là, depuis le début du match.
Ouais, on a complètement ouvert l'espace là, dans le centre de la patinoire au niveau des Young Guns, ce qui a permis à Keke de décocher un beau lancer. Et Keke va perdre le duel contre la flamme. Bel harponnage à part de Potty. Et on voit qu'il ne prendra pas de chance, va retraiter en zone médiane. Le Potty solidement frappé à tenter la feinte d'une main. Ça n'a pas fonctionné. Mays qui joue très bien l'offensive. Potty va reprendre. Refile à Keke. Deux contre deux. Keke qui déborde le défenseur. Galaronnet le tir. Le plongeon qui a fonctionné. Qui a déjoué Keke au niveau d'Alex. Contre-attaque dans les 10 dernières secondes. Mays qui va d'une mise en échec se compromet. Surnombre le tir qui ne viendra pas. Au niveau des Young Guns et le dégagement jusqu'à l'autre bout qui sera réussi. Et c'est sur ça qu'elle va prendre fin ce deuxième 20. The Alliance Hockey Esports qui allait devant 6-1 contre les Young Guns. Et quel arrêt d'Alex en fin de période. Vraiment, là, c'est ça l'a gardé l'équipe là, à une distance de 5 buts. Je crois que ça, c'était le tour du chapeau, si je ne m'abuse, ce que j'ai vu dans le nom du highlight. Mais bref, c'est la domination là, jusqu'à maintenant du côté d'Alliance en termes de buts. Par contre, j'aime ce que je vois là, du côté de Young Guns lorsqu'on est à l'attaque. Là, on tente de chercher des jeux. On a de la difficulté, évidemment, là, défensivement, à couper les passes et le jeu extrêmement rapide de l'Alliance. Donc ça, c'est quand on a une équipe qui a une synergie comme ça, là, qui sait exactement où on va être, où c'est très difficile à défendre en 6 contre 6. Donc, on va voir si on peut s'adapter pour la troisième période. Les tirs sont de 18 contre 10, donc quand même 10 tirs. On s'illustre du côté de Belzébuth à plusieurs reprises. Mais le temps de possession est du double là, pratiquement là, pour Alliance Esports. Donc, on s'installe en territoire ennemi. On réussit vraiment à garder la rondelle. Et du côté, sur le plan défensif, on s'illustre à maintes reprises du côté de Belzébuth lorsqu'on en a besoin. Donc, toujours aucune pénalité aussi du côté d'Alliance. Ça démontre une équipe disciplinée. C'est déjà mieux là, du côté de Young Guns pour la deuxième période. Donc, tentons d'avoir une période sans punition là, en troisième période. Et potentiellement là, de revenir un petit peu de l'arrière en termes de buts, mais ça va être difficile avec Belzébuth dans les buts. Ils ont été remportés par Keke. C'est Braz. On va de l'autre côté. Poitiers qui est frustré par Alex. Keke entre les patins. On a refilé dans l'enclave. Et la rondelle qui va revenir, qui va même s'amener, qui va être retournée dans le territoire de The Alliance. Young Guns, un tir, Belzébuth qui s'illustre encore une fois et qui va emprisonner le dispo près de son corps. Ouais, encore une fois, là, viens fermer la porte. Là, c'est sur le lancer qu'il ne faut pas donner de retour. Et on conserve la rondelle. Et The Alliance qui mène 21-14 au chapitre des mises en jeu. Et c'est maintenant 22-14. Miles, l'autre côté à Onoa. Onoa à Keke. Keke a de l'espace. Une feinte. On va derrière. Abraz, qui a pratiquement réussi son quatrième de la soirée. Là, c'est au tour des Alliances de s'amener. Keke refait Abraz. Abraz qui était attendu en territoire central. Potty a été incapable de décocher un tir sur Alex. Il va se poursuivre 3 contre 2. Bel harponnage de la part de Abraz qui était resté en zone défensive. La passe qui va passer devant Belzébuth. Et on entend le sifflet. Infraction à des Alliances. Là, c'est une opportunité ici en or, là, en territoire adverse, pour Young Guns d'aller marquer un but, mais malheureusement, on réussit à sortir en zone neutre du côté de l'Alliance. C'est Potty qui va s'amener. Attention, Keke fin seul. Le tir rate la cible à la droite du gardien. Keke va reprendre. A de l'espace. La transversale, c'est le but! Mays qui marque et c'est 7-1. Et quel beau but, encore une fois, là, la passe transversale. Le jeu extrêmement rapide, un tir parfait dans la lucarne, vraiment un tir sur réception, donc pas du tout de chance du côté d'Alex là-dessus. Et c'est, comme tu mentionnes, 7-1, vraiment là, on joue extrêmement bien du côté d'Alex. Attention, on tente de contre-attaquer au niveau des Young Guns, on rate la cible à la droite de Belzébuth. Belzébuth qui a feinté de se déplacer, rondelle qui va bondir sur le dessus de la cage. Bonne mise en échec de la part de Mays derrière Belzébuth. Et on contre-attaque au niveau de The Alliance. Ce prochain but là, qui est marqué pourrait immédiatement mettre fin à la rencontre. Potty à Keke. Keke qui cherche une option. Bonne mise en échec. Alors que c'est Potty qui a pris du temps avant de se relever. Les Young Guns ont une passe dans la clave. C'est Belzébuth qui sort la mitaine. Il faut garder le pointage identique. Potty avec la rondelle. Potty. L'autre côté, la feinte de trop! Et malheureusement, Brass qui est incapable de compléter
On a peut-être fait preuve un peu trop de générosité en ce moment au niveau de DLS. L'attention, Belzébuth, la rondelle prise entre ses jambières. Et ça va être en arrêt de jeu avec 11-17 à faire en troisième. Donc vraiment, là, alors qu'on voit une mise en échec solide dans le coin de la patinoire. Donc on tente de créer quelque chose du côté de Young Guns. Par contre, on se bute à Belzébuth. Et c'est difficile de marquer présentement, alors qu'on est toujours à une mise en échec solide et on reste allongé sur la patinoire, alors qu'on va avoir une pénalité du côté de Young Guns. On fait trébucher, donc je crois pas que c'était sur ce coup. Non, effectivement, c'était pas la mise en échec qui était à l'endroit de Poitiers. Alors, on joue à 5 contre 4. C'est la première fois ce soir au niveau des Alliance qu'on évolue avec un joueur. Cinquième fois qu'on évolue avec un joueur en plus. Rondelle qui revient à Mize. Mize à Aunois. Aunois, le long de la rampe, vers Braz, Kiki, qui reprend dans le coin. L'envoie à Aunois. Oh, qui donne le disque littéralement à Young Guns. Ça sera un échappant des avantages numériques. On s'amène. La fin de tentée! Heureusement pour Aunois. Belzébuth va trouver une façon d'emprisonner le disque entre ses jambières. Et ça a passé bien proche ici de compter dans son propre filet. Là. Belzébuth qui vient fermer les jambières et empêcher ce but-là. 13 à faire en avantage numérique. 9,57 au dernier tiers. Un tir dès la reprise de l'action. Et on va se chamailler une fois de plus pour obtenir la rondelle à la gauche de Belzébuth. Voyons voir si on peut remporter la mise en jeu du côté de la flamme et de créer quelque chose. Je rappelle qu'on est en avantage numérique pour une minute encore du côté d'Alliance. Oh, beau jeu. Et c'est de parti pour un 2 contre 1. Effectivement, Braz. Oh, beau repli. L'attention. La passe de trop de la part de Poitiers. Mais ce qu'il va récupérer. Il va refiler à Aunois. Aunois. À Kéké, derrière à Mize. Mize à la pointe gauche, va descendre vers le cercle. Rondelle qui bouge très bien en zone périphérique. On revient devant le tir, le but! C'est terminé! Et voilà, partie terminée avec la Mercy Rule. On était à 23 tirs contre 14, 7 minutes 26 de possession contre 3 minutes 48. Donc quand même, mention honorable là, à Young Guns qui ont quand même réussi là, à tenir tête à un club qui est extrêmement solide et coordonné d'Alliance. Je suis vraiment surpris là, quand même là, qu'on réussisse à stopper là, comme ça cette équipe-là. Le score, c'est une chose, là, mais en termes de jeu, là, c'était pas vraiment ce que ça a reflété au niveau du score. Je ne sais pas si tu es d'accord, Luc, là, mais il y a quand même eu quelque chose là, du côté de Young Guns tout le long. On a vraiment tenté de bombarder le filet, là, d'aller chercher certains jeux, mais Belzébuth qui a vraiment été un excellent atout là, pour Alliance Esports tout au long de la partie. Non, effectivement, Young Guns qui, de son côté, là, quand même, offert des bonnes contre-attaques à quelques moments durant la rencontre. On a été en mesure de cogner à la porte également de Belzébuth. Malheureusement, les Tics ont souvent été hors cible ou encore on a manqué de synchronisme afin de déjouer Belzébuth sur son déplacement latéral. Ça n'a pas fonctionné malheureusement pour Leon Goss, mais et du côté de Alliance Hockey Esports, on a fait de l'excellent travail. On a bien contrôlé la rondelle. On est en mesure toujours de se donner de l'espace en zone offensive. Alors, on a fait ce qu'il fallait absolument faire au niveau de The Alliance. Et ça inaugure très bien, là, peut-être, avoir une bonne chance d'intégrer le tableau des 32. Oui, et on voit vraiment là, qu'il y a certaines équipes là, qui ressortent là, comme étant des équipes qui jouent extrêmement bien ensemble. Donc, encore une fois, là, bien fait du côté de Alliance qui rejoignent le groupe là, des équipes à surveiller. Là. Je sais qu'on est rendu dans la Xbox, mais on a eu Accuracy, on a eu Ottawa. Donc là, on s'entend qu'Alliance, jusqu'à maintenant, là, ça se passe extrêmement bien. Et là, on va voir pour la prochaine partie là, qui va se dérouler. Ce sera Resilience, qui sont un des clubs favoris pour ce tournoi, une équipe canadienne excellente. Et on a ce qui semble être un des favoris, en tout cas, du public, parce qu'on est présentement là, dans les commentaires sur nos plateformes sur YouTube, Twitch et Facebook. On a des commentaires de plusieurs personnes sur Twins qui vont jouer le prochain match. Donc, ce sera de voir si on peut tenir tête à un gros club comme Resilience. Et je pense que ça va être un match très attendu de nos téléspectateurs. Et la question qu'on se pose maintenant, est-ce que c'est un affrontement qu'on aurait dû voir peut-être un peu plus tard en séries éliminatoires? J'ai bien hâte de voir. Je regarde la composition des deux équipes. Au niveau de Resilience, on a John, Roots, Fogg, Lafleur, Drops et on a Vince devant le filet. Au niveau de Twins, je n'ai pas les alignements. Vois, au centre, on a Caillou, on a AJ en ailier droit. En ailier gauche, on a Lil Sed. Et en défense, on a Son, Jack et Big Twins avec Volts comme gardien de but. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, ces joueurs-là, si moi capable
En fait, à quel point les deux équipes, si on va voir une certaine différence dans la cohésion, dans la synergie de ces joueurs-là, est-ce qu'il y a une équipe qui va s'illustrer, comme on vient de faire un peu là, au niveau de Lions, pour aller chercher là, ce contrôle-là de la rondelle dans le territoire ennemi? C'est ça qu'on remarque vraiment dans les équipes qui sont à l'aise. Une rapidité de jeu, des passes vives, des passes transversales, des lancers sur réception. Lorsqu'on est en défensive, on sait où se positionner. Donc, on va voir là, vraiment là, ce qu'on est capable de faire, alors qu'on va se lancer dans le match rapidement. Alors, on va le rejoindre dans les prochaines secondes. Ce sera un match qui était longtemps attendu, et voilà, par les gens dans le chat. Donc, merci à tous d'être là encore une fois pour la coupe, la première coupe RDS jeux vidéo présentée par RDS et Vision en collaboration avec La Source. Et c'est parti, Luc, pour ce cinquième match de la soirée qui oppose, je rappelle, Twins Club et Resilience. Oui, effectivement, Montréal qui est en noir et Resilience qui est en bleu. Alors, présentement, c'est Montréal qui est devant. Et c'est le but dès le départ! C'est 1-0. C'est Resilience, pardon, qui vient de marquer. Wow! Et là, très, très, très rapide. Et là, ça, il ne faut pas se laisser abattre par un but rapide comme ça. Mais là, c'est définitivement bon pour le moral du côté de Resilience là, qui vient marquer vraiment, vraiment rapidement. Donc, on va voir si ce sera à l'image, là, si le match sera à cette image ou si ça pourra s'arranger. Effectivement, le jeu qui a repris, on s'est retrouvé dans la zone centrale, on se bataillait pour la rondelle. Et le disque qui va passer bien près d'aller quelque part, on a quelques petits problèmes techniques de notre côté. Bon, le jeu qui se poursuit, n'inquiétez-vous pas, pour une fois que ce n'est pas le serveur de EA qui a rendu l'âme, ça c'est la bonne nouvelle. Absolument, donc on se lance dans le tour. C'est toujours, c'est 2-0 déjà pour Resilience, on a manqué un deuxième but. Donc, ça se fait extrêmement rapidement. Et là, c'est le troisième déjà, c'est 3-0 après 3 minutes de jeu. OK, donc on voit que l'équipe Resilience qui est dans les meilleures équipes au pays, en fait, dans 6 contre 6. Et c'est extrêmement rapide là, comme jeu. Là, 3 buts déjà en 3 minutes comme ça, là, ça c'est quelque chose. C'était le troisième but de la rencontre de John Bree. Aïe, aïe. Il a hors-jeu au niveau des Twins. Alors, les favoris sur Internet ne sont peut-être pas satisfaits en ce moment. En tout cas, les partisans de Twins TTV. Écoute, c'est pas terminé. C'est toujours... ce n'est 3-0. On a déjà... en fait, c'est 3 tirs et 3 buts. Donc, on a pris, je crois, un temps d'arrêt du côté de Twins. Est-ce que ça se peut? Il semblerait que oui. Oui, donc il restera... Donc, il y aura plus de... Ouais. Oui, donc c'est bel et bien une pause qui a été effectuée en ce moment par les Twins. Donc, on va faire un temps d'arrêt. On va peut-être essayer de se recentrer quelque peu, apporter des légères modifications. Statistique intéressante. On a 0 seconde de temps de possession présentement là, du côté... Et voilà, on a nos premières secondes de possession là, du côté de Twins. Et on va tenter de se retrousser les manches et de retourner au combat alors qu'on retourne en territoire ennemi du côté Resilience. Là, c'est Fogg qui laisse le côté à Roots. Roots qui va refiler à la fleur. La fleur à Fogg. La mallette, c'est le but! Et devinez quoi? C'est 4-0 pour Resilience. John contre Twins. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est extrêmement rapide. Est-ce que c'est John Bree qui a encore compté? Oui, monsieur. Au quatrième but du match avec une passe parfaite, une passe savante là, à partir de la ligne droite. Et donc, on reprend là, en zone neutre. Et vraiment, là, c'est ça se passe extrêmement vite, le truc du Resilience. Roots revient devant. Et la rondelle qui est toujours dans l'enclave. Bonne mise en échec pour venir faire le ménage entre les deux cercles. Et là, c'est Resilience qui va récupérer la rondelle. Bon contact également qui a été occasionné par Resilience. Bon pivot, protège bien la rondelle. Rondelle qui est récupérée par Roots. Il va renvoyer vers Drops. Drops ensuite à Fogg. Fogg, belle feinte. Fogg, ensuite... Vers John qui a tenté d'y aller d'un 5 en l'espace de 10 minutes de jeu. Ça s'est intercepté par Roots. Roots avec la rondelle qui est toujours en zone offensive. On était tout près du hors-jeu. Et finalement, on l'était hors-jeu. Et on reprendra donc en téléphone. Donc, on réussit à calmer le jeu un petit peu là, ici là, du côté de Twins. Toujours 4-0 en cette première période et on va tenter de créer quelque chose. Mais pour l'instant, là, vraiment, le temps de possession, là, c'est massif. Là, on a vraiment un jeu d'équipe impressionnant du côté de Resilience.
On tente de relancer l'attaque ici du côté de Twins. Oui, et au niveau de Twins, on relance. On s'amène en zone centrale. La rondelle qui va aboutir sur le bâton de Fogg. Fogg qui a refilé à Lafleur. Lafleur. La ligne bleue vers John Bree. Bree, dans le coin, bien surveillé. Ruth, c'est le but! John Bree! C'est 5-0! Mais ça semblait être un angle impossible. Là. Je me demande si on n'aura pas eu le temps de réagir du côté de Volts. Là. Je pense pas qu'on s'attendait à un tir aussi vif, aussi rapidement. Et on va chercher un cinquième but en cette première période. J'ai un mot qui me vient en tête. Aïe. Oui, aïe, c'est certainement, effectivement. Le jeu qui va se poursuivre au niveau de Twins et finalement le disque qui va revenir jusqu'en zone défensive pour l'équipe de Montréal. Twins, on sort le doigt qui était entendu. Finalement, la rondelle qui va revenir en zone centrale, ça a été bloqué par Drops. Drops va s'amener sur nombre. Drops, la passe devant le filet. Oh, on a arrêté toute une chance d'en inscrire un sixième. Et c'est un petit peu trop tard, par contre. Le tir n'est pas venu assez rapidement. La passe un petit peu tardive aussi. Et l'angle était complètement fermé. Là. Donc, on recommence à nouveau l'attaque. On retourne vers la pointe. On voit vraiment la bonne rotation des joueurs. Regardez à quel point ça bouge devant le filet et à la pointe. Effectivement, Bree là, qui circule bien la rondelle. Refile vers Fogg. Ensuite, ça a été Roots là, qui a essayé de rejoindre Bree sans succès. Lafleur en pression sur le portant de la rondelle. Bonne mise en échec de la part de Roots. Ça ouvre la porte à Fogg. Fogg, l'autre côté à Roots. John le tire et ça va être maîtrisé par le gardien Volt. Volt aussi qui réussit à faire l'arrêt, effectivement. Donc, 3 minutes à faire en cette première période et on voit vraiment là, l'aisance des joueurs là, à jouer à 6 contre 6. Et c'est très difficile de réagir à ça. Là. Des passes aussi vives, une bonne rotation comme ça. Là. Donc, le jeu défensif, c'est assez difficile. Mais Twins réussit à s'en sortir. Là. On a calmé le jeu et on retourne en zone offensive. La passe tentée de la part de Twins qui va nulle part. Rhodes, oh, belle passe à l'arrière. À John Brick, laisse à Drops. Rondelle qui revient à Fogg. Fogg à Bree. Bree qui tente de revenir devant le filet. Rondelle qui est soutirée encore une fois par Resilience. La passe tentée de Bree. Un petit peu trop de générosité sur le jeu. Et là, c'est Bree qui contre-attaque. Envoie Drops. Drops tire frappé. Ça a été bloqué en défensive. Bree reprend à Fogg. Tire bloqué. Et on est dans les 10 dernières secondes de jeu. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière contre-attaque? On va patienter en zone centrale. C'est Fogg qui va rentrer. Belle passe. Le tir. Oh! Bree qui est frustré par Volts. Et on entend la sirène. C'est sur ça qu'elle va prendre fin cette première période qui, disons-le, s'est déroulée très, très vite pour Twins. Absolument. C'était assez impressionnant. Là, John Bree qui a déjà un tour du chapeau en 53 secondes dans cette première période. Donc, c'est difficile de réagir là, pour Volts là, quand on a une attaque aussi oppressive que ça. Donc, on va devoir se retrousser les manches, retourner au combat là, du côté de Twins pour revenir de l'arrière. Mais on s'attend que c'est une équipe qu'on le savait déjà. Le Resilience, c'est une équipe qui est dans les meilleurs au pays. C'est un jeu qui est rapide. Les joueurs sont très bons individuellement. Les mécaniques sont là. On est précis dans nos lancers. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu d'occasion de marquer du côté de Twins. On cherche là, la possession de la rondelle. On veut se rendre en zone ennemie pour cette possession-là et ce contrôle du disque. En fait, on n'a aucun lancé du côté de Twins jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi vraiment à contrôler le disque. On a une quarantaine de secondes de possession contre presque 5 minutes pour Resilience et les 8 lancés. Donc, on parle d'une domination assez complète là, pour la première période. Mais comme je dis, c'est tellement difficile de s'adapter à ça. Donc, il va falloir prendre un premier tir du côté de Twins. Ça pourrait être le tir qui débloque tout. Donc, pour l'instant, il faut garder le moral, retourner en deuxième période de façon forte, puis surtout rester discipliné. Et Étienne, je te dirais surtout, qu'est-ce qui fait mal en ce moment, c'est que c'est pas le temps de c'est quand même le temps de possession en attaque avec la rondelle, mais tout de même, là, on voit qu'on est souvent pris avec la rondelle en zone défensive, et ça peut pas donner grande chance de marquer non plus. Absolument. Donc, on va voir si on est capable faire tourner le vent. Et renverser la vapeur du côté de Twins, alors que pour l'instant, on retourne en zone neutre. Et là, on vient de rajouter 2 secondes au niveau de Twins avec la possession de la rondelle en attaque. Attention, on a une belle chance de s'introduire entre les deux arrêts. Ça ne fonctionnera pas. Rhodes va s'amener avec Fogg. Fogg, au cercle gauche, renvoie derrière la ligne bleue à Lafleur. Lafleur cherche une action transversale tentée devant le filet. Rondelle toujours libre. Le tir, ça a été bloqué par Volt. Lafleur qui va descendre pour tenter de retarder de la sortie de territoire. C'est fait maintenant. Et les Twins vont s'amener. Un tir tenté, belle arrêt de la part de Vince.
C'était un beau jeu de passe. On attendait de créer quelque chose du côté de Twins. Là, on voit là, une flamèche là, se créer du côté de Twins. Et on a ralenti là, les buts. Je pense que ça va s'en venir de pratiquement pas vite. Là. Attention, Lafleur qui va accueillir la rondelle à la ligne bleue. Tente une passe vers Bray. On commence à être un petit peu plus efficace en défensive au niveau de Twins. Oui, on a resserré le jeu autour du filet. On ne permet pas là, les passes transversales comme on s'est fait compter là, dans les premiers buts. Donc, on s'est adapté là, définitivement au niveau de la défensive, comme tu mentionnes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre possession du disque et d'aller à l'attaque. Donc, ce qui a été d'une passe là, Bray. Attention, toujours avec la rondelle. Par le disque, ça va aller à Fogg. Fogg qui patiente. Tente d'attirer un joueur. Là, c'est Rhodes qui renvoie dans le coin. Fogg est là pour revenir, pour reprendre le disque. Même chose pour Rhodes qui se fait soutirer la rondelle. Et finalement, ça va se rendre jusqu'en zone offensive pour les Twins. Lafleur récupère la rondelle une fois de plus. Fogg s'amène. Oh, belle fin! Oh. En haut des cercles. La passe de trou. En fait, la fin de trou qui fait en sorte que les Twins vont récupérer la rondelle en zone défensive. On cercle à gauche. John Brick intercepte. Attention, on s'amène à la fin de tir, le but! Fuck, il marque. Luc, on ne peut pas laisser John Brick tout seul devant Volts. C'est une mauvaise idée. Petit match de merde qui marque le sixième des siens. Alors, est-ce qu'on va appliquer la règle, la Mercy Rule en anglais, dès la deuxième période? Ça serait la première fois de la soirée qu'on verrait ça se produire en moins de 40 minutes de jeu. Absolument. C'est certain que pour l'instant, là, c'est difficile à se défendre. On a réussi à s'adapter, à ralentir le tempo du côté de Twins, mais encore une fois, là, c'est difficile de complètement là, étanchéiser un jeu là, comme celui de Resilience. Bray qui a été frappé solidement en zone offensive. Attention, les Twins qui tentent de contre-attaquer. Lafleur va reprendre, renvoie contre-courant avec des tensions doubles. C'est Bray qui saisit le disque. Bray dans le coin droit. Bien surveillé, rondelle qui va glisser pour aller jusqu'au cercle gauche. Sortie de territoire qui est orchestrée, rondelle captée devant le banc de Resilience. Là, c'est Doubs qui saisit, qui capte la rondelle une fois plus, qui va s'occuper de contre-attaquer. Doubs va Rhodes. Rhodes le long de la rampe dans le coin maintenant. Bien surveillé, refait la Bray. Bray dans le coin, ça va se rendre jusqu'à Doubs. Doubs tire bloqué devant la cage de Volts. Attention, Rhodes tente un tir deux fois, touche l'extérieur du poteau. Là, c'est les Twins qui vont trouver une façon de sortir. La station 1 contre 1 qui va se produire. Lafleur, bonne mise en échec. Le tir! Quel arrêt de Vince contre l'attaque des Twins. Encore une fois. Et finalement, ça sera remis. Oui, à 12. Et Rhodes tente de renvoyer plus loin. Et là, c'est l'équipe des Twins qui va contre-attaquer devant leur banc. Rondelle qui se retrouve derrière Vince. Rhodes, Fogg, toujours avec la rondelle. L'autre côté à John Bruce a été bloqué par le défenseur. Et contre-attaque rapide au niveau des Twins. On se retrouve derrière la cage de Vince avec moins de deux minutes à faire le tir. On passe tout juste à la gauche de la mitaine du gardien Vince. Le Rhodes, en entrée de zone, reprend possession de la rondelle après avoir échappé le disque. Rhodes, à Dobbs. Doubs se fait rejoindre rapidement. Beau jeu de Lafleur qui harponne très bien. Encore une fois, Fogg reprend et on entend la sirène. C'est terminé donc après 40 minutes de jeu pour cette deuxième. C'est terminé pour cette deuxième période, oui, après 40 minutes de jeu. C'est 6-0 pour Resilience. On a réussi quand même vraiment à s'adapter au niveau défensif, comme on mentionnait plus tôt dans cette période. C'est vraiment beaucoup moins dangereux dans la zone des Twins. On réussit à fermer le jeu, à couper les passes, à avoir des bonnes mises en échec, reprendre la rondelle. Et on a vraiment vu quelques occasions de marquer le naître durant cette deuxième période, surtout vers la fin de la deuxième. Donc, on n'avait aucun lancé durant la première période. Là, on s'est adapté. On a obligé Vainex à se démarquer, à se réveiller un peu là, puis à être là. Donc, on a eu deux tirs durant cette période. On a eu une autre minute de temps de possession, en vrai, une minute 15 de plus. Mais c'est sûr que c'est vraiment, pour l'instant, une domination au niveau des statistiques pour Resilience. Et au chapitre des buts aussi, 6-0. Par contre, si on continue à pousser en troisième période du côté de Twins, je pense qu'on peut aller chercher au moins un but. On a réussi à créer deux bonnes occasions de marquer en fin de période.
que l'objectif, c'est, ça serait simple comme au vrai hockey, là, c'est de remporter cette troisième période, je pense, au niveau des Twins. Absolument. On veut remporter la troisième période. On veut aller au moins marquer un but, continuer sur la lancée de la fin de la deuxième du côté de Twins et du côté de Resilience. Bien, c'est certain qu'on vise là, à mettre le clou dans le cercueil avec la Mercy Rule à 7-0. Et attention, 2 contre 1, Fogg. Rafale, l'autre côté à Bray. Bray, Fogg aurait la cible! On avait le 7e but au bout du bâton. Ça a vraiment passé de près, mais on a raté la cible, comme tu mentionnes. Et voilà, Bray qui reprend une fois de plus. Lafleur tente une feinte à une main. Ça ne fonctionne pas. Contre-attaque de la part de Twins. La rondelle qui va glisser dans le coin droit. Lafleur saisit de nouveau. Laisse à Fogg. Fogg, toujours une belle feinte. Rentre avec Rhodes. Renvoie de l'autre côté à Bray. À Dubes. Dubes vers Bray, qui était surveillé par 2 joueurs. Contre-attaque de Twins. Les Twins s'amènent le long de la rampe au cercle droit. Renvoie derrière. On refile au défenseur. Il y a de l'espace. Le tir, ça a été bloqué devant le filet. Vince, qui évite de perdre son jeu blanc. Dubes vers Bray. Beau jeu bien calculé de la part du défenseur droit. Et toutefois, ça sera un dégagement qui sera refusé après 5 minutes de jeu en troisième. Mais on voit vraiment là, la différence dans le style de jeu et dans la façon de jouer de Twins du début de la partie versus ce qu'on a maintenant. Là, on voit plus du tout Resilience dominer là, au chapitre de la possession. Là. On a réussi à sortir la rondelle très rapidement de sa zone du côté de Twins. Il aurait fallu commencer la partie comme ça, malheureusement. Là, c'est un peu difficile de revenir l'arrière à 6-0 en troisième. Mais pour les prochains matchs, c'est de bonne augure pour eux parce qu'on voit qu'on s'est bien adapté au niveau défensif. On crée des occasions de marquer en offensive. Et vraiment, on n'a plus cette domination totale qu'on avait en première période. Exactement. Et le Rhodes, le Seabury qui tente de reprendre, n'y parvient pas. Il va être là le premier. Il laisse derrière à Lafleur, à Fogg. Fogg, toujours. Disque qui va glisser, ça va se rendre jusqu'à 12. 12. Dans la pointe droite, refile à Lafleur à la ligne bleue, à la pointe gauche. Ensuite, à Fox encore une fois. Là, Bria qui rate la cible de peu. Disque qui va glisser jusque dans le coin droit. Il y aura pénalité à retardement. Voilà, ça sera fait. Donc, avantage numérique pour Resilience. Est-ce que c'est la chance qu'on espérait pour faire 7-0? Ça ressemble à oui. Ça ressemble à ça, effectivement, Luc. On va voir si on est capable de capitaliser là-dessus. Effectivement, si on a un bon système de jeu comme on le faisait au début de match, là, ça devrait être une bonne structure qu'on va voir. Là. Le tir tenté de la part de Fogg, ça rate la cible. On a le qui va glisser. Là, il y aura on a le bras levé. Ça sera 4 contre 4 pendant 1 minute 36. 2 minutes pour avoir donné de la bande. Et c'est John Bray qui est chassé. Et là, ça pourrait donner l'espoir ici là, aux Twins de venir marquer au moins un filet, marquer au moins un but durant ce match. Les enjeux remportés par Rhodes, Lafleur. Et là, on doit faire sans le meilleur marqueur du côté des Resilience, lui qui a déjà 5 buts au niveau de John Bray. Les Twins qui s'amènent, on de l'espace, la 4 contre 4, évite la mise en échec de Fogg. On a le qui se retrouve derrière Vince. Belle pression de la part de Rhodes. Fogg va reprendre. Fogg. Dubes qui renvoie la politesse à ce dernier. Fogg tente de couper au centre, n'y parvient pas. Renvoie la rondelle derrière à Rhodes qui évite le contact. Rhodes, attention à l'espace de côté. Oh. Et voilà, c'est terminé. 7-0. Deuxième du match de la part de Fogg. Et voilà, et c'est fait. Donc, on parle de environ 5 fois, 4 à 5 fois le temps de possession là, du côté des Resilience versus celui des Twins. 3 tirs au but versus 11. Donc, on a eu pas tant de tirs au but pour les 7 buts, mais c'était à chaque fois des tirs de qualité. Donc, vraiment des passes transversales qui ne pardonnaient pas, des tirs sur réception. Donc, vraiment, là, c'était extrêmement bien fait du côté de Resilience. On voit que c'est des favoris dans le tournoi. On voit pourquoi. Donc, remporter de cette façon-là. Par contre, je lève mon chapeau à Twins qui a réussi à s'adapter quand même au style de jeu de Resilience et à vraiment fermer le jeu durant la deuxième période et la troisième période. Donc, malheureusement pour eux, c'est un match qui se termine d'avance, mais j'ai bon espoir pour eux dans les prochains matchs là, qui pourraient s'adapter et pouvoir capitaliser sur des bonnes occasions de marquer qu'ils ont eues durant la deuxième portion de la partie. Je l'espère, mais disons qu'au niveau de Resilience, on a probablement lâché l'accélérateur après les 5 buts marqués rapidement en 3 minutes de jeu. On voyait Rose là, à certains moments qui ne prenait même pas les mises en jeu pour donner une chance aux Twins. Donc, écoute, si on mentionnait que c'était une des équipes favorites pour le tournoi sur la plateforme Xbox, je pense qu'on vient de comprendre rapidement pourquoi, Étienne.
Absolument. C'est vraiment une équipe qui est favorite et on voit la synergie qu'ils ont, autant défensivement qu'offensivement. Là, on voit qu'on ferme le jeu en défensivement, on coupe les passes, on sort de la zone très bien, on contrôle facilement le disque dans la zone neutre. On a des joueurs qui ont un bon talent individuel aussi. John Brick s'est illustré avec un tour du chapeau en 53 secondes de jeu au début de la partie. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est une équipe à surveiller qu'on verra probablement en 16e de finale ou en quart de finale, peut-être même en demi-finale, qui sait. Mais c'est la domination qu'on a vue la plus grande là, en première période de la journée. Par contre, il faut se rappeler aussi l'accuracy en début de soirée qui avait vraiment eu une bonne domination aussi. Donc, on va voir comment ça se passe pour la suite là, du côté Resilience. Oui, je serais curieux de savoir, advenant une ligue qui est vraiment créée internationalement là, au niveau du 6 contre 6, je me demande si ce n'est pas les trois buts les plus rapides marqués à 6 contre 6 en début de rencontre. Ça serait intéressant d'avoir la statistique. Oui, effectivement. Ça serait de voir. Eh bien, pour l'instant, en fait, ce qu'on sait, c'est que c'était un autre match qui se complétait. Il en reste un toujours qui va se disputer sur la Xbox One. Et ce sera Nabokov contre Viper Esports qui disputeront ce match dans les prochaines minutes. On va aller à une courte pause vidéo et on vous revient tout de suite après. Fait que t'as pas écouté la game hier parce que ta TV t'est brisée. Ça te prend RDS, ça te prend RDS sur toutes les plateformes. Comme ça, si tu veux écouter le match puis que ta TV est brisée, là, tu vas sur ton ordi ou ta tablette ou bien tu tasses ton kid de sur TikTok. 2 minutes, tu prends son téléphone. Alors, encore une fois, je veux prendre le temps de remercier aussi tout le monde qui est présentement là, sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, sur notre diffusion. On vous rappelle qu'on est toujours à la Coupe RDS Jeux vidéo, la toute première. Et on verra si ce sera un événement annuel, si ce sera récurrent. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du monde qui sont là dans le chat, ça commente. On a du monde qui sont là sur toutes les plateformes. Donc, on vous remercie d'être là. Il nous reste un match pour la soirée, mon Luc, et ça se passera sur la Xbox. Et à voir si ce sera une domination, un match plus serré des équipes. Moi, c'est des noms que je connais moins. Mais encore une fois, comme tu mentionnes, il y a le mot e-sports dans Viper Esports. Donc, peut-être que c'est une organisation bien établie. Ben, disons que lors du début de la programmation sur Xbox, on se rappellera des Allianz Hockey Esports a vraiment eu une avance très marquée. Il l'a emporté d'une manière assez claire contre les Young Guns. Alors, dans cet affrontement-là, est-ce que les Vipers partent favoris? Je pense que sans trop se tromper, on peut le dire. Absolument. Donc, ce sera le dernier match de la soirée. On va revenir aussi jeudi et samedi pour suivre le round robin. Et on verra quelles équipes passent au 16e de finale, quelles équipes sortent des round robin pour se diriger la semaine prochaine durant les 16e de finale, quart de finale, demi-finale. J'ai même oublié les 8e de finale. Bref, il y a des matchs en masse. Donc, si ça vous intéresse, revenez nous voir. Je pense qu'on a du bon hockey. Et plus ça va avancer, plus les matchs vont être serrés et fascinants à regarder au niveau de la cohésion entre les équipes. Donc, on est là avec le dernier match de la soirée. Nabokov Teammates versus Viper Esports. Alors, c'est parti. La troisième qui est en route. Et dès le départ, là, on tente de contre-attaquer rapidement la transversale tentée au niveau des Nabokov teammates. Et finalement, on va échapper la rondelle aux côtés de Totone. On tente de renvoyer dans l'enclave, ça ne fonctionne pas. Mais c'est la sortie de territoire qui est organisée par Atlas. Un beau pivot, toujours avec la rondelle. Atlas dans le coin qui laisse à son joueur de centre le tir tenté qui n'aboutira pas derrière le gardien Simard. Sortie de territoire, même entrée de zone de la part de Nabokov, mais on perd la rondelle. Couchard qui tente de sortir de la zone, c'est fait maintenant. On refile vers Atlas. Atlas à la ligne bleue. Ça va revenir. L'autre côté, le titre tenté de but! Oh, et on passe entre les jambières. Et quel premier but dans ce match. Vraiment, ça commence fort pour Viper. Effectivement, Intense Cricket qui marque le premier de la rencontre. C'est déjà 1-0. Doz contre Simard à la mise en jeu. Et c'est Doz qui va avoir le dernier mot. Doz refile plus loin pour Bouchard. Bouchard qui se faufile entre les joueurs. Un tir de loin bloqué par Simard. C'est récupéré entre les deux sacs maintenant par la formation de Nabokov. On se retrouve dans le coin droit maintenant. Rondelle qui est harponnée. Toton qui tente de refiler à sa défensive. C'est réussi. Rondelle qui va prendre aboutir sur le bâton d'Atlas contre Bérubé. Atlas qui échappe la rondelle. Ça sera récupéré par le défenseur Bérubé. Bérubé qui cherche une option. Pas de coéquipier. Voilà, va renvoyer vers Santi qui est solidement frappé.
Cherry refile rapidement. Bon contact à l'intention de Dawes. Cricket, plus loin, dégage. Bérubé va reprendre. Rondelle qui est refilée plus loin. On se retrouve en zone centrale au niveau de la formation Nabokov. Hors-jeu retardement. Rondelle qui est repoussée. Il est l'hors-jeu qui est annulé. Cricket va rejoindre Bouchard. À Dawes, à Atlas de l'autre côté. Beau repli en défensive. Et là, ça sera au tour de Nani de tenter de décocher un tir. Il ne parvient pas. Et la rondelle qui reste emprisonnée en territoire central. Bouchard, belle passe à l'intention de Dawes. Dawes tente une transversale et finalement Simon qui va mettre la mitaine sur la rondelle. Ce sera une mise en jeu à sa gauche avec 9,55 à écouler au premier tiers. Donc, jeu quand même très rapide là, du côté des deux équipes. Il n'y a pas vraiment de grand contrôle du disque là, dans une zone ou une autre. Par contre, on semble avoir un léger avantage du côté de Viper en contrôle de disque. Mais on ne s'est pas encore vraiment installé dans la zone. Là. Donc, potentiel là, toujours ici. Là. Pour Nabokov là, de revenir avec un but là, pour égaliser. Cricket qui a refilé à Atlas. Atlas a tenté un tir, ça a été bloqué. Là, c'est Bérubé qui a la responsabilité de relancer. Il va réussir à rejoindre son joueur de centre. On refile de l'autre côté à l'intention de Totone. Le tir qui va être hors cible. Bouchard qui a de la compagnie là, pour sortir la rondelle. Ça sera fait maintenant. Il va même rentrer avec le disque en zone offensive. Rapidement rejoint par Morin. Et ça sera au tour de Santi de relancer le jeu. On lève qui est bloqué cependant pour Nandi. Longue passe à l'intention d'Atlas. Atlas qui se retrouve dans l'enclave. Le tir qui est bloqué par Simard. Il n'y aura pas de retour. Encore une fois, ça sera au point de mise en jeu gauche du gardien de Nabokov. Oui, donc encore une fois, Simard qui réussit à prendre la possession du disque pour arrêter le jeu. On va reprendre à sa gauche. Et encore une fois, là, je le mentionne, là, le jeu est rapide. On a des bonnes passes, mais jusqu'à maintenant, on ne s'installe pas en territoire ennemi. Mais c'est ce qu'on semble tenter de faire là, du côté de Viper. Et Rubé, qui a la responsabilité de relancer le jeu. Une longue passe diagonale qui va aboutir sur le bâton de Bouchard. Dawes qui rentre rapidement en zone adverse. Dawes qui freine le tir, bloqué par Simard. Retour dangereux. Atlas a passé bien près d'en profiter pour marquer le deuxième de son équipe. Changement de direction. De Cherry. Là, c'est Atlas qui tente de refiler plus loin vers Dawes. Disque qui va revenir auprès de Bérubé. Bérubé tire de loin. Facilement bloqué par Seigneur. Et Bouchard qui se retrouve dans le demi-cercle des officiels. Au cercle droit. Il laisse la rondelle glisser. Atlas va reprendre vers Bouchard. Le tir deux fois bloqué par Simard. Et finalement, ça sera maîtrisé par le gardien avec 1-20 à disputer dans ce premier tiers. Vraiment, là, on bombarde là, de plus en plus Simard là, du côté de Viper. C'est le temps de possession qui est clairement à leur avantage. Ça se fait rapidement. On réussit à arrêter le jeu aussi rapidement du côté de Simard. Donc, pas trop de temps passé dans sa zone. Un tir et le but! Oh! Et c'est Totone qui vient de marquer avec un tir voilé. C'est 1-1 en fin de première période. Même nous, on s'est fait prendre. Luc. On ne l'a jamais vu venir. Un tir rapide voilé. Et c'est l'égalité 1-1 en cette première période. Donc, bien fait du côté de Nabokov. Bouchard le tir. Ça donne la difficulté à Simard. Rondelle qui va glisser de la part de Morin vers Bérubé. Bérubé devant le banc des siens à la ligne médiane. Devant le banc des Vapeurs, tente un tir de loin. C'est bloqué par Seigneur. Et voilà, ce sera la fin de cette première période. Les deux équipes qui ont inscrit seulement un but au tableau. Et après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité, donc 1. Par contre, on a définitivement l'avantage de la possession là, de 2 minutes 22 contre près d'une minute là, du côté de Nabokov. 6 lancés contre 3. Donc, c'est vrai le double de l'efficacité en tout et partout là, du côté de Viper. Même chose pour les mises au jeu. Donc, c'est un match là, qui va légèrement à leur avantage. Par contre, on a réussi à capitaliser sur la belle occasion de marquer qu'on a eue là, du côté de Nabokov. Teammates. Donc, ça en résulte en un match nul pour l'instant après la première période. Donc, je pense qu'on a un bon match là, ici à voir si Viper va continuer là, de garder là, ce léger avantage et d'aller marquer le premier des deuxièmes buts du match. Alors, tout est en place pour la deuxième période. Santi contre Dawes à la mise en jeu. Ça va être remporté par Dawes ou pas avec Atlas. Un tir qui est bloqué par Simard et qui va refiler vers Morin. Attention, revirement. Atlas, un tir frappé. On a étendu le bâton au niveau de la défensive. De Nabokov, et ça porte des fruits. Là, c'est Bérubé. Il a trouvé une façon de relancer le jeu. C'est fait. Bérubé vers Santi. Bonne mise en échec de la part de Bouchard. Autre contact solide ensuite de Cricket. Là, c'est Atlas qui relance le jeu. Ça mène au cercle gauche. Atlas qui est attendu cependant. Et la rondelle va glisser jusqu'en territoire central.
Bonne présence physique de la part de Cricket. L'Atlas avec Dawes. Dawes derrière le but! Atlas qui fait, redonne les priorités à son équipe. C'est 2-1 Vipers. Quel jeu de passe. C'est la passe là, du revers, par en arrière, là, devant le filet. Et vraiment, là, une passe parfaite, tir sur réception. Et là, on n'a pas de chance ici du côté de Simard d'arrêter ça. Vraiment magnifique passe devant le filet, par en arrière. Et c'est ce qui redonne l'avance à Viper. Quel beau but, 2-1. Encore une fois, on a évité, surtout là, sur la séquence, on a évité le hors-jeu de quelques centimètres. Sinon, on n'a pas cette action offensive-là au niveau des Vipers qui prennent les devants 2-1. Et on peut dire merci beaucoup à la jambe qui a été étirée au niveau de Atlas et Dawes. Absolument. Jeu qui reprend. Mise en jeu qui a été remportée par Santi. Rondelle qui revient à la ligne bleue à Bérubé. Bérubé qui est bloqué cependant. Dawes refile à Atlas. Atlas, temps de couper. Le tir, ça a été bloqué par Simard. Pas de retour. Mise en jeu à sa gauche. L'arrêt importante de Simard ici, là, qui réussit à faire l'arrêt de la mitaine pour empêcher là, une avance de 2 buts de Viper. On garde l'équipe dans le match. Et ici, ça pourrait être une mise en jeu importante, là, mais malheureusement, on sort là, on sort du territoire. Mais on remporte là, maintenant ces 7 mises au jeu contre 2 pour Viper. Dawes, on cercle le droit. Attention, on tente de décocher un lancer. C'est plutôt transformé en faible tir vers Simard. Atlas qui intercepte. À Bouchard, qui est harponné. Ça va forcer Cherry à revenir en zone défensive. On a de la difficulté à sortir de notre zone et de rentrer dans la zone adverse côté de Nabokov. On se porte souvent 4 à l'attaque. Et là, on est trop près là, les uns des autres. Encore une fois, ici, là, 2 joueurs, un à côté de l'autre. Donc, facile là, de retirer la rondelle du côté de Viper. On doit jouer... Oh, alors que là, il semble avoir un petit problème technique. Ah non, OK, on a une pénalité à retardement. Ouais, je croyais un problème technique rapidement, mais là, on sera à 6 joueurs contre 5 sur la glace. En fait, à l'attaque, mais finalement, ça se termine. Une pénalité pour avoir fait trébucher, comme on a vu ô combien souvent ce soir, Luc. Oui, effectivement. Et le joueur qui est pris en défaut, je regarde rapidement, je pense que c'est Morin qui a été pénalisé sur le jeu. Oui, c'est Morin, donc on doit jouer avec un défenseur en moins sur la patinoire au niveau des Vipers. C'est Nandy qui tente de renvoyer plus loin pour Totone. Totone. Attention, 2-0. Oh. On a fait sauter les patins à Totone et heureusement, sans quoi ça aurait pu être très menaçant. Ce sera 4-4. Encore une fois, un poke check dans les patins qui résulte en une pénalité. On en a vu beaucoup ce soir et ça en fait une de plus. Et 4-4 pour une minute, ce qui va donner l'avantage à Nabokov là, dans la deuxième portion, là, donc dans la minute suivante, là, de potentiellement aller chercher un but. Alors qu'on regarde la caméra là, du banc des pénalités, assez curieux. Oui, effectivement. Donc, on sait sur qui qu'on avait la caméra. Alors, c'est donc les Nabokov qui vont s'en aller. Attention, c'est Totone qui s'amène devant Simard. Oh! Totone qui vient déjouer, Seigneur, et c'est l'égalité 2-2. Et 2-2 ici, un match serré. On a cru voir une bonne feinte là, devant le filet adverse là, à partir du banc des pénalités. Et là, on regarde la porte ici. Là. On sait que dans 5 secondes, on sort. Alors, ça sera fait. Allons, c'est effectivement, on a l'avantage numérique ici du côté de Nabokov pour la prochaine minute. Effectivement, c'est l'infraction de Morin qui prenait fin. Attention, c'est Bérubé qui va venir appuyer l'offensive. On est en avantage numérique encore pour 30 secondes. Sortie territoire qui sera effectuée, même dégagement jusqu'à l'autre bout. Ça va forcer les Nabokov à contre-attaquer. Totone, au cercle droit, tente de décocher un tir. Alors, on est de retour sur l'action au niveau de Cherry. Et finalement, ça sera une mise en jeu à la droite de Seigneur. Alors qu'on devra ici maintenir le fort là, du côté de Seigneur pour garder ça à 2-2. Et voilà, on remporte la mise en jeu du côté de Viper qui va sortir aisément de la zone, de sa zone défensive. Bouchard, chassé croisé avec Atlas. Bouchard toujours le long de la rampe. Ça va glisser dans le coin derrière la cage de Simard. Atlas qui revient. La passe en diagonale à Creek à Cherry. Oh. Le tir. Oh, heureusement, au niveau de Morin, on a été très rapide pour cueillir la rondelle. Morin, on cercle à gauche. La transversale tentée, ça a été bloqué. Et là, c'est Bouchard qui va reprendre le disque profondément en territoire défensif. Belle passe derrière la part de Criquet. Et le dégagement qui va être toléré par les juges de ligne. On est tout près là, des 5 dernières minutes de jeu à disputer dans le deuxième 20. Le Santi qui tente de rejoindre un coéquipier. Bonne mise en échec de la part de Bouchard dans le haut de la zone. C'est d'ailleurs lui qui va reprendre le disque. Bouchard qui était attendu. Dawes avec Atlas. Dawes dans le coin. Belle protection de rondelle. La rondelle, le disque est cependant coupé
par Bérubé. La Totone qui appuie son Santé. Finalement, beau jeu en défensive. Ça sera Criquet qui va relancer. Vracheri. Cherry Vardaz. On s'échange les disques entre les deux joueurs. Dans un dégagement. Ça va aller derrière la cage de Simard. Rondelle qui va revenir en zone centrale avec Totone. Totone qui était attendu cependant. Daz va relancer le jeu. Laisse à Cherry avec moins de 2 minutes à faire. Daz à Atlas. Atlas va tenter de laisser derrière Vardaz. Revirement. Totone, attention à de la vitesse. Va-t-il déborder Cherry? Oui. Et bel harponnage, belle présence d'esprit avec le bâton au niveau de Cherry. Et c'est Atlas qui va relancer plus loin avec Daz. Atlas dans le coin. Fait glisser le disque vers Bouchard qui va renvoyer à la ligne bleue au niveau de Criquet. Un tir. Rebond, le but! Bouchard avec 5,9 secondes à faire sur la déviation. C'est 3-2. Ça, ça fait mal lorsqu'on se fait planter un but à 5 secondes de la fin de la deuxième. On a le momentum ici là, en fin de deuxième là, du côté de Viper qui bourdonnait là, autour du filet depuis quelques minutes. Et on réussit à aller prendre finalement là, un avance d'un but en cette fin de deuxième période. Il va rester 2 minutes. On a encore, je crois, un hors-jeu ici. Mais ouais. Bien fait, là, on réussit à faire un beau jeu de passe. Encore une fois, on a fait rouler la rondelle tout le tour de la bande. On a utilisé la pointe, là, comme je mentionne, pour les équipes, les meilleures équipes là, du jour aujourd'hui, là, qui utilisent le défenseur. Et on a tenté un tir voilé. Ça s'est fait dévier. On est retourné à l'ailier gauche. Et finalement, ça s'est rapidement transformé en un filet. Donc, bien fait là, du côté de Viper qui reprennent une avance là, d'un but 3-2. Donc, on remarque là, vraiment là, le contrôle, la rapidité d'exécution, pardon. Le jeu là, qui roule bien là, au périmètre là, pour Viper. On a un petit peu plus de difficultés du côté de Nabokov à s'installer en zone adverse. Et c'est ça, en fait, là, qui fait la différence présentement. Là, parce que du côté de Viper, on réussit à capitaliser sur le contrôle de la rondelle. On capitalise très bien. Et je dirais également qu'on est... tu vois qu'il y a beaucoup plus de cohésion. On sait également où les joueurs sont placés. Et au niveau défensif également, on va jouer un peu avec le bâton. On s'est fait prendre notamment dans le cas de Cherry. Mais tout de même, on joue très bien en zone défensive. Ça complique beaucoup la tâche pour les Nabokov. Donc oui, les Nabokov ont quand même des bonnes opportunités de s'avancer, mais au niveau des Vipers, il faut donner crédit. On est en mesure de très bien lire le jeu. Absolument. Et on regarde du côté des statistiques, on a 10 tirs contre 4 pour Viper, un temps de possession qui est au double. Donc c'est pour ça là, vraiment qu'on réussit à creuser finalement là, cet écart. On garde vraiment là, le contrôle du disque. Donc, c'est bien fait. Par contre, Nabokov teammates ne sont pas du tout battus. On a eu des beaux jeux de leur part. Il faut juste réussir à peut-être mieux s'installer en territoire adverse. Vardaz en reste vers Atlas qui touche le poteau à la gauche de Simard. Atlas encore une fois. La transversale Vardaz au cercle droit alors que la troisième a repris. Là, c'est Bérubé qui attend du renfort. Renvoie Santi. Santi à Totone. Totone le long de la rampe dans le coin de l'autre côté qui était solidement frappé par Criquet, d'ailleurs qui va venir appuyer l'attaque, va lever le disque à la droite du gardien. Bouchard au cercle, laisse à Daz. Daz à Atlas, à Daz encore dans le haut de la zone. Un tir faible, revirement, et Morin qui donne la rondelle ensuite à Criquet. Criquet la passe derrière, va reprendre le disque au point de mise en jeu. Un tir dans le plafond de Simard, pas de retour, 16-24 à faire en troisième. Et Simard qui vient fermer la porte ici alors qu'on a une fois de plus un bon contrôle en zone adverse du côté de Viper. Daz à la mise en jeu contre Santi. Ça va être remporté par Daz. Un tir tenté de la part de Bouchard. Ça a été bloqué par Simard. Rondelle qui va aller jusqu'à Santi. Santi qui refile de l'autre côté à Nandi. Nandi, oh, la rondelle qui a passé derrière. Seigneur. Et heureusement, ça n'a pas touché le patin. Hors-jeu à retardement qui est annulé. On donne le disque encore une fois à Santi. Nandi qui n'a d'autre choix que de revenir en zone neutre. Cherry cueille la rondelle. Cherry à Daz. Ensuite à Bouchard. Bouchard tente un tir voilé. Ça a été bloqué par Morin et Bérubé. C'est Bérubé qui va rejoindre Totone. Totone qui est entendu par Cherry. Contre-attaque, 2 contre 3. Cherry qui est encore dans le coin. À la rondelle, lob le disque et ça va aller chez les spectateurs. Ça devrait être une mise en jeu, je pense, dans le territoire des Nabokov. Ça touche un bâton. Absolument. Et on reprend à la gauche de Simard. Santi contre Daz. Et ça va être remporté par les Vipers. Rondelle qui va aboutir dans le coin gauche. Et Totone
qui tente de déjouer Sherry. C'est fait. Même un deuxième joueur n'a pu compéter contre un troisième. Là, c'est Cricket qui va tirer deux adversaires. Dawes avec Cricket. C'est le dernier qui a le disque. Tire frappé pour y aller d'un dégagement. On va jouer de prudence là, avec une avance d'un but. Totone qui a refilé à Morin. Là, c'est Atlas qui va s'amener au cercle droit. A pas d'option de passe. Morin, solidement frappé, tombe au sol. La sortie de territoire sera effectuée par Nabokov. Mondel qui est bloqué cependant. Atlas va refouler vers Morin. Là, c'est Santi qui tente d'introduire la zone adverse. C'est fait. Santi le tire. Dégagement avec une frappe au vol de la part de Cherry. Et la rondelle qui glisse jusqu'à Simard, qui renvoie Bérubé avec moins de 10 minutes à faire. C'est Cricket en zone neutre à la ligne médiane maintenant. Rentre en zone adverse, hésite fortement le contact. Renvoie la ligne bleue à Cherry. Cherry tire qui fait en l'air. Belle pression de la part de Santi qui va refiler à Totone. Totone tente de déborder. Arrêté cependant par le repli défensif de Dawes. Bouchard à Dawes avec Cricket. Là, c'est ensuite récupéré une fois de plus par Bérubé, par exemple. Il y a hors-jeu, bon contact de la part de Cherry. Il y aura une course pour l'attention de la rondelle. Ce sera dégagement refusé contre les Vipers. On va prendre un temps d'arrêt ici, alors qu'on voit qu'on a un avantage de 12 tirs contre 5 pour Viper Esports. Temps de possession qui est encore une fois là, pratiquement le double de ce qu'on a du côté de Nabokov. Par contre, il reste encore quelques minutes à cette troisième période. On a le temps d'aller mettre un but qui forcerait la prolongation du côté de Nabokov. On n'est pas du tout battu. Mais vraiment, on voit là, à quel point la synergie est là du côté des joueurs de Viper. Et on va tenter de reprendre justement là, la prochaine séquence là, avec plus d'énergie du côté de Nabokov teammates. Oui, et c'est Nabokov là, qui ont pris leur temps d'arrêt. Avec 5 minutes à faire. Un peu plus de 5 minutes à faire, le dégagement qui va être réussi par Atlas, mais ça sera refusé aussitôt que Morin va croiser les deux oreilles en premier lieu. Donc, ça sera une mise en jeu à la droite du gardien, Seigneur, à la gauche, pardon, du Seigneur. À la gauche du Seigneur, mon Luc. Ouais. Alors, le Seigneur, par exemple, n'a pas de dribbling jusqu'à présent. Non, absolument pas. Donc, une partie quand même serrée au niveau du pointage. Donc, on veut aller mettre un clou dans le cercueil du côté de Viper. Par contre, Nabokov qui est sur les. Vraiment, là, tente un plan stratégique là, avec le temps d'arrêt. Reprendre l'énergie et malheureusement, on ne trouve pas de passe. On ne trouve pas preneur sur cette passe et on retourne à l'attaque du côté de Viper. Bouchard, dans le coin, laisse la rondelle glisser. Ça va remonter à la pointe gauche. Et c'est maintenant Totone qui refait la Morin, qui cherche une option. On va renvoyer à Bérubé, à Santé. Santé qui va gagner la zone offensive. Attention, Totone sur Philanté de le but! Nancy qui marque! Et c'est 3 à 3 avec moins de 3 minutes à écouler en troisième période. Wow, quel jeu de passe ici, là, encore une fois. Là, on est venu chercher cette passe-là de l'autre côté dans l'enclave. On a forcé le déplacement du Seigneur vers la gauche. Et on a réussi à trouver le fond du filet. Donc, on a réussi à capitaliser sur ce beau time-out, là, bien calé. On a eu un bon changement. On a retourné la vapeur et on a réussi à trouver ce troisième but-là. On va forcer la prolongation à moins d'un but là, d'ici la fin du match. Donc, voyons voir comment on réagit du côté de Viper, ou même en fait du côté de Nabokov. Est-ce qu'on tente d'aller chercher un but dans les prochaines secondes avant la fin du match? Attire pas le malheur, Étienne, parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, le trois quarts du temps, ça se concrétise inversement. Absolument. Donc, c'est la malédiction du caster, comme tu mentionnais, du commentateur. Mais on va voir ce qui se passe. Et attention, Atlas, en contre-attaque rapide. Là, c'est Santi qui va relancer le jeu. Laisse à Totone. Totone, le long de la rampe, le disque qui va finalement la passe à l'aveuglette. Et c'est une passe gratuite pour les Vipers. On rentre dans la dernière minute de jeu. Maintenant, je vous rappelle, la dernière minute de jeu, elle est à temps régulier. Elle n'est pas accélérée. Bon contact de la part de Bouchard dans zone centrale. Bouchard qui va reprendre rapidement. Laisse à Dawes. Dawes qui est surveillé étroitement par Santi. Toujours avec la rondelle. La transversale tentée. Ça va aller à Totone. Devant le banc des siens. Avec moins de 40 secondes à faire. Bon contact de la part de Cherry qui frappe à son tour. Totone est incapable de garder possession de la rondelle. Reprend l'objet noir, frappé solidement en zone centrale. Il y a hors-jeu à retardement. Et aussitôt qu'on a poussé le disque alors qu'il y avait encore signal de hors-jeu, Cherry va s'amener. Cherry au cercle gauche, harponné. Il y avait trois joueurs des Nabokovs pour venir prendre la rondelle. 20 secondes, tire de loin, ça passe au-dessus du Seigneur. Cherry à Atlas. Atlas en ligne médiane. Chanty qui a tenté de plaquer. Atlas toujours en course pour la rondelle, tente d'une passe à l'aveuglette. Et là, c'est Bérubé qui va venir appuyer l'attaque.
Et finalement, Atlas qui intercepte en zone centrale. Atlas toujours avec le disque. Un tas d'un dernier tir. Non. Et on ira pour la deuxième fois ce soir en prolongation. Et oui, et vraiment, là, on le mentionnait durant la deuxième entracte, Nabokov qui n'était pas battu encore. On parle pas d'une domination. C'est un match où on a un meilleur contrôle de la rondelle en équipe du côté de Vipers, ça c'est certain. Par contre, on fait un excellent job du côté de Simard et de la défensive pour fermer le jeu et pour empêcher la rondelle de retrouver le fond du filet. Et cette façon hermétique de jouer qu'on a depuis le début de la troisième période, on a réussi ensuite ça à relancer l'attaque d'une meilleure façon et on n'a pas vraiment réussi durant tout le match à vraiment s'installer en zone offensive. Par contre, les seules fois qu'on a vraiment réussi à prendre la possession du disque en territoire ennemi, eh bien, on a capitalisé là-dessus. Et après le temps d'arrêt qu'on a eu en troisième, c'est ce qu'on a fait. On a forcé la prolongation. Et donc là, on est dans une bonne position mentale là, du côté de Nabokov pour cette prolongation. Atlas, merci Étienne. Atlas qui a reflé derrière. Attention, revirement de Cherry. Deux contre deux. La fin de Toton. Et finalement, on est incapable de décocher un bon lancer sur Seigneur. Rondelle qui donne la difficulté à Bérubé. Pression d'Atlas sur le défenseur gaucher. La rondelle là, qui est récupérée par les Vipers. Atlas va dégager le disque. On va partir en course au niveau de Bouchard. C'est Morin qui arrive en premier. Rondelle qui va se rendre jusqu'à Totone. Et on gagne la zone centrale et même la zone offensive. Totone au cercle gauche. Se remonte vers les deux cercles. Le tir, c'est bloqué par Seigneur et il n'y aura pas de retour. Bel arrêt ici du côté de Seigneur. On coupe la passe. Un jeu qui aurait pu devenir très dangereux très rapidement. Donc, jusqu'à maintenant, encore une fois, là, très, très, très serré là, au chapitre de la possession. Là. Par contre, on voit 17 mises au jeu. Et là, ça pourrait... C'est dangereux, mais on reprend du côté de Viper. 17 mises au jeu contre 5. Donc, vraiment là au centre, là, on joue très bien là, du côté de Santi. Bonne mise en échec à l'intention de Santi. On l'a qui est récupéré par Cricket. Cricket par Atlas. Atlas solidement tendu par Bérubé en entrée de zone. Bérubé reprend au cercle gauche. Intercepté par Atlas. Daz, patiente. Cricket qui va venir appuyer l'attaque. Envoie derrière. Babouchard, un tir faible du revers. Revirement, contre-attaque, pardon, 4 contre 3. Santi laisse Ponani. Et finalement, beau repli de Cricket qui est revenu reprendre sa position. Daz en entrée de zone, puis en tourniquet. Toujours un tir tenté de la part d'Atlas. Ça a été soutiré par le défenseur des Nabokov. Bérubé reprend. Tout près de la ligne médiane. Va rester tout, ensuite vers sa ligne bleue. Bérubé, hors jeu à retardement. Bérubé n'a pas d'ouverture. Tente un dégagement, ça va aller sur Daz. Daz avec Atlas. Daz qui finalement va cueillir le disque. Cricket à Bouchard. Le long de la rampe. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture là, en période de prolongation. Cherry. Ensuite, à Cricket le tir. Ça a été bloqué par Simard. On est toujours dans le coin. Et ça sera Nandy qui tente de décocher un tir. Pardon, Santi ensuite. Et Cherry là, qui est incapable de sortir de son territoire. Belle pression de la part de Totone. Cherry à Cricket. Cricket ensuite à Daz. Ça va se rendre jusqu'à Bouchard. Attention, Atlas hors jeu. Oh, qu'on a eu chaud au niveau des Nabokov. Ce que je mentionnais avant la prolongation, vraiment, là, on voit à quel point le jeu est fermé défensivement du côté de Nabokov. On s'est super bien adapté au style de jeu de Viper. Et on n'est pas capable de trouver une passe efficace en territoire ennemi. On force la rondelle au périmètre de la zone là, du côté de Nabokov. La mise en jeu qui était plutôt tenté par Daz, bloquant défensive. Santi va reprendre. Santi qui laisse ses Totone qui gagne la zone offensive. On est à 3 joueurs sur le porteur du disque avec moins de 7 minutes à faire. Cricket à Bouchard. Bouchard vers Daz. Daz au cercle gauche, la transversale vers Atlas, ça ne fonctionne pas. Rondelle qui va glisser plus loin vers Bouchard. Bouchard tente de revenir devant, ça, c'est raté. Santi qui rate son dégagement. Et au final, c'est Totone qui va gagner la zone offensive. Avec Nandy, passe dangereuse dans l'enclave. Interceptée par Cherry Atlas qui part en course. Atlas qui fait glisser la rondelle vers Bouchard. Bouchard qui arrive le premier en protection de rondelle. Là, c'est Atlas qui va renfiler à Cricket. Cricket le tire, ça dévie devant le filet. Ça va revenir dans le coin gauche. Et c'est Totone qui va sortir de sa zone défensive. Refile à Nandy. Nandy, finalement, c'est un dégagement qui est effectué. Cherry reprend dans le bas du cercle droit. Redonne la rondelle à Bérubé. Pour les Nabokovs, Bérubé dans sa zone, cherche une ouverture, il n'y en a pas. Revient sur ses pas. Il tente de réorganiser une contre-attaque. C'est fait. Santi, plus loin. Santi qui va reprendre la rondelle, ça a touché
Bouchard. Et finalement, c'est Dobbs qui va capter la rondelle. Un tir de loin. C'est redirigé par Simard. Un tir de loin. Ça touche le débat transversal. Le retour d'Atlas a été bloqué ensuite en défensive. Et Santi vers Nanzi. Là, c'est Cricket qui intercepte pour Bouchard qui était attendu cependant. La rondelle va glisser. Le jeu va se poursuivre et ça ne sera pas dégagement refusé. Morin avec la rondelle vers Santi. Santi, Totone qui était attendu de pied ferme. Là, c'est Cherry qui va venir appuyer l'attaque. Cherry tente un tir bloqué par Simard. Ça va aller dans le coin. Dove, Cricket. Cherry, le tir! On n'a pas si bien près de compléter au niveau de Bouchard avec une 13 à disputer en période de prolongation. Et quel arrêt de Simard ici, là, c'est crucial dans les dernières minutes comme ça ici. On a probablement le temps là, d'y aller avec une dernière offensive là, du côté de Nabokov. Si on remporte la mise au jeu, donc c'est crucial pour eux. C'est fait. Là, on est qui va glisser dans le coin. Dans un sale d'attente, c'est le but! Toton avec son tour du chapeau! Mais fin au match et Nabokov revient de l'arrière et l'emporte 4-3. Wow! Et là, malgré là, le déficit de tir, de temps de possession, on réussit à démontrer une grande adaptabilité du côté de Nabokov pour revenir de l'arrière dans ce match. Vraiment, là, ça, c'est la meilleure démonstration de comment on doit s'adapter à 6 contre 6. On a identifié le style de jeu de Viper qui était très dominant en début de première période. On a coupé les grandes passes, fermé le jeu en défensive. En offensive, on a commencé à bombarder le seigneur de rondelles et on a réussi finalement à revenir de l'arrière dans les 30 dernières secondes. Un but en troisième période suivant l'arrêt de jeu et en prolongation. On se retrouve avec ce magnifique but là, avec une passe parfaite de l'autre côté de l'enclave. Donc vraiment, là, je lève mon chapeau à Nabokov qui ont réussi à se retrousser les manches, à ne pas se laisser abattre et à s'adapter au style de jeu. Donc vraiment, là, incroyable comme partie. Excellent, là, Luc. Même Viper, là, c'est certain qu'ils ont c'est démoralisant une défaite ouais. comme ça. Ils ont extrêmement bien joué, là, mais ça l'augure bien pour ces deux équipes-là dans les prochaines parties. Là, on a une belle cohésion dans les deux équipes. Par contre, il ne faut pas oublier qu'au niveau des Vipers, on a manqué complètement une chance là, quelques instants plus tôt. Un tir décoché de la ligne bleue de la part de Cherry qui a littéralement abouti sur la barre transversale. On avait réussi à battre Simard. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de compléter le jeu. Et aussi, également, c'est important de mentionner, les Nabokovs ont utilisé leur temps d'arrêt au bon moment. Il restait moins de 5 minutes à la rencontre. On a décidé d'utiliser le temps d'arrêt. Ça a changé le rythme dans la rencontre. Et ça a été vraiment l'essence même de la remontée. Parce que si on appelle probablement le temps d'arrêt un peu plus tard, malheureusement, ça n'a peut-être pas le même effet non plus. À 100%. Donc vraiment, là, quelle belle soirée on a eu de match pour le début du round robin, Luc. Très, très, très heureux d'avoir pu faire ça avec toi. Donc encore une fois, je veux juste prendre le temps, avant de vous quitter, de remercier tout le monde qui a été là aujourd'hui sur nos plateformes de diffusion différentes, sur twitch.tv/RDS. Barre en bas CA, sur le YouTube, sur le Facebook de RDS. Donc, vous avez été super nombreux. Je pense vraiment qu'on a eu une excellente soirée de hockey, Luc. Ah, également, honnêtement, c'est déjà l'inscription au nombre du le nombre d'inscriptions au tournoi me surprenait énormément à 224. Et là, de voir que tout le monde que beaucoup de gens qui ont embarqué en plus dans notre web diffusion, mais ce n'est qu'un bon signe. Et voilà, alors on va terminer là-dessus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve jeudi à 8h sur les ondes de twitch.tv/RDS/CA, sur le Facebook d'RDS, comme je mentionnais, et le YouTube. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir commenté. Et on espère que vous serez des nôtres jeudi et samedi pour la suite des Round Robin. On aura d'autres excellents matchs. Merci à tout le monde aussi en régie, donc à Stéphane qui est en régie pour tout le long de cette web diffusion et à l'équipe qui est derrière aussi les rideaux là, pour nous assister, là, nous supporter sur le technique. Et on se retrouve jeudi prochain. Merci tout le monde et bonne soirée.